Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on lise un petit peu le doc un petit peu là? N'oublie pas que si tu rages sur l'organisation, tu offres des subs. Tout à fait. Et c'est pour ça que je me suis engagé cet événement à ne pas râler sur l'organisation, ou du moins essayer d'être assez clément et de ne pas râler, parce que la dernière fois j'ai un petit peu râlé sur beaucoup de choses et on m'a dit c'est pas cool. Donc effectivement, vu que j'organise des événements maintenant, je me rends compte de la difficulté. Donc voilà, donc maintenant on va pouvoir le faire. Comment on change sa couleur de pseudo? C'est dans les options de du chat Twitch. Merci SinoMC pour le Prime, merci Kesmono087 pour le Prime. On lit ce doc ou quoi les gars? Parce que dans 10 minutes le serveur il ouvre là, donc on va peut-être secouer quand même. Merci Neptium, merci beaucoup. Alors évidemment le doc est en anglais, est-ce qu'on peut le passer en français? Je ne sais pas. Bah écoutez, il va falloir qu'on translate bien comme il faut hein. The second edition of City Nation Events take place. Voilà, 21 août, 26 août. Vous savez, ça finit samedi soir. D'ailleurs, ça finit pas à 21h comme d'habitude, ça finit à minuit, 23h minuit. Donc, d'ailleurs, il y aura aussi un événement, je crois. Ils l'ont peut-être pas dit, mais je crois que... Enfin, Sifano avait dit qu'il y avait un event tous les jours à 16h. Donc, bah, vu qu'il y en a 5 au total, comme il a dit, bah forcément, ça veut dire que... Il y en aura aussi un samedi pour terminer, donc c'est très bien. 100 streamers de 10 pays différents, 5 jours pour collecter le maximum d'émeraudes possible, en sachant que bon, c'est pas 5 jours, hein, c'est plus 6 hein, avec aujourd'hui. Hein, parce qu'en vrai, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ça fait 6. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est pas une soirée d'ouverture. Hein, aujourd'hui, c'est une vraie journée. Hein, on a quand même 10 heures de live aujourd'hui minimum là. Hein, donc voilà, je veux dire, c'est pas juste une soirée d'ouverture. Là, c'est un vrai stream aujourd'hui. D'ailleurs, finalement, je trouve ça bien que ça commence en plein milieu d'après-midi plutôt que le soir. Voilà, je le dis. Ça nous laisse le temps de nous mettre direct dans le truc et il n'y a pas cette frustration de se dire putain on a joué 3h mais il faut déjà qu'on aille dormir. Je trouve ça bien que ça commence à 15h30, enfin à 16h, ça commence très bien déjà je trouve cet événement. Ok les règles. Alors, parce qu'apparemment il y a beaucoup de choses à dire. Ces règles peuvent être modifiées à n'importe quel moment par les organisateurs, pour une question de fair play etc. Tous les participants doivent lire machin etc. Ça on s'en fiche. Donc il y a des remplaçants dans chaque équipe si jamais des gens ne viennent pas ou quoi que ce soit. Sauf en France, bien sûr, mais en France, ce sera les gens seront piqués comme ça, enfin voilà. Event en 1.19.4, mesdames et messieurs, comme c'est écrit ici même. Et vous le voyez pas parce que c'était caché. Bon, c'est pas grave, c'est ici. 1.19.4. Lunar client recommandé, ça tombe bien, on est sur Lunar client. Badlion, le client, on s'en fout. Vanilla, Optifine, on s'en fout. Pas d'autres clients, on s'en fiche. Optifine, ça, c'est les seuls modes qui sont autorisés. Donc Optifine, les coordonnées, Toggle Sprint et Toggle Sneak. C'est tout. Donc... pas de replay mode, pas de trucs des armures que vous aurez sur les côtés d'habitude, pas de trucs de potions en bas à droite comme on a d'habitude, rien d'autre, c'est Vanilla quasiment, hein. Vanilla. Pas de clouds, les shaders sont activés et d'ailleurs je vous ai prévu un petit shader parce que j'ai modifié un petit peu mon shader pour qu'on puisse l'utiliser tout le temps, mais on verra, peut-être qu'on l'enlèvera à certains moments. Et les particules doivent être activées, un ressource pack est disponible, donc c'est bon, parfait, bon ça évidemment on connaît, pas de ressource pack qui donne de l'avantage à part un low fire, le full bright, les minerais entourés là et un petit shield, donc normalement Jim a préparé quelque chose. Merci. Vanilla Minecraft on s'en fout, machin, glitching to the nether, sailing et zero head, ça c'est le toit du nether je suppose. Oh, attends, donc ça veut dire qu'on peut faire des trucs sur le toit du nether? Enfin je crois que c'est ça, sailing ça doit être ça, on est d'accord c'est ça, hein, vous me traduisez peut-être avec mon anglais qui est approximatif, mais on est d'accord que nether sailing c'est le toit du nether, ok. Donc c'est bien ça. Macro désactivé bien sûr. Bon le chat on s'en fout. Mais est-ce qu'on s'en fout pas un peu de tout ça là? Ah oui, on a le droit de faire des farms AFK. On va peut-être en faire d'ailleurs avec Jim. Peut-être on a le droit de faire des farms AFK. Spawn kill forbidden évidemment. Ok, donc il y a toujours le truc de l'année dernière. On peut pas des coups combat. C'est essentiel que tous les joueurs gardent leur compteur d'émeraude secret. Voilà, c'est-à-dire que vous n'aurez pas le compteur d'émeraude, je crois, affiché en permanence, mais par contre, on pourra le savoir, nous, sur Discord. Donc souvent, je vous communiquerai, à mon avis, peut-être... Je sais pas si on communiquera ou pas, mais en tout cas, peut-être que pour... En fait, de toute façon, je sais qu'on aura un classement, mais on n'aura pas le nombre d'émeraudes précis. Genre, on pourra pas savoir si on est en retard de 500 000 ou quoi que ce soit. Donc en tout cas, on verra juste notre classement par rapport aux autres. Genre, on verra premier USA, deuxième France, ça n'arrivera jamais, hein, premier USA, qui vont jamais se connecter. Mais on sait jamais, hein. Bon, j'ai la flemme de lire tout ça, là, attends. Moi, je veux lire les features, en fait, là. Ah, how to have a good start, on sait. Information et gameplay. Ah, émeraude. Pas montrer le doc. Sif a dit de ne pas montrer le doc. Ah bon? Ah, le doc est à E30. Oh, oui, bah, c'est bon. Alors, attendez. Le doc est à E30. Mais, alors, je tiens à vous le dire que tous les streamers l'ont déjà lu en live. Mais voilà, mais après, c'est pas... C'est chez moi qu'on vient le dire, mais... Tous les streamers l'ont déjà dit en stream, mais c'est pas grave, PTDR le leaker. Bah non, c'est pas moi, hein. Titi, il m'a dit hier. Il m'a dit à 23h, il m'a dit, mec, je suis en stream, je suis en train de lire le doc, si tu veux venir. Il m'a dit donc, écoute. Moi j'ai envie de te dire, Bichard l'a déjà lu en stream, Jimmy l'a déjà lu en stream, tout le monde l'a déjà lu, hein, donc moi je savais pas, moi, faut le dire à tout le monde. Hein, dans ces cas-là, merci Caillou pour le 1000 bits, merci NLF, merci Diamond, Oni. Bah écoutez, c'est pas grave, je vais le lire mais je vous montre pas le doc, mais je le lis. Hein. Alors, on peut gagner des émeraudes en farmant du stuff et en échangeant contre un PNJ, bah, comme des PNJ au centre, donc vous savez faire, hein, y a des PNJ. En vrai, ne pas savoir de A à Z et pour éviter que des gens disent votre nombre aux uns et arrête de jouer par découragement. Mais oui, non, mais c'est bien ça justement, moi je trouve ça très bien qu'on ait pas le compteur d'émeraudes. Hein. Moi je trouve que c'est une très très bonne idée, donc voilà.
Ah, apparemment c'est bon, on me dit que c'est bon en fait. De toute façon c'est en anglais. C'est public maintenant il a dit. Ah donc c'était pas public il y a 10 secondes maintenant ça l'est. Ok donc je peux y retourner. Bon bah voilà, maintenant on a fini de leaker. C'est bon, re à tous du coup. Voilà. Ouais, c'est bizarre de pas pouvoir le montrer dans cette émission. Bon, c'est bon. Donc voilà, donc évidemment, comme d'habitude, on a un PNJ au centre qui nous échange des émeraudes contre des trucs, etc. Alors, nous avons une petite strat concernant ça, mais je n'en parlerai pas. Pour évidemment que ça ne leak pas. Alors, on a aussi de l'or, on n'a pas que les émeraudes. Donc voilà, fin du leak. Les amis, on a leaké pendant à peu près une minute. C'est pas grave. Merci Pendu Banane, merci Mayol, merci Tonton Matou. Il y a aussi de l'or, comme l'année dernière, pour la première Cité des Nations, enfin il y a 2 ans. Alors, l'or sert à upgrade notre spaceship, c'est-à-dire upgrade notre vaisseau. Upgrade des skills, c'est-à-dire qu'en gros on va avoir des effets permanents qui vont nous être mis et ça servira à acheter aussi des maisons dans le hub central comme il y a 2 ans, vous le savez. Par contre moi j'ai juste envie de regarder comment ça va se passer. Vous pouvez collecter gold, vous pouvez collecter de l'or dans les caves ou sinon en échangeant du stuff un custom PNJ. Ok, par contre du coup chaque team a donc une base qui ouais c'est une sorte de bateau hein, de bateau dans l'espace, parce qu'évidemment si vous ne savez pas le thème de cet événement c'est l'espace hein. Et on peut upgrade donc ce bateau en débloquant du coup des zones de stockage, ok. Des nouveaux PNJ. On peut débloquer des nouvelles planètes du coup. Ok, donc en fait l'or c'est l'étape numéro 1 quoi en gros. Et débloquer du coup je suppose aussi des effets permanents je suppose. Ah oui, attends. Mais attends du coup on n'a pas besoin de s'emmerder à faire la table d'enchantement. Parce que du coup si on récupère de l'or, en fait en gros on va directement débloquer une salle d'enchantement. Donc je suppose qu'on n'a pas besoin de faire... de table d'enchantement niveau 30 ou de trucs comme ça, naturellement. En fait, il faut juste qu'on farme l'or dès le début pour aller faire la table d'enchantement, quoi. En gros. Enfin, ça a l'air d'être ça. Ouais, c'est ça, 500 d'or pour débloquer la salle niveau 1. Et les skills, c'est quoi? Day 1, on peut... Ok, donc Day 1, on peut récupérer... Merci. Du coup, respiration 1 perma. Ah, d'accord. Donc en fait, en gros, il y a... un avantage, qu'est-ce que fait Kira, j'ai très peur. On peut récupérer un avantage en effet et on peut récupérer un avantage de farming, c'est-à-dire x 1,5 d'XP. Oh, c'est énorme. Mais du coup, ça veut dire que là, ça va être x 2, x 3, x 4. Oh. Ou x 2,5, x 3. Ouah, si c'est ça, c'est énorme. Du coup, ça va être quoi? Respiration, haste, speed et résistance, quoi. Ça va être ça, quoi. En gros, bon, voilà, ça va sûrement être ça. Ok, ok, c'est pas mal. Ok, donc l'or est à focus absolument. Avant les émeraudes, je pense. Les planètes. Vous pouvez naviguer vers d'autres planètes avec uniquement votre bateau de team. Il faut utiliser le bateau de navigation. Ok, donc ça, c'est la planète de base. Sylviana, c'est la planète qui est débloquée de base. Oh, PVP off à jusqu'au jour 3. Oh, c'est trop bien. Mais c'est trop bien, en fait. Mais c'est trop bien. Ça veut dire que là, on a une journée aujourd'hui et demain où on est tranquille. Donc ça veut dire qu'on risque pas de se faire casser la gueule par une équipe qui voudrait nous soulever, genre la Belgique, par exemple. Pardon. Ok, donc là c'est une planète où il faut être niveau 1, là il faut être niveau 2, et évidemment on n'a pas les screens, on n'a pas de screen évidemment pour pas se spoiler, mais c'est exceptionnel. Et en plus ce qui est bien c'est qu'on a eu que des screens de ces maps là, donc on ne sait pas ça va être quoi. Substar ça doit être la map un peu désertique je pense, qu'on a dû voir je pense. Merci Flo, bah, ton don n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi, mais merci bro, enfin sur mon truc, merci. Attendez je vais regarder. Nether et End. Alors de ce que j'ai lu, le Nether est accessible uniquement avec le hub central. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de portail dans le monde normal. Tous les portails sont linkés à ce portail-là. Exemple, si un joueur fait un portail dans le Nether, il retournera au hub au hub central. Donc c'est super bien. Le portail du Nether est ouvert au jour 4 ? Quoi ? On peut pas aller dans le Nether avant le jour 4 ? Merci. Ah, j'ai un petit chat qui est venu sur mes genoux là. Quoi ? Attends, le portail du Nether est ouvert jour 4 et le End est ouvert avant le Nether ? What ? Ah oui, Miaou, tu peux le dire ça, hein. Moi aussi j'aurais dit pareil. Hein. Ah, pour les fermes à or, mais oui, c'est pas con. Bah oui, c'est pour éviter les fermes à or en fait. C'est pour éviter les fermes à or. Bah oui. Tu peux bouger la cam et mettre sur Kira STP. Bah écoute Charlie, j'allais justement le faire parce que j'ai compris que ça ne sert à rien de toute façon. Merci Starbull, merci Nounou, Lulus Rito, merci Nova King, Lukiz, Tux, Noah, Anna. Comptes-tu faire The Last of Us? Oui. Merci Maeva pour le Prime. Merci Caillou pour les 2000 bits. Merci. Donc en gros, on n'a pas de Nether. Du coup, on laisse tomber le Nether ce soir. Ah ouais, mais du coup, ça veut dire qu'on va devoir miner comme jamais pour aller pour se faire un stuff de ouf aujourd'hui quoi. Non mais en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est miner de l'or en fait. Parce qu'il faut faire... En gros, c'est simple. Aujourd'hui, c'est on upgrade notre spaceship niveau 1. On se met enchantement niveau 30 et voilà, parce qu'en fait on n'a pas le droit d'aller dans le Nether. Donc ça veut dire on n'a pas le droit, enfin on peut pas récupérer le quartz du Nether. Et on peut pas être full Netherite.
Mais du coup, objectif, trouver un message, non? En vrai. Salut Mirolam, ça va ou quoi? Ouais, mais je suis d'accord, hein. Merci. Mais en fait, c'est pour ça, c'est parce que du coup, sinon, on aurait pu farmer l'or trop facilement dans le Nether. En vrai, ils sont pas cons, bah oui, c'est logique en fait. C'est logique, hein. Et les quêtes? Oh, c'est quoi ça? Tous les jours, chaque joueur aura les 3 quêtes. Mais non, mais c'est trop bien, on aura des quêtes en plus à faire! Pharma Overworld. Si tu sais faire, Mirolam, fais, mec, hein. Attends, mais tous les jours, on a des quêtes à faire qui sont individuelles pour chaque joueur. Mais mec, c'est absolument génial en fait. Et aussi, je crois qu'on a des têtes à récupérer aussi, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Parce que les autres ont dit qu'il y avait des têtes à récupérer au spawn, donc je sais pas si c'est vraiment le cas ou pas, mais apparemment on a des têtes. Hein. Mais c'est trop bien, on a des quêtes. Hein. Mec, en vrai, j'ai trop hâte que ça commence, ça va être génial. Ça va être la fiesta. Mec, ça va être trop bien en fait. Hein. Et c'est des quêtes individuelles du coup. Merci pour le reset. Nos transformations from zombie villager to pillager. Donc on ne peut pas ok, donc on peut pas infecter nos villageois et les transformer pour avoir les réductions complètement pétées là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Potion strength 2 disable. Donc on a droit au speed 2. What the fuck, on a droit au speed 2, ça veut dire? Ah ouais, c'est broken ça. On a droit au speed 2, mais de toute façon on peut pas faire les speed 2 avant le jour 4. Ok. On n'a pas de villageois naturel. Attends, comment ça? No natural villager, no transformation from zombie villager to villager. Donc on peut pas faire de villageois du coup, ça veut dire. Donc attends, non mais no natural villager, ça veut dire qu'il y a quelque chose. On doit pouvoir faire apparaître des villageois du coup, je pense, ou un truc comme ça. On doit pouvoir faire apparaître des villageois quelque part ou quelque chose comme ça. Parce que si on peut pas faire de villageois, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de livre full mending, on peut pas avoir de livre full protection, etc. Ce qui en soi nous éviterait de nous emmerder à faire les villageois aujourd'hui, ce qui en vrai serait pas si mal en vrai. Un portail du Nether fait spawn des pigmen par défaut à part s'ils sont désactivés. Faut qu'on voit Miro. Si on va aller en vocal, on va voir. Ok. Ok, ok, ok. Il est 16h30. Ouais, on va avoir l'IP du serveur, on va pouvoir se connecter. Ok, bah ça a l'air d'être ok en vrai. Merci JKTML, merci l'ours. Merci Uromis, ça promet cette cité. Ouais, de ouf en vrai. Ça a l'air trop bien. Bah du coup, faut farmer l'or, des émeraudes, les events tous les jours à 16h, mesdames et messieurs. N'oubliez pas, tous les jours à 16h, les événements. D'ailleurs, on va les lire, je pense. C'est ici, Daily Events. Next Event, on sait pas. Hein? Attends. Tous les jours, un événement spécial, enfin un événement bonus se joue. Toutes les nations sont invitées à participer. Les events se jouent en deux parties. Il y a d'abord une qualification. Ah mais oui, c'est comme il y a 2 ans. Il y a une phase de qualification dans chaque équipe. Ah mais d'accord, ok. D'accord, en gros, tous les jours à 16h, on a un événement qui va se dérouler à vers Ligpa 1. Mais tu veux que je lis quoi? J'ai pas d'infos, frère. J'ai les mêmes infos que vous, hein, les gars. Tu veux que je lis quoi? Les gens sont en mode Ligpa, Ligpa. Mais mec, moi je suis pas organisateur, hein. Je n'ai aucune info, hein. Je suis comme vous, les gars. On découvre tout. Hein. Je vais sûrement dire des grosses conneries d'ailleurs, parce que je ne sais pas. Hein. Je vais rien liker. Hein. Mais juste, du coup, apparemment, de ce qui est écrit, il y a une phase de qualification où on va jouer tous les Français contre les Français. Et ensuite, le top 2 de cette phase de qualification jouera pour représenter son pays. Bah, c'est comme il y a 2 ans en fait. Hein. C'est la même chose qu'il y a 2 ans. Ok. Oh, ça va être trop bien. Training. Oh, avant les phases de qualification, il y aura une training session. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien en fait. Mais c'est trop bien en fait. C'est génial. Et du coup, c'est à 16h tous les jours. Donc 16h tous les jours des events, on doit farmer l'or, des émeraudes et on a des quêtes individuelles tous les jours. Bah, je sens que pendant cette semaine, on va carrément s'éclater, les gars, je pense. Vraiment hâte de suivre cette cité. Mais moi, ça a l'air trop bien. Là, je suis en train de lire le doc, je m'étais pas spoilé avant. Mais ça a l'air trop génial. C'est quoi les commandes? Oh, il y a un set home. Merci. Oh, mais quel plaisir en fait. Hein. Mais quel plaisir en fait. You can unlock this command in the skill. Ah, bon, bah, on l'a pas dès le début. J'ai rien dit. Et c'est un common set home for the team. Ok, et on peut faire la commande toutes les 30 minutes. Enfin, c'est une commande de set home pour toute la team, donc pour mettre à la base de la team. Et c'est une faisable toutes les 30 minutes. Sauf que visiblement, on peut pas le débloquer au niveau 1. Bon, Miro, je sais pas si t'es là, mais faut farmer l'or aujourd'hui. Hein. Faut qu'on débloque tous les skills du truc. Hein. Faut l'or. Les émeraudes, on s'en fout pour l'instant. Hein. On va faire l'or. Hein. Faut qu'on ait tout en fait. Faut qu'on ait tous les effets. Faut qu'on fasse l'or à 100% en fait. Faut qu'on fasse le ship hein, d'abord. Ok, slash long, slash settings. Oh, c'est bien ça. Et slash account. It allows you to link your account to Discord and then check your emerald account. Gold account à Team Emerald. Oh mais c'est trop bien ça aussi. Merci. D'accord. Et on ne doit pas le partager avec les autres teams. Donc je suppose qu'on doit pas vous le dire. Planning. Ah ok, to the calendar. Ouais mais ça de toute façon je vous l'ai déjà dit. Team. Team France, Team Brésil. Merci. Team Belgique, Team plaisir, Maroc, hein. Italie, machin, ok on sait. Et il nous reste les crédits, tous les gens qui ont travaillé sur cet événement. Voilà, évidemment, on leur dit un grand merci. On peut leur dire merci pour cet événement, évidemment, en espérant que ce soit évidemment un événement de fou. En vrai, aucun doute. Et sponsor, Hyping Steel Series, Minecraft.fr. Je crois que c'est tout.
Voilà. D'ailleurs, si jamais vous avez des capes lunar à acheter, si vous voulez acheter des capes de la France. Voilà, si jamais, comme ça vous le savez. Montre les teams. Allez, vas-y, tiens, je te montre. Si vous l'avez pas vu. Donc, Team France. Donc, moi-même, Ninjax, Jimmy, Mirolam, Bichard, Titi, That Damn Girl, Soulraven, Frigel, Nino. Hyper n'est pas là parce qu'il est en vacances. Matox n'aime pas les citer et Gep n'a pas été invité. Il est remplaçant, mais je crois qu'il veut pas le faire même en remplaçant. Donc, voilà, comme ça vous le savez. Watch a friend streamer here. C'est quoi ça? Ok. Team Brésil, je les connais pas. Je connais que Forever et Artek de nom. Les autres, je les connais pas. Team Belgique. Merci. Je connais Nimbus forcément, je connais Oraz, je sais que les autres jouent énormément au jeu. Daku c'est mon modo, Daku mon modo il est là, Daku il joue l'event, what the fuck, je sais pas pourquoi il est là mais il est là. Bah en vrai c'est un streamer hein, mais Daku c'est un de mes modos, what the fuck. Ah et la Team Belgique par contre s'ils gagnent pas, l'event c'est des ouf hein. En vrai honnêtement hein, je crois que, les... enfin si le Joulou je connais, Dr Salan aussi il a fait la première cité des éléments, Dr Salan. Tetsu aussi je connais de nom, en fait je connais de nom les gens, je les ai jamais vu jouer mais je connais de nom. Et je crois que, enfin Oraz je sais que c'est un énorme tryharder mais de... enfin... C'est un Omega tier pour ceux qui connaissent, c'est un Omega tier. Et donc ça va être chaud. Team Maroc, voilà, je les connais pas du tout. Genre vraiment pas du tout. Team Italie, y'a Gabo, y'a le GOAT, y'a le GOAT. Comment ça, Omega? Bah Omega tier, parce qu'Omega il sait tout faire sur Minecraft. Hein. C'est ça que je veux dire, en gros. Daku, tu vas streamer l'event, j'espère, mec. Oh là là, quand je vais finir mes lives et que je vais raid Daku, putain. Merci. Et que comme ça, les gens vont pouvoir me dire ce que la Team Belgique ils font quand je vais relancer, mais trop bien en fait. Hein. Oh, trop bien quoi. Pas de Narco, Nagato, Dalil, rien. Bah écoutez, c'est pas nous qui avons fait l'équipe. Hein. Moi j'ai écouté, hein. Moi j'ai pas fait l'équipe. Hein. Moi on m'a dit tu joues la game et voilà. Forever joue, il y a pas le QSMP. Non, non, Forever va jouer l'event. Il a d'ailleurs posé beaucoup de questions sur le Discord, donc je pense qu'il va énormément s'investir. Parce qu'il a posé beaucoup de questions. Team espagnol, alors moi je connais Coldified parce que vous le retrouverez au Guild Games la semaine prochaine. The Blazer que vous retrouverez aussi au Guild Games. Shadoon, du coup, qui sont les trois en équipe. Pas le métal. Counterstein, que je connais énormément. Chris Green, que je connais très très bien parce qu'on se parlait à l'époque il y a 6-7 ans. À l'époque où il y avait Wolf, etc. Serpias aussi que je connais, donc voilà, une team qui est assez forte. Et Juan Clean, apparemment, c'est le top 2 PVP Espagne. Donc on a le top 1 et le top 2 PVP Espagne, c'est super cool. On va juste se faire casser la gueule, en fait, en PVP. Team Australie, je connais personne, vraiment. Team Vietnam, je connais personne, mais je trouve ça trop stylé qu'ils aient la même PP, quasiment. Merci. Et les Allemands, et là, c'était le problème la première fois. Des Allemands de la première fois, il n'y a que Austrian et Arfor. Et je crois que les autres, c'est que des nouveaux. Et je crois qu'on n'a pas le mec toxique de la première fois là, vous vous souvenez? Il est pas là je crois. Et voilà, Team USA, alors elle n'est pas complète je crois, mais on a Sipiqué qui finalement ne le fait pas parce qu'il a un empêchement. Antfrost, Dream, Mysticat, Assist D, Smithies, Québécois du coup, et Fire Breastman et trois autres que je ne connais pas. Donc bon voilà. Voilà, bon par contre ça va un peu donner les teams là. Ça va donner je crois. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui a posé la question, si on fait des TikTok, est-ce que ce sera aussi en short sur YouTube? Peut-être, mais on va peut-être pas tous les poster parce que ça spam un peu, donc peut-être pas tous quoi. Bon bah du coup c'est pas mal quoi. Par contre apparemment, et attends, Jim me dit qu'il y a des émeraudes aide à farmer là, mais c'est vrai ou pas? Il y a des têtes à farmer pour de vrai, mais je crois pas non. Parce que les gens, enfin Jimmy, toute la team dit qu'il y a des têtes à farmer, mais moi j'ai pas vu ça écrit dans le doc, vous l'avez vu quelque part ou pas? Ou c'est vraiment peut-être juste moi qui l'ai pas vu? Ah mais non, mais c'est Up Central, mais c'est écrit là en fait, c'est dans Up Central. Bah oui, c'est juste que j'ai pas lu en fait. C'est juste que j'ai pas lu. Bah non, c'est pas écrit en fait. Sif l'a dit? Ah bah c'est bon alors. Bah si Sif l'a dit, c'est bon hein. Assist D il est FR mais il joue pour la communauté US, c'est comme Shadoon qui est français aussi. Mais sa communauté c'est une commu espagnole. Ok. Ok. Ah oui, c'est vrai, c'est pas con de les mettre sur la chaîne secondaire, les TikTok, c'est vrai ça. Merci Case LX, Hugo Sensei, Atland. Merci, merci Ice23Fice. Ou c'est peut-être Fire que tu voulais dire. Sky, Puleo, Lucasom, Tux TV pour le subgift, Lours, Oromis, Zazu, Okami, Star Red Bull, Lulu Zerito, Nounou, Nova King, Lukiz, Luzord, mais Lulu, ça fait plaisir. Et Petit Dog. S'il y a des têtes à farm, tu sais ce qui stresse à faire. Non, mais je pense qu'on fera ça soit ce soir ou. On verra. On les fera peut-être pas aujourd'hui les têtes, on les fera peut-être demain, mais je vais voir. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, je pense que je vais juste me balader là, en fait. Hein. Je vais juste chercher absolument un Mesa ou un truc comme ça dès le début, je pense. Hein. Merci pour le. Ouais. La team est pas la plus OP, ça se voit. Sifano vous a nerf. Oui, bah oui, il avait dit qu'il voulait faire une team plus chill cette fois-ci. Merci. Mais bon, en vrai, honnêtement, je vous le dis, j'ai parlé avec Titi, avec les autres et tout. En vrai, je pense qu'on peut quand même gagner. Honnêtement. Si on se donne à fond, on peut quand même gagner. Et honnêtement, même si tout le monde ne joue pas, je pense qu'on peut quand même gagner. Même si on est 4 ou 5 à tryhard à mort.
Parce que je crois que Jimmy, évidemment, va trahir d'amour. Bichard va trahir. De toute façon, il a pas le choix parce que voilà. Titi, évidemment, Titi, c'est du 20 heures par jour. Hein. Mirolam, apparemment, Titi m'a dit qu'il va pas prendre de douche. Donc en général, ça sent bon. Moi, évidemment, je vais jouer forcément. Donc ça fait déjà 5. Et apparemment, on a Soul Raven qui compte évidemment énormément jouer aussi. Et je crois que Nino aussi va venir assez souvent. Et Clem Ninjax, j'en ai aucune idée. Mais je crois qu'ils vont venir au moins 5-6 heures par jour. Donc en vrai, il y a carrément moyen. Surtout que Mirolam est quand même très très chaud. Hein. Genre vraiment, Mirolam est très très chaud sur les compétences de Minecraft. Donc en vrai, je pense que c'est un peu lui qui va nous carry sur les machines. Donc. Ok, ouais. Donc en vrai, ça se fait, hein, no fake, hein. C'est chaud, mais ça se fait quand même, hein. Vraiment. Merci Gab, merci Flakara. Merci beaucoup. En vrai, je pense que ça se fait. Mais il faut juste jouer à mort, quoi. Moi, perso, je vous le dis, hein, je vais stream du max possible, quoi. C'est-à-dire, je vais sûrement couper tard, je vais me lever tard. Enfin, tôt, je veux dire, du coup. Ah, voilà, je vais. Voilà, il fallait Narco ou Fucano. Mais oui, mais écoute le stream, je te dis que c'est pas nous qui avons fait l'équipe. Écoute le stream, je dis que c'est pas nous. Merci. Moi aussi, j'aurais aimé avoir des gens que je connais plus, mes potes, etc. Si j'avais pu faire la team, frère, forcément, j'aurais pris tous mes potes. Mais écoute le stream. Je dis que moi aussi, j'aurais aimé faire. Donc voilà, lever 10h. Bah, ouais, je crois que j'ai pas trop le choix parce que l'eau va se lever tôt cette semaine, donc forcément, je vais me réveiller. Bah, on verra en vrai, je m'adapterai, ok. Je m'adapterai. On verra. Bon allez les amis, bah, je crois qu'on a lipé, hein, messieurs dames. Je crois qu'on va se connecter parce que je crois qu'il va y avoir la cérémonie d'ouverture. Ah non, on nous a dit on va être un petit peu en retard. Une petite dizaine de minutes. Bah c'est parfait, ça me laisse le temps comme ça de pouvoir finir de discuter avec vous. Et je suis un peu... Enfin c'est pas je suis stressé, mais j'aime bien prendre mon temps. Donc tant mieux. S'il y a 10 minutes de décalage, moi ça me va très bien. Déjà que je suis un peu à l'arrache là aujourd'hui. Genre vraiment j'ai tout fini à l'arrache. Enfin pas vraiment puisque j'ai eu le temps quand même de faire un TikTok et un short ce matin que j'ai vite posté là. Et normalement, du coup, qui annonce, donc c'est bon. Mais voilà. Bon, déjà, merci à tous. Vous êtes énormément sur le stream. Merci à tous. J'espère que vous êtes chauds pour ce début. Je rappelle, mesdames et messieurs, le planning, tous les jours à 16h, donc dans 24h, tout pile, il y a un événement. Et tous les jours à 24h, 24h de décalage, donc tous les jours à 16h, il y a un événement où tous les pays vont s'affronter. C'est le truc le plus important à venir voir. Sinon, tout le reste du temps, on va énormément farmer. On sera souvent en vocal avec les autres sur Discord. Et voilà, ok. Comme ça, vous le savez. Voilà. Même aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Non, non, aujourd'hui, l'événement, c'est l'ouverture. Ça commence demain, les trucs. Ok ? Voilà, la notif YouTube Short qui m'a ramené ici. Putain, j'ai bien fait de passer une heure à le faire ce matin, ce short, bordel. Let's go. Mais il y a Humility, mec ! Comment ça va ? Attends, t'es même pas VIP, je sais pas pourquoi. Je te mets tout de suite. Ça va ou quoi, mec ? Première fois que je te regarde sur Twitch, alors que ça fait 6 ans que je te suis sur YouTube, ça va pas se laver. Mais oui, mais merci, Pizza la truc. Merci, les gars. Merci, Flakara. Merci, Gab, pour les 14 mois de subs. Merci à tous pour les subs. OMG. 3200 subs, je crois, là, déjà. Merci à tous, hein. Bah c'est bien, on a pris que 300 subs depuis le début du stream, donc franchement ça fait plaisir quoi. C'est le live le plus rentable de ma vie, je pense que bah, je vais partir, je pense hein, les amis, on va se laisser là ce soir et puis voilà. Je pense, hein, je reviendrai demain, je pense. C'est fini le stream là. Merci Méronde pour le prime, merci à tous. Merci beaucoup. Oui, c'est en 1.19.2, tout à fait, ouais. Tout va bien, j'espère que toi aussi. Bah carrément, mec, ça va super bien là. De ouf, hein. Bon bah parfait. Eh ben on est ready, je crois, messieurs dames, je vérifie que tout est good aussi. Est-ce que vous êtes chaud pour cette cité? Moi je suis chaud là, en vrai. Voilà. Bon, vous êtes presque 7500. Voilà, ça n'a pas commencé que vous êtes 7500 quasiment. Bon, ça va, vous êtes un peu chaud quoi, j'ai l'impression. 1.19.2, il y a plein de diamants. C'est 1.19.4, hein. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que quand on sera dans le Nether, on pourra se mettre full Netherite sans l'histoire des trims, etc. Et aussi, il n'y a pas de sniffer, il n'y a pas de machin, donc ça c'est vraiment cool. Ça veut dire que dans le bingo, messieurs dames. Dans le bingo, s'il y a un bingo en event, il n'y a pas de sniffer, il n'y a pas de truc. Par contre, il y a moyen qu'il y ait les fucking éponges là, pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier. S'il y a les éponges. En vrai, s'il y a les éponges, je sais les faire, donc c'est bon maintenant, hein, je sais les faire. Le seul truc qui me ferait chier, c'est les tortues. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas ça dans le bingo. En vrai, je pense qu'il y aura forcément un bingo, honnêtement, c'est sûr à 100%. Le bingo, c'est l'event obligatoire des cités, donc c'est sûr. Hein. Les fameux 32 éponges. Hein. Mais vous avez vu, j'ai été fair play, hein. Je les ai jetées mes éponges hein, dans la vidéo hier. Je les ai jetées parce que je les avais pas eu légitimement. Merci Arcanos, merci Ridercraft, merci Comdeck. Même s'il n'y a pas les mêmes têtes qu'il y a 2 ans, ça va être une team sympa. Mais honnêtement, oui, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête. Oui, il manque du monde, mais en même temps, il y a 2 ans, on était 20 par team. Là, on est 10, hein, donc forcément, il y en a la moitié qui sont pas là. Mais voilà, on va quand même... De toute façon, les amis, on va tâcher de s'amuser comme on peut. Bien sûr que j'aurais aimé qu'il y ait Gep, par exemple. Il va me manquer. Mais voilà, on va quand même essayer de jouer. Hein. Moi, de toute façon, je suis très content parce que je suis au moins avec Jimmy, qui devait pas y être de base. Et toi, elle a laissé sa place avec Jim. Et enfin, à Jim, du coup.
Elle a laissé sa place à Jim, pardon, c'est pas français sinon. Merci. Et je suis content parce que... Enfin, c'est pas que je suis content, c'est pas que je suis pas content de... Enfin, c'est pas que je suis content de pas avoir étoile. Mais c'est que je veux dire, en vrai, je suis content parce qu'il y a Jim et c'est mon meilleur pote, donc forcément, on va passer un très bon moment. Puis en vrai, franchement, on s'entend toujours trop bien, quoi. À chaque fois qu'on est ensemble, on se tape des fous rires, donc ça va être un très bon événement. À partir du moment où il est là, ça sera réussi, je le sais. Voilà. Alors, ne partagez pas l'IP, on nous dit. Non. En vrai, je pense que je rajoute un sub goal. Hein. 4500 subs, je balance l'IP. Les gars, faut trouver les sub goals les plus putaclic de ouf là. Attendez. Hein. Oh les gars, 7000 subs, je viens déguiser à la... au Kill Games pour le cast. C'est pas Ponk, ton meilleur pote. C'est mes deux meilleurs potes en vrai, mais vu que Ponk fait pas l'event, forcément. Non, 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 mais ça ira très bien. Fais slash flag au début. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez ce qu'on va faire? On va juste ouvrir Minecraft en fait, hein, parce que j'ai pas ouvert MC encore. Donc on va juste ouvrir Minecraft et on va se chauffer, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, on va se chauffer, mais je vais vous montrer un petit peu sur le Lunar Client comment ça se passe. Et puis je pense qu'on va y aller. Au niveau de la playlist, messieurs, dames, que vous avez en fond, si ça vous intéresse, sachez que la plupart des musiques viennent de l'artiste qui s'appelle Life Formed. Donc Life Formed, hein, vu qu'on est français ici. Et vous pouvez les trouver sur Spotify. Donc si vous me demandez c'est qui fait les musiques, bah voilà, c'est toujours les mêmes artistes en général. Et c'est très souvent les mêmes musiques que je mets dans les cités. C'est toujours ma petite playlist citée, c'est la même. Hein, voilà. Genre cette musique, c'est l'habitude, hein, c'est l'habitude. Je la mets tout le temps. J'adore cette merci musique. Merci pour ces euros de plaisir. Voilà, et eh ben je crois qu'on est good. Hein. Voilà, je crois qu'on est bon, messieurs, dames. Est-ce que vous avez des questions peut-être particulières avant que ça commence? En vrai, tant mieux qu'il y ait un peu de retard. Hein. Comme ça nous permet de nous mettre vraiment tranquille. C'est bien. Ah, ils sont en train d'écrire dans le Discord. Il y a des Belges qui stream. Nimbus. Nimbus qui m'a énormément aidé pour la vidéo d'hier, puisque c'est mon monteur qui m'aide pour les autres vidéos. Autant la vidéo qui est sortie hier, je l'ai fait quasiment tout seul. Mais Nimbus m'a aidé pour l'introduction et pour l'explication de deux événements. Donc voilà, il m'a fait gagner 5 minutes de vidéo sur les 1h20. Mais honnêtement, il m'a fait gagner, je pense, 3 heures de montage. Facile. 4 même, peut-être. Merci Zayen. Merci Mathius. Sport. Enzo. Merci Nelfé. Fraise Sauvage. Rubios. Zeud. Yiyimox. Merci, on tire 2 en plus, Imox. Merci, Jojox. Je sens que cette cité va être incroyable. Je vais essayer de tenir jusqu'à ce que tu coupes ton live. Ce soir, je pense que je vais cut. Merci. Attendez, quel jour là? On est lundi. Demain, on doit se lever pas trop tard. En vrai, je pense que, honnêtement, à mon avis, ça va faire jusqu'à 1h, 1h, 2h max. En vrai, peut-être 2-3 heures. Parce que demain, à mon avis, je vais être là à 10h, je pense. Hein. Demain, à mon avis, je vais être là à 10h, 10h30, à mon avis. Enfin, faut voir, mais en gros, demain, l'eau, elle doit se lever tôt. Mais du coup, forcément, elle va me réveiller. Enfin, ça va me réveiller au fur et à mesure. Donc, je vais sûrement me lever. Donc, ça sera pas midi, ça sera peut-être un peu plus tôt, à mon avis. Donc, ça sera peut-être là ce soir, à la fin entre 1 et 3 heures du mat. Et peut-être demain, on va arriver tôt. Et comme ça, demain, on se tape énormément d'heures de stream. Hein. On verra. Est-ce que tu vas faire une cité abonnée Bedrock? Alors, déjà, il y a deux problèmes dans la phrase. Une cité abonnée et Bedrock, mec. Déjà. Alors. Merci pour le. Ah, apparemment, il y a la cérémonie d'ouverture, il paraît. Donc, l'IP du serveur arrive dans 10 minutes. Et en fait, c'est simple, quand on a l'IP du serve, ça commence, en gros, pour vous dire. Quand on a l'IP du serve, ça commence. Donc, c'est simple. Voilà, hein. Et la vidéo d'hier, la cité des 7 mères masterclass, merci, merci frérot, merci beaucoup pour vos messages sur la vidéo d'hier, merci, j'ai passé beaucoup trop de temps sur cette vidéo, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Le Brésil ont déjà fait des PDF pour l'économie? Mais mec, hein. Mais écoute-moi bien. Tu crois que je n'ai pas prévu une strat? Moi non plus, en avance? On sort d'une cité il y a un mois et demi. Tu crois qu'on n'a pas préparé des trucs? Merci. Mec, moi, ça fait une semaine que j'ai préparé des petites choses, là. Mais mec, ça fait une semaine que j'ai préparé des petites choses. Mais je le dis juste pas pour pas que les autres... voilà. Mais j'ai préparé des petites choses aussi, vous inquiétez pas. Merci pour ce genre de plaisir. Moi, je tiens à vous dire, est-ce que vous vous souvenez du fameux Doc? Vous vous souvenez du fameux Doc? Ah, il est de retour. Hein. Il est de retour. Aïe, il est de retour. Aïe. No fucking way, ouais. C'est pas grave. Il est là, le fameux retour, il est là. Ne vous inquiétez pas, il était nôtre, le doc. Merci pour donc il est là. Il est prêt, ne vous inquiétez pas. Il est tout prêt. Alors, il m'a absolument pas expliqué comment ça marchait, hein, son doc, mais on va découvrir, vous inquiétez pas. Y'a pas de soucis. Merci Arthès, merci Abramine, merci Kuro. Merci Shibratosaur, Starmage. Merci beaucoup Alexis aussi pour le sub. Merci Crystalia, incroyable la vidéo d'hier. Il y a juste deux moments où il y a la même scène, mais c'est deux secondes à peine. Hein? Comment ça, il y a deux secondes où il y a la même scène? Ah ouais? Bah non, mais je l'ai regardé la vidéo. T'es sûr que c'est pas YouTube qui a bugué, je pense?
Bon, au pire, tant pis, hein. Je confirme. Oh, c'est vrai, il y a un bug. Je supprime la vidéo. C'est vrai? Je supprime la vidéo. Je délète la vidéo. Non, je la délète, c'est bon. Non, je la délète en fait. Ah ouais? Non, je la délète, c'est bon. Je la vire. C'est bon, je vais tout de suite la supprimer en fait. C'est bon. C'est fini, les gars. Ah, parce que je dis la même phrase. Ah oui, parce que bah, vous savez, quand je recorde mes voix, je recorde deux fois la même phrase, quoi. Donc, enfin, je recorde mes phrases souvent, plusieurs fois, donc voilà. Ah oui, en gros, c'est pas un bug, c'est juste que j'ai répété deux fois la même phrase parce que mon premier essai me convenait pas, quoi. Ah, bon, bah, je supprime à la vidéo, je pense, hein. Bah, tant pis, hein. Je pense que je délète tout, je pense, hein. Nino stream ou pas? Eh ben, c'est simple, mec, tu vas sur twitch.tv/Nino et tu regardes. Et tu regardes s'il est en live, c'est que oui, s'il est pas en live, c'est que non. Mais je crois qu'il arrive pas à 16h aujourd'hui. Il arrivera plus à 20h parce que, en gros, il... ou 17h ou un peu après. Je crois. Enfin, il va avoir un tout petit peu de retard parce que. Il était pas là au début d'après-midi. Mais voilà. Non, y a rien pour l'instant. Bah, s'il y a rien, c'est qu'il y a rien alors. Pourquoi tu poses la question? Regarde, tu vois, t'as la réponse toi-même. Tu vois ce que je veux dire? T'as la réponse toi-même devant ton écran. Pourquoi me poser la question? Si tu as la réponse toi-même. Bon, apparemment, il y a la cérémonie d'ouverture. Venez, on écoute un peu ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils vont dire for pity? Vous pensez qu'ils vont dire for pity? Que la dernière fois? You can go in it when you go in the hub. It will allow you to travel between every planet. Every different planet, you will be able to upgrade it. So you can unlock rooms. You for can pity, unlock new skills, etc. And go to pourtant, faut le faire, hein, pour que ce soit pire que moi quand même, hein, comme ça. Là. Everything is right on the wiki. So I'll let you go on it, share it with your viewers. Bon. Force à toi, Mathis, hein. Force à toi, hein. Franchement, force, force, frérot, force. Force. Eh, pas mal en vrai, non? En vrai, on dirait moi qui parle, donc je vais pas me moquer parce que moi, c'est pareil, hein. Moi, si je parle, c'est I will let your viewers go to the dock. You can find the dock. By typing cityofnation.com on the chat, please. Voilà, ça c'est bon, ça tu vois, donc c'est encore pire que moi, mais même moi je pense que c'est pas ouf, donc à mon avis j'éviterai de le faire, hein, mais bon. Merci Vertex, merci Max, merci Raptox, Tito TV, merci les gars. Clairement, hein. Tu l'as affiché. Mais non, je l'ai pas affiché. Bon après, vous dites je l'ai affiché, la dernière fois ils ont écrit for pity dans le chat, hein, au bout d'un moment, faut pas déconner, hein, la dernière fois ils ont écrit for pity, hein. Bon messieurs dames, regardez, je vais vous montrer un petit peu. Oui mon jeu, ne vous inquiétez pas, hein, ça va freeze 2 secondes parce que bon Minecraft 1.19, hein, vous connaissez. Faut attendre que ça se démarre, hein, faut attendre un petit peu. Voilà, c'est bon, hop. Je vais vous montrer vite fait parce que moi je suis sur le jeu donc c'est good. Je vais juste me kill histoire de vous montrer. Hop, hein, comme ça je vais popper au 0-0. Et puis voilà. Et puis du coup ça va commencer très soon TM. Donc regardons. Non, c'est pas ça. C'est ça que je voulais montrer. Oui. C'est ça, et ça dégage. Oh, vous avez... Il y a eu des trucs qui ont été leakés sur le bureau, là. Oh, le leak monstrueux. Alors, comme je vous le disais, vous avez une cape qui est disponible pour l'événement, si ça vous intéresse. Sinon, vous avez aussi les capes Guild Games, hein, si ça vous intéresse, pour l'événement de la semaine prochaine, voilà. Donc sinon, bah écoutez, c'est en 1.19, c'est tout. J'ai setup un petit shader, regardez. J'ai setup un petit shader pour que quand on soit dans les caves... on puisse quand même voir quelque chose. Après, peut-être qu'on l'enlèvera ou peut-être que j'augmenterai. Mais en vrai... mais il était mieux réglé tout à l'heure. Hein. Je crois que je me fais couiller par mon shader parce qu'il était mieux réglé tout à l'heure, là, mon shader. Merci. Je l'avais mieux réglé, Lightning. J'avais fait Cave. Ouais, ah, mais c'est parce que je l'ai baissé un petit peu. Donc voilà, donc je me suis mis un petit shader qui est assez joli où on va voir quelque chose, comme vous pouvez le voir. Et puis voilà, de toute façon, on va très vite débloquer Night Vision. Hein, donc ne vous inquiétez pas, mais... enfin, je sais pas si on va débloquer Night Vision ou pas, mais... voilà, donc on voit dans les caves un peu... au pire, si jamais... ah mais c'est parce que je suis sous l'eau, là. C'est pour ça qu'on voit rien, en fait. Parce que je suis sous l'eau. Sous l'océan. Voilà. En gros, on voit comme ça dans les caves. Donc, en vrai, ça va. Honnêtement, ça va. Ça fait un petit... ça fait petite grotte. Et puis, au pire, si vraiment on voit que dalle, je mettrai le full bright. Donc, c'est sympa. Merci. Voilà. Quelle heure, les Guild Games? Samedi prochain. Donc, pas ce samedi-là, mais le samedi de la semaine d'après. Ça commencera à 13h, messieurs, dames. Et voilà. Et je crois que c'est good... donc voilà, juste je vais dire un petit message au modo. Hop. Merci pour le riz. Histoire qu'il le sache. Hop. Parfait. Et bah vous êtes bientôt 10 000 les amis, hein. Vous êtes bientôt 10 000 pour ce début d'événement. Bah merci à vous, hein, en tout cas. Hop, ok, attendez, je retourne sur le Discord de l'événement pour pouvoir me code dès que nous avons l'IP du serveur qui va arriver soon, puisque ça commence à 16h00, je rappelle, donc normalement c'est soon TM.
Avec juste, il y a peut-être un tout petit peu de retard. En vrai, c'est joli quand même, hein, franchement. Hein. Vous avez vu, regardez le shader, c'est joli. Eh, venez, regardez, vous voulez que je vous montre un truc qui est magnifique? Vous allez pleurer sur le poulet, vraiment. Hein. Regardez. Structure Stronghold. Vous voulez que je vous montre un truc? Regardez, vous allez vraiment pleurer sur le poulet. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Quoi? Il n'y a pas de Stronghold, là? Ah, mais si, il est là. Regardez, hein, vous allez vraiment... vous allez pleurer, regardez. Game mode créatif. Regardez ce shader. Qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi ce shader, messieurs, dames. Attends, mais c'est magnifique par contre ce portail. Mais c'est magnifique. Il est magnifique ce Stronghold, c'est la première fois que je vois ça. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il est beau cet end. Qu'est-ce qu'il est beau cet end. Mais voilà, donc en vrai, j'ai un petit peu réglé mon shader pour que ce soit joli. Comme ça, on aura un joli jeu. Un joli jeu. C'est très rigolo quoi. Matez-moi ce Poyo en fait. Regardez-moi cette haine comme il est magnifique. Et le shader s'appelle le Complementary Shader si ça vous intéresse. Il fait un peu galérer les PC mais on s'en fout. Vu que je recorde pas de toute façon. Je récupérerai les rediff de toute façon donc c'est bon. Les dérocheurs, n'hésitez pas à faire plein de clips s'il vous plaît. Pour m'aider sur la vidéo parce que je vais galérer à la faire. Merci Mystic Gamer, merci Jusque34, merci Vaynes. Et Hunter Matisse, merci à tous. Texture pack, j'ai pas de texture pack, j'ai juste mis un pack qui... non, j'ai pas mis de pack, en fait, j'ai un pack par défaut. Qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Pourquoi il y a un... Pourquoi il y a ça là? What? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourtant, vous avez vu, hein, j'ai pas triché, le portail il était pas allumé, hein. Sur le portail de Lenda. Merci. What the fuck? Moi je veux... Bon... Écoutez, c'est pas le problème, de toute façon, c'est pas le sujet. Voilà, bah écoutez, vous savez tout à peu près pour le début. J'ai hâte que ça ouvre, j'ai hâte qu'on ait l'IP, ça va commencer soon TM. Puis voilà, hein. Ouais, je passe l'acide. Mais non, mais je vais la garder, je vais faire un TikTok, hein, je pense. Hein. Je vais faire un TikTok, hein. Eh mec, les gars, il y a un petit truc sympa qui s'est passé, hein, mais bon. Hein. Merci Maki mon amour, merci El Lulu. Alors non, c'est pas Maki mon amour, c'est... C'est le pseudo complet, hein. Je ne lui ai pas fait une déclaration, je vous le dis, parce qu'après, encore y avoir des gens qui vont faire l'eau en sueur. Comme d'hab. Bon, du coup, l'objectif, messieurs, dames, c'est de trouver un message, de ce que j'ai cru comprendre, là. On trouve un message, on débloque tout l'or nécessaire, bam, bim, bam, boum, on débloque les effets, les machins, les trucs, là, hop. Donc, vous n'hésiterez pas à dire quand vous voyez des messages, genre, messa à droite. Vous n'avez pas oublié, bien sûr, je suppose. Messa à droite, messa à gauche, tu connais, comme la dernière fois. Donc, voilà. Ça commence quand? Ben, quand on a l'IP, hein. On attend juste, hein, d'avoir l'IP. The IP, on attend juste d'avoir l'IP. Ah mais la dernière fois, Ayman il jouait dans la team USA. En fait, le mec qui joue dans la team Maroc, il jouait dans la team USA. Bah c'est bon alors, si jouait dans la team USA, ils se sont jamais connectés, c'est bon. C'est bon, on est tranquille. Attends mais les gars, regardez, celui qui joue dans la team Maroc, la dernière fois il avait fait ça, regardez. Regardez. Il avait fait ça chez nous, ça c'était notre base la première fois, enfin c'était l'arc de triomphe de chez nous. Il avait fait ça l'enfoiré. OMG. C'est lui qui avait fait la fameuse colonne de lave, vous vous souvenez de ça ou pas? Moi je m'en souviens. Oh le bâtard. C'est lui qui avait fait ça. Donc cette fois-ci, vous savez, on ira faire ça devant la base des Marocains. Évidemment. Hein. Évidemment, cette fois-ci, on ira faire ça, bien sûr. Hein. It was you. Apparemment, il y a Assist D aussi qui a aidé de ce qu'ils disent. Est-ce qu'on irait pas dire bonjour aux autres dans le vocal en vrai? Est-ce qu'on irait pas leur dire bonjour? On va peut-être aller leur dire bonjour, qu'est-ce que vous en pensez, non? En vrai. On va peut-être aller leur dire bonjour. Allez. Copier le lien, hop. On va aller leur dire bonjour, je vous mets l'overlay Discord, vous aurez les voix juste ici si vous ne connaissez pas les voix. On va leur dire bonjour, merci Babien, merci Dark Soul, merci Lulu, merci à tous. On va comme ça régler le son, c'est parfait. T'es, les gars, j'ai regardé les règles. Bonjour. Le moins de drama, ça banne. Bonjour. Je hein. Bonjour. Ciao. Bonjour. Salut. Salut. Ciao. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va vous? Moi ça va très bien pour vous. Moi ça va très bien pour moi. Moi ça va très bien aussi. Moi ça va extrêmement bien, merci à tous. Bon, tu peux arrêter cette voix. Est-ce qu'on a les pieds? Bah j'arrête tout de suite alors. Merci. Tu nous emmerdes rien. Oh, oh, tu nous emmerdes si je fais ça. Tu nous embêtes. Bah on est la team France, on représente le numéro 1 français. Voilà, faut chacun nos manières pour représenter le numéro 1 français. C'est vrai? C'est bon pour nous? C'est toute France. Ah ok, bah, c'est parfait. Moi c'est pas trop bon. Du coup l'objectif c'est quoi? Ça on fait de l'or non aujourd'hui? Parce que moi je comptais aller dans le Nether, mais en fait... En fait on fait l'or juste...
Il y a un détail. Est-ce qu'on peut activer les portails du Nether par contre? Mais non, mais je ne sais pas. Non, attends, 4, on écoute le GOAT, on écoute le GOAT Miro là. Est-ce que tu as vu le GOAT? Bah, tout a pris Miro. C'est Miro GOAT. Tout à l'heure, en fait, moi j'avais proposé de faire une farm à or dans l'Overworld. Par contre, il faut activer des portails. En fait, parce que les portails, mais des portails. Font spawner, enfin, font spawner naturellement des pigmen. Et c'est mais attends, mais le portail du Nether, il y a pas. Non, non, pas en c'est jour 4, le portail du Nether, c'est jour 4. Et puis même, il y en a qu'un, il est au centre. Parce que j'ai lu les règles. Oui mais t'as la question c'est... Putain mec qui a lu. Heureusement il y en a qui a lu. Voilà, voilà. Mais du coup... Oui, il est du coup après, est-ce qu'on peut l'activer tu vois sans passer dedans? Exactement, je pense que c'est ça qui Miro voulait dire. C'est ça qui Miro voulait dire de base. Pardon, j'avais pas compris, ok. Parce que moi en fait il me faut vraiment juste le portail, je m'en fiche de passer dedans et tout. Il faut les frames en fait, il me faut les frames du Nether pour en fait faire des pigmen. Et après je peux faire un gros farmer moulé avec de la lave et de l'eau. Un use bug quoi. En gros c'est ça, tu veux un use bug et... Admin, Miro Lam il veut use bug. Voilà, on peut le remplacer déjà ou allez, voilà. Il a essayé d'expliquer sa stratégie. Prochain qui vaut toi, on le remplace, attention. Moi je le dis. D'ailleurs, j'ai fait une blague chez Sifano dans son chat, il a dit OK Titi t'es viré. Mais attends, Titi, tu sais que tout à l'heure j'ai montré le doc en stream, il y a pas Sifano qui est venu dire qu'on avait pas le droit de le montrer en live. Alors monsieur Titi qui hier a montré le doc pendant un stream entier hier soir. Non, alors c'est écrit dans les annonces, il m'a écrit va le montrer mais pas le partager. Voilà, il me l'a dit aussi hein. À 25, il m'a dit mais tu peux pas montrer le doc, faut attendre 30. Et ouais, bah écoute, moi j'ai dit en vocal, enfin j'ai dit en live, bah Titi l'a montré hier, il m'a fait, bon c'est bon, alors montre-le. merci Titi, on peut lui dire merci, hein, franchement. Voilà. Je suis désolé, mais. Enfin, on a le petit pass. C'est écrit, you can share it to your viewers, mais pas the link, not the link. Voilà, on peut le montrer. Ah bah, on peut le montrer sur. Oui, tu peux le montrer, mais pas le leak, oui. Enfin, oui, c'est tout. Bah, c'est ce qu'il y avait écrit, moi, dans les annonces. Après, peut-être que. Donc, en gros, t'es en train de dire que Sifano ne connaît même pas ses propres annonces, ses propres règles. Mais non, mais peut-être que. Voilà, peut-être qu'ils ont pas parlé. Attends, t'es en train de critiquer l'organisateur. Non, attends, toujours les mêmes. Je suis pas plus dans le diff, ok, y'a plus de diff. Ça existe plus. T'as peut-être supprimé le diff. Attention, moi. Je suis dans la merde. Déjà, il y a eu un drama semaine dernière, avant même que ça commence. Il faut qu'on en trouve un deuxième aujourd'hui, là, sinon ça va pas le faire. Moi, j'ai une idée. Virez-moi de la cité. J'ai une idée parce que je sais que 99% d'une team n'est pas ce qu'elle prétend être. C'est quoi? Genre quoi? Attends, je vais te l'écrire en privé. T'as le droit de dire ça, c'est des accusations sérieuses. Hein. Ouais, c'est des accusations sérieuses ce qu'ils disent. Oui, j'accuse la France, bien sûr. T'accuses la France? Tout ça parce que je suis arabe? Tu t'es un Allez, ça commence. Allez. Et voilà, la vanne de trop. Et voilà. Toujours la vanne de trop. C'est où qu'il a écrit? Ah, oui, ça c'est R, ça, mais il me l'a dit en DM. Mais oui. Ah, mais écrit dans Général. Bah, il a dit ça, Voilà, il a dit ça. Ah, avec les MDR comme ça. Mais c'est pas très grave. Ah, en vrai. Bon, bah, moi qui ai les couilles pour ça, à un moment. Donc, à partir de là. Non, mais. Moi, je trouve ça dur. Si. Je vais rien dire. Perso, je peux me permettre de dire un truc, je trouve ça absolument inacceptable qu'il y ait 2 minutes de retard pour ma part, mais voilà. Moi aussi, moi j'attends l'IP. Pour un événement de cette envergure, excusez-moi, mais je pense que... Si on lance qu'il n'y a pas Nino, il est viré non Nino? Oui, Nino est viré. Alors, bon Nino, je vais parler avec lui hier. Oui. Il dort, je pense. Mais non, il a mis un message tout à l'heure. Il a dit, hein. Oui, j'ai pas le gap. 2 secondes, bougez pas. Oh putain, ça va être le running gag de Léon. Non, mais c'est horrible pour lui, frère. Pas, non, mais pusher, c'est horrible. Mais Titi, t'es un enfoiré, hein. C'est la seule fois. Mais Titi, oui, ça fait 2 fois que tu le dis. Ça fait comme 2 fois que tu le dis, quand même. Ça fait 2 fois en 2 minutes, quand même, des fois. C'est curieux. Mais Titi, la dernière fois. Je vais te vanner toute la cité encore si tu continues, fais gaffe. Oh putain, prends ton tarif, Titi. Je me calme. Prends ton tarif, tu vas être obligé de te muter, fais gaffe. Fais gaffe, hein. Oh non, arrête. C'est too much, hein. Non, bon, parfait. Est-ce que vous êtes allé dans le vocal des orgas là quand ils ont expliqué les règles en anglais? Oui, c'était bien. J'ai rien compris. C'était beau. L'exécution sur place. En vrai, de ouf. Je suis allé dans le vocal en stream. Tout le chat a spammé MDR. Je me suis dit, oh putain, le pauvre, je vais quitter le vocal. Non, le pauvre. J'aurais pas fait mieux que lui, hein. Honnêtement, bah, mais clairement, de ouf. Mais on peut le dire, hein, force à Matisse, hein. Parce que franchement. J'aurais dit, vas-y, dis à ma place, parce que. Ouais, de ouf, en vrai, tu demandais à Smithies, hein. Bah oui, Smithies, il parlait, c'est des Québécois. Ah oui, mais tu prends n'importe quel traducteur. Oui, pourquoi ils ont pas pris un vrai anglais, ils lui ont fait un petit papier avec ça, c'est ça. Bah ouais, mais bon. Un mec qui parle, c'est genre trop bien. Non, il a pris sa responsabilité, moi je trouve ça beau. C'est son event jusqu'au bout.
It is his event. Attends, donc t'es en train de dire que c'est pas l'event de Siphano, donc tu le mets de côté, c'est ça que t'es en train de dire? Allez, tu le mets de côté, Siphano, tu penses qu'il y a un meilleur en train de dire que l'autre. Ok, donc deuxième remplacement dans l'équipe, ok. Alors attends. Bon bah j'appelle Marco. L'event de Siphano et de Matisse et de Maxence. Voilà. Voilà, exactement. Ah, donc t'es en train de mettre de côté, genre, t'es en train de mettre de côté Walk2B, du coup ça veut dire qu'il y a aussi Bossé qui était dans les crédits. Ok, ok, bah écoute, pas de problème. Et Kalia pour la création de l'événement. Il n'y avait pas de dev en gros. Ok. Donc du coup, tu peux nous refaire du coup la présentation des gens qui ont travaillé. Parle de Steve Series aussi, s'il te plaît. Voilà. Il y a Siphano en termes de tête pensante, on va dire, de la cité et de tête d'affiche. Il y a Maxence et Matisse qui ont géré l'administration. Et Kalia qui ont géré tout le côté développement et game design. Et plein d'autres personnes qui, sans eux, plein d'autres personnes. Donc c'est à ça que tu résumes. Asneuf, tu Tufar, Penny, Inori, Timothy, X-Rider 118, Fall Creepy, Chrysopha. Donc c'est comme ça que tu respectes les gens qui ont organisé l'événement. Il est préparé. C'est fou, c'est comme ça que tu veux faire. Vas-y, on écoute. Hein? Bah vas-y, dis-nous. La présentation s'il te plaît de l'événement. La présentation des gens, je sais pas, j'ai fermé l'onglet. Du coup j'ai plus les noms. J'ai fermé l'onglet. Dommage, je savais il y a 10 secondes. Y'a l'épée, je suis dessus. C'est où, c'est où? Y'a pas l'IP. Putain, Titi, c'est un truc de fou. C'est abusé. C'est quoi cette ambiance là? C'est abusé de faire ça, Titi. Ça fait 5 minutes. Bah oui, c'est inacceptable. Genre, personnellement, je mets mon gilet jaune, j'y vais là, c'est parti. On va faire les gars. Bon, allez, ça commence déjà. Première blague de bord dans la rue, ça commence. Pour les Guild Games, Guillaume. Vraiment, les Guild Games, ce sera à l'heure pile, je te le dis. Ah, mais mec, c'est. Bon, le soir, je finis, je me casse. L'heure, c'est l'heure, moi je me casse le soir. Genre, on passe l'heure, ils sont toujours en match, mais bon, les gars, je me casse. J'ai fini mon cachet là, ils ont pas fini le match là, oh, c'est bon, hein. ils ont qu'à faire plus vite. Hein. Je me casse, hein, c'est bon. Ah là là. La cité du drama, c'est inacceptable. Hein. Ouais, ouais. Non, ça commence mal, vraiment. Il n'y aura aucun drama durant la cité. Moi j'y crois. Ne jamais dire jamais, Bichard. Bichard, je ne dis jamais. J'ai pas dit. Oui, il a dit, il n'y aura pas. Il a pas dit jamais. C'est comme un jamais. C'est un peu comme un jamais. Non mais je le crois vraiment, il n'y aura pas de drama. Je me permets, je vais couper la phrase, désolé. Est-ce que le son c'est ok? Est-ce que le son des voix est assez fort pour eux? Pas trop fort parce que j'ai remarqué dans la vidéo cité que ma voix était trop faible par rapport aux voix des autres. Donc est-ce que là c'est ok? Est-ce que nous sommes au même volume? Voire limite, voilà, parce qu'il faut pas que... C'est bon, c'est parfait, eh ben c'est top alors. J'ai augmenté un petit peu le son de mon micro, donc normalement, remonte un tout petit peu leur voix. Eh bien écoute, c'est ce que je vais faire de suite. Parce que du coup j'ai baissé à 85, donc je vais monter à 88. Voilà, très légèrement. Parce que normalement c'était à 100%. Voilà! Tu es un peu plus fort. Ouais mais c'est bon, c'est good parce que bah du coup, ta voix est un peu basse. Moi? Mais ils sont qui ceux-là? Et là c'est mieux ou pas? Parce que du coup là j'augmente, parce que sinon je peux augmenter encore plus. Hein. Mais normalement ça devrait être un peu mieux là. Make up gain. Merci Kurenai, merci Léon, merci Lamalpaga, merci Scoliro, merci Pixel, merci Axol, merci Warlux, merci Kofus, merci Kurenai pour les 7 mois de sub, merci beaucoup tous. Donc ouais, non, en vrai c'était bien, faut pas les mettre trop fort. Ah non, mais moi je veux pas les mettre trop fort parce que comme ça, si je lis des subs en étant muté, faut que vous m'entendiez quand même. C'est ça le truc. Voilà, en gros, c'est l'idée quoi. Bah on attend toujours l'IP, hein, messieurs, dames, voilà. À tout moment, t'imagines, la cité elle est décalée à demain parce qu'il y a du retard. Oh, vous imaginez? Oh, le drama que ça serait. Non, c'est faux, bien sûr. Hein. Ça va arriver, hein, vous inquiétez pas. Ça va arriver les gars. Bon les amis, vous êtes 8500 là, est-ce qu'on peut être 10k? Est-ce qu'on peut passer les 10 000 viewers là déjà là? Lis mon message please, ben voilà c'est fait mec hein, bien joué à toi. Est-ce qu'on peut passer les 10k là? Merci pour tous les followers, merci à tous. OMG, 10 000 viewers avant le start ou quoi là? C'est le fire, mais mec, 10 000 viewers avant le start de l'événement, c'est assez insane hein, pour le coup. Merci. Alors, comment je lis ça? Eli is missing, peut-être? Ça doit être ça? Elien is missing? Je ne sais pas. C'était pas à 15h le début. Non, 15h le début de mon stream, 16h, on a l'IP. Messieurs, dames, nous avons l'IP, je switch de scène. Y'a l'IP! Liquez l'IP! Non, mais c'est vraiment ça l'IP, je vais péter mon crâne. Elle est trop. Ah ouais, l'IP est dur à trouver là. Oh merde, je me trompais de scène, OMG! OMG, putain, toujours pareil avec toi. 28, 86. OMG, je suis connecté first! OMG! Let's go, y'a tout le monde. Hop, ressource pack. En vrai, y'a des chats et Titi. Je vais liquer l'IP. Oh ça bug. Je suis connecté. Wouah, y'a du monde. Wouah, 2 FPS, 2 FPS. Y'a tellement de monde. Ça bug.
Ouais, c'est normal, ça bug parce qu'il y a trop de joueurs. Ça y est, ça arrive. C'est pas les machines de Wintail là parce que. Non, mais c'est le bâtard, va alors faire un peu de mal. Ah non, au contraire, au contraire. Ouah, moi j'aime bien Titi quand tu parles comme ça là. Oh, désolé, continue désolé, de lâcher des tacles comme roast, ça. Je roast, en plus c'était, pas, c'était pas le but, mais. Ah, ça lag tellement un peu comme Wintail. Non, j'ai pas dit ça. Ah, mais merde. Mais c'est un event astronaute, c'est pour ça qu'il y a des skins astronautes. Oh la France, bah oui. Bah oui. Il y aura des dingueries. Je me mute du coup, ça y est, on écho sur le serveur. Alors, vous inquiétez pas, ça va, il va y avoir 2 FPS normal. Hein. C'est le temps que les gens se connectent. De toute façon, regardez le nombre de joueurs qui est en face, tu m'étonnes, il va y avoir 2 FPS. Vous savez ce qu'on va faire? On va enlever le shader quand on est au lobby. On va enlever le shader parce que sinon, je sens qu'on va pas tenir jusqu'à ce soir. Hein. Si on a le shader, hop. Ah, c'est mieux. J'ai marché sur le téléporteur. Oh, quest? Not discovered. Quest, 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 ok. Support your country. Attendez, venez, on visite un petit peu le lobby là, messieurs, dames. Inorid, Sifano, Unsheet. Alors, c'était Unsheeted, voilà, qui parlait dans le vocal tout à l'heure, si vous voulez savoir. C'était Unsheet. Comme ça, vous le savez. Merci, Lucas. Merci, Musicalm, FR. J'adore le pseudo, Musicalm. Et donc, voilà, Ekalia qui a travaillé, Pixel Crew aussi, Red Opera. Qui sont ces gens? Je ne sais pas, mais en tout cas, bravo à tous. Ah, mais c'est peut-être tous les staff qui a été involve dedans. PNJ Quest. Est-ce qu'on peut voir déjà les premières quêtes ou pas du tout? Non, moi j'ai pas prévu de quête. Hein. Ok, flag, déjà pour commencer. Flag, vous m'avez dit qu'il fallait que je fasse flag. Ouais. White banner. Ouais, mais comment on fait pour changer, les amis, le... Comment on fait pour changer... Ah, langage. Ok, exceptionnel, parfait. Hop, et on se met en français. Je crois que c'est bon, les gars. La cité est en 1.19. Ok. Ah, par contre, ça modifie pas du tout les... Ah non, please disconnect and reconnect for a full traduction. Ok, je déco reco, comme ça au moins on aura les quêtes en français, messieurs dames, parce que vous voyez qu'on a déjà les quêtes personnelles à faire. Ça commence à quelle heure? Bah là, ça commence là en fait. Là. Ça commence là, ça y est. C'est parti. Ça y est, c'est parti, hein, 16h10, on y go quoi. Là, ils vont dire c'est officiellement ouvert dès que tout le monde est connecté. Bon, faut attendre que le ressource pack se télécharge et. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors le serveur est en train de mourir. Oh, oh, c'est tellement beau par contre le ciel. Regardez. C'est tellement beau. Bon, ça va, ça lag un tout petit peu en vrai, ça va. Ok, on retrouve du coup, est-ce que ça marche? Oui, tondre 16 moutons de couleurs différentes. J'aimerais connaître la qualité de la laine de chaque type de mouton. Rends-toi sur Sylvania et tond un mouton de chaque couleur. N'oublie pas de faire une cisaille avant pour cela améliore le vaisseau de ton pays au niveau 1 pour aller sur Rocksteeler et trouver du fer. Non, oh non, donc y a pas de fer sur notre planète? Non, OMG. Ok, donc du coup on n'a pas de fer sur notre planète, donc il faut qu'on améliore notre vaisseau niveau 1 quoi qu'il arrive. Ok, pour changer de planète. Pour faire un beau bouquet, ramène-moi 10 fleurs différentes. Donc en gros, il faut qu'on note les laines, les fleurs et la vie. Mais vous savez quoi les gars? Hop. Hop. Pour perpétuer le cycle de la vie sur ces nouvelles contrées, fais reproduire des animaux pour le donner naissance à un cheval, un lama, un mouton et un loup. Ok. Donc mouton c'est quoi? C'est du blé. Cheval c'est quoi? C'est des pommes. Pomme d'or, hein, non? Je crois. Hein. Pomme d'or. Lama je sais pas c'est quoi les gars. Lama c'est quoi? Lama et loup c'est quoi? Loup ça doit être de la bouffe. Loup c'est de la bouffe je crois. Et lama, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est du foin, c'est pareil? Ah mais oui, bloc de foin. Oui, c'est ça, c'est du bloc de foin. Bloc de paille, quoi, ok. Alors par contre, pour du coup récolter de l'or sans avoir du fer, ça veut dire que du coup, il va falloir qu'on échange des trucs avec le PNJ. Du coup, ça veut dire menu des têtes. Hein. Oh, il y a effectivement les têtes, bordel. Il y a combien de têtes? Non. Non. Il y a 199 têtes à trouver. Oh. Il y a 199 à trouver. Il y a 200 têtes à trouver. Bon bah on y est encore dans 5 jours je pense hein, à trouver toutes les têtes. Il y a 200 têtes à trouver. Merci Natgame, merci Hugo pour le Prime, Arouf, Phoenix, XX, Francis. Ah ouais non là, qui va chercher les têtes? Alors je sais pas mais certainement pas moi dès le début quoi. Bon par contre le serve est en PLS. Mais et regardez tout le monde est co quand même hein, là. Hein. Les Espagnols ils sont 3 de connectés. Les Allemands sont 8. Les Italiens 4. Les Brésiliens sont 7, 8 pardon, les USA sont 0. Non, c'est une joke, non c'est une blague, c'est une blague. It's a joke en fait, it's a joke. Les Marocains sont 3, les Belges ils sont là évidemment. Et les 2 USA, vous les voyez où? Ah oui ils sont là! Smithies et Bablou, effectivement oui. J'avais pas vu, et il y a 7 Australiens, 8 Australiens. Les Australiens méga chauds hein, quand même, hein, parce que bon. Après je pense que c'est normal que les USA soient pas nombreux, étant donné que pour eux bah c'est tôt là. Donc à mon avis ils vont plus arriver dans la soirée à mon avis. C'est vrai que c'est tôt aux USA quand même hein. À mon avis une personne se lance à chercher toutes les têtes et note les cordes. Bah c'est ce qui va se passer d'ailleurs hein. Merci Plocheur. Attends je vais retourner en voc avec eux on va voir. Moi j'ai écrit tout. Bon les amis qui se chargent des têtes du coup? On est en train tous un peu tu sais. Eh bah ça a commencé ouais. Là, on est efficace. Vous voulez chercher au web là du coup?
Ouais, t'as vu le doc ou pas de... Ouais, j'ai vu le doc qu'il a fait sous Ouais, ouais. Il est crazy. Ouais, il est crazy shit. Faut trouver les petites têtes dans le hub là pour ceux qui comprennent pas. Mais du coup, là ça a commencé ou pas là? Non, on attend là. Ok. Parce que du coup, vous avez vu ce qu'il faut faire au niveau des quêtes ou pas, les quêtes perso? Je sais pas si vous les avez lues. Oui, elles sont simples. Alors, il y a 3 quêtes. En gros, pour, si vous avez pas trop compris le doc, on aura 3 quêtes individuelles par jour. C'est-à-dire qu'il faut que tous les joueurs les fassent, ces quêtes-là. Et donc là, aujourd'hui, les quêtes, c'est tondre 16 moutons de couleurs différentes. Sauf que pour ça, il faut avoir des cisailles, donc du fer. Sauf qu'il n'y a pas de fer sur, la planète où on est. Il n'y a pas de fer. Donc il faut débloquer. Il va falloir se dépêcher. Il faut débloquer la deuxième planète. Et pour cela, il faut améliorer le vaisseau niveau 1. Donc ça veut dire qu'il faut trouver. Ça va être à minuit ou pas? Non, c'est infini. Ah non, mais pour les quêtes, tu veux dire? Oui. Ah bah ça c'est une bonne question mec. Et pourquoi on n'a pas de fer sur la planète? Parce que y en a pas. Parce que chaque planète est différente et voilà. Okay. Chaque planète a des ressources différentes. Du coup on fait comment là? Comment on mine le diamant sans fer? L'étape. Non mais en gros l'étape à mon avis ce qui va se passer c'est que vu qu'on va avoir un PNJ qui nous échange de l'or et des émeraudes. Enfin en gros t'as un PNJ qui échange les émeraudes contre des ressources, t'as un PNJ qui échange de l'or contre des émeraudes. L'or qui sert à améliorer le vaisseau. Sauf que du coup, voilà, il faut qu'on trouve de l'or, sauf que on peut pas miner le fer si on a pas. Enfin on peut pas miner l'or si on a pas de fer. Donc du coup à mon avis, on va avoir le PNJ de l'or qui va nous échanger des trucs comme du bois ou des fleurs ou des trucs random. Il va falloir récupérer l'or comme ça, améliorer notre vaisseau et pouvoir aller à la deuxième planète. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on va devoir faire. Est-ce qu'on demanderait pas parce que si ça s'arrête à minuit, il faut qu'on se mette dessus hein, Mais non mais en vrai ça va être rapide mec hein. No fake ça va vraiment être rapide. Hein. Après c'est récupérer 10 fleurs différentes. Okay, et la troisième quête, c'est faire reproduire un cheval, un lama, un mouton, un loup. C'est rapide hein. C'est easy. Tu fais du blé, de la bouffe cuite mais le dernier, je sais plus ce que c'est. Tout dépend des ressources à quel point c'est difficile de les avoir. Mais oui. Oui, faut voir justement, on va bien découvrir. Les gars, j'ai gagné 5 émeraudes. Clean. J'en ai eu 10. Non, pas possible. J'ai 5 émeraudes, voilà, je dis. On est premier, GG. Mais il faut que. C'est les têtes, c'est par équipe ou c'est individuel? C'est par individuel, comme la dernière fois. C'est comme la CD1. Donc, ok. D'où l'intérêt du doc. Il y a des colonnes. Moi je pense que je vais juste rush directement et à la limite, il y a quelqu'un qui veut noter toutes les têtes sur le doc. Si les gens sont chauds à faire maintenant, je pense qu'il faudrait que y ait au moins le doc qui soit rempli entièrement comme ça. Par exemple, les Jim ou les autres qui vont rusher le farm pour essayer d'améliorer le vaisseau direct. Comme ça, on peut faire les têtes plus tard, tu vois ce que je veux dire? On les fait d'un coup avec le doc dans l'ordre et genre ça nous prend une heure. Ça nous prend une heure comme ça. Là, vu que c'est gratuit et que c'est pas encore commencé, on est. Ouais, en fait, on cherche. Oui, non, t'as raison. T'as raison, tu le dis ça. Après, je pense que. Je pense de toute façon que ça va être plus grand sur le lobby, etc. Après. C'est pas tout le lobby ça, c'est que le lobby. Ouais, on peut vraiment pas tous les avoir. Ah, d'ailleurs, je crois qu'il faut qu'on fasse. C'est quoi pour linker son compte Discord au jeu? C'est pas encore essayé, non, ouais. Ah ouais? La commande ne marche pas encore. D'accord. Une partie des modos peuvent décoller. C'est pas très rare. J'avoue qu'il y a une team modo là, ils sont 25. Waouh, ouais, j'avoue. C'est très bien ce que ça veut dire, Free, là on a déjà eu ça. C'est vrai que les modos, il y en a. Hein. Ça veut dire que, vous êtes en train de dire que ce Windtail, c'est les modos qui font laguer le serveur, c'est ça que t'es en train de dire? Ah d'accord. Ça dégoûte. C'est ça que vous êtes en train de dire sur votre staff? Ok, c'est pas cool. Sur Windtail, il y a zéro lag, les gars. Je joue et tout. On m'a payé le Battle Pass, je vous jure, il y a aucun problème. Je l'ai payé, on l'a payé pour dire ça. On t'a payé tout court. On l'a payé très très cher. Je l'ai payé. Bah, zéro lag, zéro. Ah oui, pour ceux qui veulent changer, il y a un slash settings si vous voulez mettre les menus en français. Et ouais, tout. Mettez le français parce que sinon pour les quêtes vous les aurez en anglais et c'est pas cool. Slash settings. Moi, nos problèmes à Mbilingue, deux problèmes. Ah, il y a bilingual. Ok, can you explain the rules because I don't understand. For the rules, go on the dock. Don't insult Sifano. Don't insult Sifano and the team. And the team, please. Ah, ok, bro. Always says. Par contre, c'est trop beau, je trouve, avec les planètes autour. Enfin, les vaisseaux. Franchement, il y a du jump à faire pour trouver des planètes. Oui, non, c'est ça. Ouais, le ciel, il est trop stylé, je trouve. Je croyais que c'était moi et mon pack que j'avais mis. Je vais déco pour avoir le truc en français. Non, c'est pas toi, Titi Deso. Non, je sais pas. Ça va. Je sais pas, dès que je suis pas custom. J'ai trouvé la tête 8. J'ai trouvé la tête 3. La tête 3, il y en a une là. Hein? Oh, est-ce que je peux mettre mon vanille? Il y a que les Belges qui tryhardent là, je les vois tous. Ah oui! Là. Ah bah c'est quoi? Ah oui, les Belges sont on fire. Hein. Ah bah mec, ils font les têtes là déjà. Les Belges sont là pour gagner. Hein. C'est quoi la commande des têtes? Ils vont perdre. En fait, ce qui est énorme, c'est que si les Belges ne gagnent pas l'event au vu de la team tryhard, on pourra les banner encore plus pour une nouvelle raison et ça c'est. C'est incroyable. On va gagner. Donc, je crois qu'il n'y a pas de commande. Bien sûr. Je pense que ça aura plus d'impact que la Coupe du Monde. Je pense. C'est le PNJ en plein milieu de la spawn. En vrai, honnêtement, je pense qu'effectivement, la Cité des Nations a plus d'impact que perdre la Coupe du Monde. Mais bon, après. Je pense que personnellement, on parle d'un événement Minecraft avec tous les pays du monde. Enfin,
Logique, oui. Minecraft est plus connu que le football, hein, voyons, je veux dire. Bon, bref. Il y a combien de gens qui jouent à Minecraft et il y a combien de gens qui jouent dans le au football dans le ouais, monde ouais, ah, ouais, il a raison. Ah, je pense. Ah, ouais, ça quand même. Ah, je pense aussi, ouais. Je pense aussi, ouais. Réfléchir, mais. Ok, bon, c'est maintenant que tu le dis, effectivement. Je pense réfléchir un peu, mais je suis pas sûr. Bah, fais des maths, vas-y. Non, non, 200 millions, je crois, de comptes vendus Minecraft. Je sais plus. En plus, un peu plus. Un peu plus maintenant, ouais. Ok, ça part ou quoi? Merci Lilian, merci Laris, merci Exoclash, merci Plocheur, merci les amis, merci à tous. On commence à trouver les têtes, écoutez, nous on a que ça à faire, donc en attendant je commence à trouver les têtes. Et puis, puis voilà, donc visiblement il y a plein de têtes sur le lobby, donc on commence à les chercher en attendant. Et puis ensuite ça va commencer, hein, voilà. Ensuite ça va commencer dès que c'est open, je pense qu'ils ont des galères au niveau du serveur. Bon, en même temps il y a beaucoup de joueurs, et puis bon, l'event est en 1.19, donc on va pas se mentir que... C'est normal qu'il y ait des soucis, donc ils vont... Enfin, pas des soucis, mais en vrai, là, je pense qu'ils attendent que ça se stabilise un petit peu. Puis après, ils vont open directement à tout le monde. De toute façon, on commence, la cité a déjà commencé, étant donné qu'on commence à chercher les têtes, hein, déjà. Donc au moins, déjà, ça sera ça de fait pour la suite. Je pense que je suis passé à côté de têtes, mais c'est pas grave. Merci, Kazuto. Il y a 200 têtes à trouver, j'en ai trouvé 3, les gars. Je pense que c'est un bon début, à mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, le début est exceptionnel. Hein. Sauf que, visiblement, il y en a une là, par contre. Voilà, le frérot m'a montré, ça fait 4, hein, déjà. J'ai trouvé la tête 88, hein. Ah, donc ça veut dire que peut-être il n'y a quand même pas 80 têtes sur le lobby quand même. Non, je pense pas. 87. En vrai, c'est une bonne chose, je trouve, de commencer à chercher les têtes dès maintenant. Comme ça, ça nous fera gagner du temps pour la suite. C'est ça le truc. Y a pas une tête là-dessus là? Si, bah forcément, il y aura une tête là-dessus, non? Ok, il va y avoir un restart et après le serveur sera stabilisé. En gros. Parfait. Bah nickel. Bah c'est tip top. Hein. En vrai. Parfait. Oh, il y a quelque chose là. Oh non, il y a rien. C'était des murs invisibles. On s'est fait bait. Hein. Oh, y'a Luigi! Y'a Luigi avec nous! C'est le vrai, hein, je pense. Hein. C'est le vrai Luigi, hein, à mon avis. Hein. Merci Aurore, merci Kirito! Merci les amis! C'est le vrai Luigi, hein, je pense. C'est le vrai Luigi. Donc y'a forcément Mario dans la simulation, non? Ah non, du tout, en fait. Ok, peut-être celle-là, je sais pas si je l'ai prise. Hein. Visiblement, non. Ok, ça me fait 5 têtes déjà. Ça me fait déjà 5 têtes. Sauf que, apparemment, Jim m'a dit qu'il y avait une partie de jump à faire, mais comment. Comment ça en fait? Comment ça il y a une partie de job? Oh, il y a une tête là-haut! Comment je l'obtiens celle-là? Comme ça? Ok, numéro 170 la tête. Celle-là je l'ai déjà trouvée. Vous voyez d'autres têtes vous ou quoi là? Vous voyez des têtes vous? Ah, apparemment derrière. Je suis à 8 têtes? Ouais. J'ai loupé une tête? Ah là, il y en a là. Ok, 9 du coup, apparemment. Note l'écho. Non mais celles qui sont sur le lobby, ils les ont déjà notées les quoi. Ils les ont déjà notées. Ah bah ok, il y en a une là. Ok, vous avez gagné 5 émeraudes. Vous avez atteint le niveau de 10, vous avez gagné 5 émeraudes. Oh mais chaque tête rapporte des émeraudes différentes en fait. Ok. Location hub spatiale, d'accord. D'accord. Ok. Les émeraudes sont fictives ou juste un bug? Non, c'est fictif les émeraudes. On n'obtient pas des émeraudes, c'est normal. Il y a vraiment 200 têtes au spawn. Non, non, il n'y en a pas 200 têtes. Hein. Non. Il n'y en a pas 200 têtes. Je vais noter effectivement les têtes, enfin les numéros des émeraudes que j'ai déjà pris. Vous avez raison, ça m'évitera de les refaire après. Ouais, ouais. Carrément. Vous avez raison. Pourquoi tu parles anglais toi? On sait que t'es du 93. Alors on lui dit, Stéphano, qu'il a un drapeau belge devant. On lui dit ou pas? Que c'est un pur belge, Nimbus. Nimbus, c'est un pur belge. À chaque fois que je parle mal de la Belgique, il est là dans le chat à chaque fois. Hein. Ah ouais, c'est le 93 de la Belgique alors, hein, je pense. Hein. Le 93 de la Belgique. Hein. Le 93 de la Belgique, les gars. À côté de Sif, à l'aide. À côté de Sif. Hein. Ah, tu veux dire là? Ah oui, bien vu. Ok. La tête numéro 0. Let's go, ça fait plaisir. Ok. Je sais pas combien il y a de têtes au lobby. En vrai, je pense qu'il y en a une vingtaine, à mon avis. Il doit y en avoir une vingtaine ou quelque chose comme ça au lobby. Là j'en ai, ça m'en fait 13 hein, actuellement là. 14 avec celle-là. Ah non, j'ai déjà trouvé cette tête. Eh oui, bah oui, on peut pas aller là-bas. Ça m'en fait 13. En vrai, je pense pas qu'il y en ait vraiment des masses. Je pense pas qu'il y ait les 200 têtes au lobby à mon avis. Je pense qu'en fait, il y a les 200 têtes, mais vous savez où elles sont? Je pense qu'elles sont genre tout là, les 200 têtes. Vous voyez tout ça là? Je pense qu'elles sont là, elles sont là. Elles sont genre dans ces trucs là en fait, en gros pas que là. En fait là c'est Keblo ici, mais à partir du moment où ça va être ouvert, c'est sûr qu'il va y avoir des têtes par-ci par-là en fait. C'est sûr. C'est sûr à 200%. Ah bah regardez. Voilà, tu vois, donc c'est sûr que c'est pas là en fait. Il y en a d'autres. Hein. Derrière un rocher, derrière Sif. Hein. Oh, déjà trouvé. J'ai le seum là. J'ai le seum, les gars. Je me fais un faux chatter déjà. Tête à gauche.
Tête à gauche, mais des waypoints lunaires interdits. Merci pour ces les waypoints sont interdits, désactivés. Le seul mode qui est autorisé, c'est Optifine, Toggle Sprint. Announcement, we restart to stabilize. Ok. The server will restart. Ok. En bas du spawn. En bas du spawn, comment ça? En vrai, là, je suis déjà allé ici, de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Ça, j'ai déjà tout récupéré. En fait, je crois que j'ai récupéré tout ce qu'il y avait dans le premier truc. Moi, je pense qu'il y en a 13 ou 14, je vais leur demander. Vous en avez eu combien des têtes, vous, là, sur le autour, là? Moi, 15. Ah, t'en as 15, il manque 2, du coup. On est 15 aussi. Bah, check, c'est dans le doc, je les ai écrites à chaque fois. Ouais, bah, nickel, bah, c'est parfait. Bah, t'es juste le boss, en fait. Shadow, mais... Attends, bah, tu sais quoi, je vais regarder le doc. Est-ce qu'on peut mettre le... Ah, bah, tu l'as mis dans Cords, parfait. Ouais, je peux pas l'épingler, j'ai pas les. Mais vous savez ce qu'on va faire? Non, mais regardez, tu peux le mettre dans Doc. Regarde, j'ai fait un nouveau channel Doc plutôt que mettre dans Cords, peut-être. Jamais. Oh là là, le futur. Comme ça, au moins. Je peux pas épingler les trucs, Gil. Je sais pas si c'est. Comment ça? C'est pas grave, hein. Bah, j'ai pas les droits, je crois. Ah, bah, attendez, Non, mais attendez, je vous mets tous en admin et puis voilà, ça va être plus simple. Attends. Ça coupe. Je sais déjà, on a gagné, ouais, on a gagné. Et c'est fini, on est premier de la cité. Bravo. Félicitations à tous les perdants. Ça va. De toute façon, nous on parle pas aux perdants donc voilà, bref, voilà. C'est une nous, autre histoire. On parle aux gagnants. Les Belges voilà. Apparemment ont. Ils ont une tête en moins donc ils ont. Les gars, j'ai crash. Non, t'as pas. Ah mec, trop chiant. C'est fini, Richard. C'est trop chiant. Et voilà, encore la blague de trop, et voilà. Non, je vais dire ça, tu vas dire ça à chaque blague que j'ai fait. Et voilà, la blague de trop, voilà. Abusé quoi. À chaque blague que je vais faire, ça va faire ça. Non, mais c'est l'âge, Guillaume devient de plus en plus aigri, imagine dans le temps. C'est normal. Oh là là. Chiant. T'imagines dans 2 ans l'âge du mec dans ce vocal ici? D'un des mecs dans ce vocal ici? Attends, bah c'est pas moi du coup, dans ce cas. Comment ça? C'est toi le plus vieux de la team? C'est Jim, non? Le plus vieux, c'est Jim. Mais on a pas 2 ans d'écart. Mais non, c'est Free, oui, on est Free, c'est Free. C'est moi, Free, ah, yes, je suis pas le plus vieux. Non, c'est Close, Free, il a 42 ans, oubliez pas. Surtout que dans 2 jours, je vieillis encore. Attends, Free, c'est pas un leak de dire. C'est genre 28 ou 29? 28, là. 29 dans 2 jours, là. 29 dans 2 jours, mais en vrai, Jim, t'es pas loin, du coup. Alors, Jim, je pense qu'il y a un souci parce que quand j'ai tapé Jimmy Boy Age, il a écrit Google m'a dit Jimmy Boy est un streamer et vidéaste de 26 ans qui se décrit comme à tendance sympathique. Il y a deux fautes dans cette phrase. Ah ouais, vraiment? Il y a deux fautes. Bah, tu tapes Jimmy Boy Age. Ah, mais c'est celui du cube. Mais oui, mais c'est celui, c'est le Licube. Wiki Licube. Il y a 5 ans. Wiki Licube. C'était il y a 3 ans ou quoi? C'était en 2020, ouais. Et oui, voilà. 6, 7, 8, 9. Eh, mais tu vois, t'as l'âge de Free finalement. C'est qui a un écho? Et bah ben voilà, c'est peut-être moi, ouais. Ah, tu dis toi? Non, c'est pas moi. Toi, t'as 25, toi. Alors que Guy, il y a vraiment toutes les infos hein, sur Wikitubia là. Ah, moi, j'ai tombé. Hein. C'est qui le plus jeune? C'est lui 84 de son vrai nom, Guillaume Castel, et né le 11 décembre. Mais non, mais attendez, on dit des conneries. Mais non, mais le plus vieux, c'est Nino. Ah, mais oui, mais il est pas là. Ah, mais oui, putain, il y a Nino, c'est vrai. Mais non, il a quoi? Il a quel âge? Il a pas 30 ans, Nino. Il a 32 ans. Mais quoi? Je vais pas dire son âge, je sais pas s'il veut que je le dise, mais il est plus vieux que Free. Non, mais il me l'a dit la dernière fois. La dernière fois, il a dit la dernière cité, il avait dit qu'il avait plus de 30 ans. Il l'a déjà dit à la cité, ouais. Wouah, Nino, frère l'ancien. Un vieux, hein. Quoi? Sur le wiki YouTube, il y a vraiment une phrase sur ta page. C'est marqué, il est considéré par beaucoup comme le streamer le plus aigri de France. C'est incroyable. J'ai Mais c'est vous qui peut modifier ces articles là. Oui, je crois que c'est tout. Le palmarès, let's go. Le palmarès, c'est une palmarès. Mais là, c'est fact-checké, hein. Là, je vous le dis, c'est réel, hein, ce qu'il y a écrit. Attends, mais c'est sur quoi? C'est sur la page Wiki YouTube. Wikitubia. Oui, sur Wikitubia, ouais. Si tu m'as marqué 84, Wikitubia. Wiki. Incroyable. C'est vrai? Vas-y, je vais voir. Le palmarès présente ainsi que d'un grand perfectionnisme. Oh, le palmarès de ouf. Il ne faut pas négliger sa chevelure soyeuse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Tinder ou quoi ton truc là? Mais attends, mais tu sais quoi? Je crois que c'est un Memodo qui a écrit ça. Je crois que c'est un Memodo. Je crois que c'est un Memodo parce que j'avais vu. On peut voir qui a écrit ça ou pas? Non, mais je crois que c'est un Memodo qui l'a écrit, mais genre il y a 7 ans, genre tu vois, je crois. C'est Bigel ou Strelizian, non? Il y a marqué 413 000 abonnés qui sur Wikitubia. Sa vie et ses anecdotes. C'est automatique, je pense. Vas-y, dis, lis les anecdotes. Bah, sa femme est Pologa, point. Ah bah bon, voilà, encore une fois j'apprends des choses, apparemment j'apprends qu'on est mariés donc j'en apprends plus vite que vous, ok? Mec, t'as merdé, c'est une dinguerie ce truc, le mec a recensé toute ma vie. Vas-y, après, vas-y, lis les autres citations, vas-y. Il a pour habitude d'utiliser les touches de base de Minecraft pour se déplacer à contrario de la plupart des joueurs Minecraft français. Vrai. Ça, c'est l'anecdote, C'est vrai, ça, c'est vrai que j'avance avec W, eh oui. Mais même Ninjax, frère, mais ça, c'est avec W, je vais péter mon crâne, comment tu fais? Mais oui. Allez, commencez le jeu comme ça.
commencé comme ça à l'époque. Ton record de viewers, c'était 17 000 viewers en duplex de la Cité des Nations. En duplex de la Cité des Nations. Ah, c'est bon, vous pouvez vous reco. Vous pouvez vous reco. Ouais. En tout cas, ouais, mais ça lag toujours. Attends, t'avances avec W. Oui, oui, bah, ouais, non, mais oui, je vais péter mon crâne, genre. Non, mais c'est un alien, non. Eh, les gars, regardez le bug qui est sur. Il y a un bug. Regardez. Regardez. De quoi? Attends, qu'est-ce qu'il y a? Attends, non, mais ça a l'air drôle, mais. C'est les mêmes, hein, c'est les deux, hein. Les deux mêmes, hein. Non. Il y a la grosse tête de Phrygien. Quoi, où ça, où ça, où ça? Quoi? Regarde en général. Regarde en général. Ah, c'est quoi? C'est ta tête de Phrygien à côté. Bah, Guil, en fait, t'es Phrygien, putain, je savais pas. Quoi? Mais la dinguerie, ça, par contre. Attends, quoi? La général de quoi? Du Discord. Ah, Discord général. Ah ouais, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais c'est Usurpation là. Ah ouais, j'avoue. Tu tapes The Guild Cat, il y a la photo Phrygien qui apparaît. Ah ouais. Je vais attaquer. Usurpation d'identité. Après, je tiens à dire que si vous tapez Matox en haut, ça vous met Matox YouTuber avec une photo de lui qui fait peur. Moi, je le dis. Ah ouais. Oui, alors que les photos de lui, on a pas beaucoup, hein. On découvre des dossiers là. Matox. Genre. D'abord. Regardez, je vous le dis. Guillaume, sache qu'il y a certaines de ses citations sur la page, c'est pas drôle, hein. Ah ouais. Le coiffeur apparemment c'est une de tes citations. Ah bah ouais, c'est moi qui l'ai inventé. Je sais pas, je sais pas. Je me reste de la pioche apparemment, tu dis ça aussi. Ah bah non, du coup non, j'ai jamais dit ça mais ok. Ah peut-être quand on était avec Fuse, j'ai peut-être dit ça. Ça start dans une minute. Ah merde. Ah nice. Regardez, quand vous tapez Matox en haut, ça vous affiche ça. Regardez la tête de Matox comme il fait peur. On dirait un videur. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ça fait trop peur. Je suis mort. Bon. Ça commence dans une minute, messieurs, dames. Ok. Alors, apparemment, Chocapic a truqué mon truc de sub goal, il paraît là. Merci. Il paraît que Choca a modifié mon truc. Il a mis je fais du breakdance sur Guild Games. Et qu'est-ce qui branle? Je quitte l'eau et je demande Jimmy en mariage. Je quitte Jimmy et je demande en mariage. Choca, il est en train de mettre des conneries sur mon truc de sub goal, putain. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bon, ça commence, messieurs, dames. Let's go. Vous êtes 9000. C'est parti. C'est parti pour la Cité des Nations, est-ce que vous êtes chaud? Oh, MG, le logo! Oh, le logo! Il y a un logo au milieu de l'écran là! Logo. Il y a un logo, putain! Merci, je suis gros, merci Yann, merci Nashoba! Il y a ça sur Windows. C'est possible sur Minecraft ça? What the fuck? 5! Ça commence! Ça bug encore, ça bug encore! Quoi? C'est pas grave, c'est pas grave! 2! 1! Bonjour à tous, bienvenue dans la Cité des Nations! Il y a une tête, hop, il y a une tête, moi je prends. Hop, j'ai pas noté les coordonnées. J'ai pas noté les coordonnées, c'est pas grave, c'est quelque chose. Vous avez vu les apparts, faudra qu'on prenne les apparts. C'est quoi les apparts? Il en manque une, c'est pas la mort. Il y a une deuxième tête au bout. C'est des chambres étudiantes. Il y a une tête sur les escaliers. Une tête, je la prends aussi. Il y a la nourriture lyophilisée. Il y a une tête en haut. Si vous montez les escaliers, il y a une tête. Je ne vois pas. Il y a des têtes en haut. Notez si vous les prenez. Par contre, écrivez, ouais. Écrivez, bordel. Je vais la noter. Oh là là. Oh non, mais je vous laisse. On va aller vers le M2, M3. Faut qu'on tourne, non? Ouais, on va laisser les autres à faire. Ouais, c'est qui lui? Alors, on peut acheter une petite maison. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas assez d'or pour acheter, vous avez besoin de 165 d'or. Acheter une maison, acheter une grande maison, vous avez besoin de 250 d'or. Oh, c'est pas mal 250 d'or en vrai. Merci Lolilol, merci à tous. Merci les gars, merci beaucoup. Ok, alors je pense qu'on va se barrer direct. Comment on fait pour switcher en fait? Il doit y avoir un PNJ non qui nous permet de nous barrer, non? Parce que là en vrai, qu'est-ce qu'on a genre là en fait ici? Parce que là c'est bien sympa, mais ici on fait quoi là? En fait là, c'est ça la question là. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est là? Comment on se barre? 4 melons, le gold. Le melon? C'est où? Mais où c'est qu'on se barre? C'est dans le grand hub, le truc tout rond là. D'accord, ouais, c'est grand. Attendez. Deux jours là, pour un gold. Ou pas? C'est téléporteur en banque? Non, c'est en haut et en bas. Ah oui, PNJ Bank. En fait. Ah oui, 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 c'est... Ah oui, si. Regarde, c'est plein de petits magasins, oh, faut juste les regarder. Ah, c'est le DCM à Montpellier. Là, ah, je connais, j'ai la comment il fait le connaisseur, là? Attends. Ouais, t'as vu, c'est le seul truc que je connais à Montpellier. Ah ouais, bah voilà. On va où, là? Moi, je vais aller au Spaceship. Oui, il y a des émeraudes dans les magasins aussi, hein. Il y a des émeraudes dans les magasins. Les magasins, attends. Il faut noter. Moi, je vous conseille de les prendre tout à l'heure. Moi, je les prends un peu loin. Du coup, comment va notre cité? Bah c'est une bonne question, par il contre faut aller à notre vaisseau. Les gars, notre vaisseau qui est au sud. Les prix des émeraudes, c'est inutile. Genre pour l'instant, c'est inutile. Genre le moins de trucs, c'est 2 émeraudes, 4 émeraudes, 2 émeraudes, écoutez, c'est inutile pour l'instant. Tout dépend des familles. Votre vaisseau, il est en moins 200. Voilà. Ah ouais, moins 200. Oui, moins 200. Dès que vous l'avez trouvé, vous pourrez utiliser le téléporteur. Bah okay. J'y vais hein. Moins 200. Ah attends, oui, mais pour faire quoi du coup? Parce que le temps qu'on le prend, après on fait quoi? Ah mais bah, oui, on va farmer. En ouais, gros, mais fermez quoi, faut... je veux dire. Pour débloquer dans le téléporteur, il faut que vous alliez dans chaque truc à débloquer et ensuite ça vous le débloque. Ah, ouais, non, okay. Moi j'ai débloqué la banque là par exemple. Dans le vaisseau, je suis dans le vaisseau, c'est trop stylé. Attends, mais du coup. Attends, mais banque. Attends. Mais attends, mais. Ah oui, mais parce qu'il y a un étage du dessus en fait. C'est bien stylé en vrai. Hein.
Ah mais Bank ça doit être de l'autre côté pour l'autre PNJ du coup. C'est où que t'as trouvé le PNJ pour le... Pour l'or, j'ai... Land. Let's go. Il en fait il y en a plein des PNJ de l'or. Bah ouais. Ah bon. Ah mais... Là en fait c'est que ça, là c'est que ça en fait. Là tout ce qu'on va vendre ça donne de l'or, ça donne pas d'émeraude. D'accord. Bah non, si tu vas dans Bank, il y a un PNJ qui donne des émeraudes. Oui mais c'est la Bank. Ah mais oui. Ok, j'ai trouvé le Nether, C'est notre vaisseau ça. NPC Ok, on va regarder. Alors, ok, d'accord. En fait, tu dois vendre du melon pour avoir du gold. Mais mec, c'est tellement long par contre. Oh, un gold pour 4 melons. Ah ouais. Marchand des soupes. Deux soupes. Mushroom stew. Merci Sleepy. Ok, en vrai, ça a l'air d'être ok là pour l'instant. Faudrait qu'on continue de trouver. En fait, en gros, ouais, tous les PNJ qui sont autour, c'est des... En fait, en gros, la plupart du temps, on va vendre du gold, quoi. En gros, c'est ça l'idée. La plupart du temps, on va vendre du gold. C'est ça qui est important pour améliorer notre base le plus rapidement possible, quoi. Vous savez quoi? Je vais faire le tour de tous les PNJ pour voir ce qu'ils vendent. Là, ça a l'air de rien vendre ici. Ah oui, your spaceship. Ok, et du coup, il faut qu'on se balade en allant ici. Putain, mais mec, c'est gigantesque. What the fuck? Il y a un bug, là. Je reconnais, là. C'est gigantesque, vous avez vu? Je prendrai toutes les têtes après. Oh! Ça, je connais ça. Tu vois, ça? Je connais pas grand-chose, mais ça, je connais la ref, ça. Ça, je l'ai. Merci, Mouyel. Merci beaucoup. Et du coup, il y a plein de PNJ. Ok, je vais faire le tour là-bas, parce que du coup, là, je sais pas s'il y en a ici aussi, des PNJ. Ouais, là, il y en a là. C'est quoi, ça, c'est marchand de redstone? C'est quoi, c'est, ils vendent de... Juste... Ok, ils vendent de jukebox. Ok, ah oui. Ok, là, il y a pas le PNJ pour l'enchantement. Ça, c'est quoi, ça? Ça, ça a l'air d'être autre chose. Quelqu'un va s'occuper au niveau des têtes, hein, vous inquiétez pas, quelqu'un va s'en occuper. Merci Roxama, merci pour les 19 points de sub. On fera les têtes plus tard si ça vous... Si ça vous chauffe. De toute façon, dans tous les cas, c'est pas si ça vous chauffe, c'est dans tous les cas, vous n'avez pas le choix en fait. Hein. PNJ marchand minerie, est-ce qu'il y a quelque chose qui vend beaucoup d'or là? Bah, un lingot d'or qui donne du gold, en vrai, ça paraît logique, hein, finalement. Ça, c'est pas débloqué. Ça, c'est pas débloqué. Donc ok, pour l'instant, il n'y a pas 10 000 trucs qui se débloquent. Mais ça a l'air d'être ok pour l'instant. Ça, c'est quoi? PNJ marchand de kelp. Oh non mais le kelp. Ça va Nimbusito? Ça va Nimbusito? C'est le monteur, hein, voilà, c'est le monteur, pas de toutes les vidéos mais d'une partie. Y a rien par là, bah ça a l'air d'être bon en vrai, hein, ça a l'air d'être ok. Donc en vrai, je pense que pour l'instant ce qu'il faut faire les gars c'est qu'on va aller miner je pense. Honnêtement, on va aller miner. Alors c'est quoi, il faut que j'aille où pour me barrer? Je pense que ça doit être par là. Du coup on va juste se balader autour, on va débloquer tous les TP et après comme ça je vais commencer. Par contre c'est insane ce qu'ils ont fait. Merci Fop13, merci beaucoup, c'est insane ce qu'ils ont fait. Franchement c'est insane. Première fois que je suis une cité, bienvenue Nightmare Sensei. S'il y a pas de fer c'est chaud. Bah après le truc c'est quoi, il faut qu'on débloque du fer avec le... Oh les amis, on va se permettre de remettre le shader. Il faut qu'on débloque le fer avec en débloquant la partie 2 quoi, hein, enfin la deuxième truc. Moins 200-200 il a dit Ninjax. Ok ça part. Moins 200-200, eh ben ça part direct. Hein. Ok, let's go. Ah, c'est joli quand même, regardez-moi. Ça, c'est joli. Qu'est-ce que c'est quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'a envoyé l'eau? Merde. Ah, trop de barres, ce que tu m'as envoyé. Hop, ok. Il y avait un TP dans les minerais. Ah, bon, c'est pas grave. J'y retournerai après, c'est pas grave. De toute façon, là, dans tous les cas, je me balade juste. Hein. Ah, ok, donc là, on est là. Sauf qu'attends, comment est faite la map? Du coup là, le sud, ça doit être juste aller tout droit. Est-ce qu'on peut aller tout droit là-bas au fond, voir ce qu'il y a tout au bout là-bas? Parce qu'en vrai, j'ai envie de me balader pour savoir tout ce qu'il y a. Ah non mais attends, mais ça c'est une sorte de fusée pour plus tard, non? Est-ce qu'on peut pas y rentrer, j'ai l'impression aussi? Ah si, on peut y rentrer. Attends, il y a des têtes et tout dedans. Qu'est-ce que c'est? Oh! Merci Mythix. Ah, ça livra, merci beaucoup. Oh! Mais c'est que c'est joli tout ça les amis. Eh hey, mais c'est que c'est joli tout ça. Bon, on récupère les têtes hein, écoutez. Je prends en screen évidemment toutes les têtes que je prends, comme ça m'évitera de les refaire. Hop. Ah ouais non mais là mec je vais prendre en screen toutes les têtes que j'ai déjà fait, ça me fera gagner un temps pour après déjà, comme ça j'explore tout. Ça je sais pas à quoi ça sert. En fait à part les têtes je ne vois pas à quoi ce truc là peut servir ici hein, pour être honnête. Il y en a une là aussi. Bon de toute façon ça c'est les têtes hein, qui sont ici. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de les noter. En vrai, je vais peut-être noter les cordes ici. Attendez, ça c'était laquelle celle-là? Ça c'était là. Attends, la 190 c'est celle-là. Je vais juste noter sur le doc parce qu'on a un doc avec les têtes là. Donc je vais les noter. La tête 190. Je vais apporter ma petite pierre à l'édifice là, vous savez. Hop. 190 donc. Moins 5, 43, 363. Ensuite on avait la tête 67. Donc c'est celle qui est en haut. Je crois que c'est celle-là. C'est laquelle? C'est la 67 celle-là. Ok. Je note, j'apporte ma petite pierre à l'édifice parce que comme ça au moins les gens n'auront pas à la remplir ici. 360,
Ensuite, on a la 191 qui est littéralement juste à côté, ici. La 191, donc elle est en 4, 52, 369. Et celle-là, c'est la 68. Voilà, comme ça, hey, on pourra pas me dire que j'ai pas rempli sur le doc. J'ai rempli. 377. Ok, voilà, j'ai rempli. Et d'ailleurs, il faut que je me les coche, parce que sinon, si je ne me les coche pas, ça ne va pas le faire. 190 et 191. Hop, hop, hop. Voilà. Je cocherai toutes les autres après, hein, comme ça, moi, ça fait... Merde, je les ai cochées pour Bichard. OMG. Pardon. Je les ai cochées pour Bichard, je crois. Bon, c'est pas grave. Je me suis trompé. Je les ai cochées dans le mauvais truc. Il va m'engueuler. C'est pas grave. Hop, c'est bon. Problème au résoluto. Ok. Bah écoutez, ça a l'air d'être nickel. Merci WNKix. Merci Rakunito. Il y en a une à côté de la 191. De quoi? De tête? Attends, parce que 191 c'était où? C'était dehors, non? 191. Attends, je sais plus. C'est ça là, non? 191, c'était là-haut, non? Parce que là, il y en a 3 ici, il y en a une en bas. Ils vont restart. We will have to restart in a few minutes so you can connect to 10. A little joke as set the limit at 9. Slash link not needed, you are already linked with your Discord rank. Ok, oui, il va y avoir un restart, on s'en fout. On s'en fout, les gars. Il va y avoir un restart. De toute façon, il va y avoir plein de restarts, hein, je pense, dans cet event. Hein. Ça change rien. Entre les deux étages. Non, mais de toute façon, écoutez, quelqu'un ira s'en occuper. C'est bon. Oh! 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 Mais dis donc! La tête 66. Merci pour le la tête 66. Moins 3. Attends, pourquoi Sifano vient de se TP à moi, là? Je rêve? Je rêve? Ou ça m'utilise comme ça, là, pour se TP? Non, c'est pas Sifano, en fait. Tu as pas un truc qui t'indique celle que tu as pris? Oui, non, j'ai pas de truc sur le menu qui indique celle qu'on a... Ah, mais si, mais si, t'as raison. Si, dans le menu, on a quelque chose, en fait, qui nous indique. Si, vous avez complètement raison, en fait. Entre les deux étages. Ah non, mais ok, mais vous vous êtes fait bait par le... Par le reflet, je crois. Vous êtes fait bait par le reflet, je crois. Parce que là, il y en a pas d'autres, là, ici. Non, c'est bon. Note les coups des têtes. C'est fait, je les note sur le doc. Je les note. Je les note. Merci Rakunito pour les 10 subgifts. Let's go. Merci beaucoup mon frérot, ça fait plaisir. J'ai déjà trouvé cette tête, donc ça c'est bon. Ça là aussi j'ai déjà pris et c'est noté, donc c'est bon. Là il y en a une. On l'avait pas vu celle-là. Et j'ai atteint les 30 têtes, messieurs dames. Ok, donc c'est la tête numéro 62 celle-là. 3, 49, 228. Ok, je note ça. Merci Valouen, merci beaucoup pour le Prime, excuse-moi de mal avoir lu ton nom, toutes mes excuses. Ok, la tête 193 que nous avons, je les note, toutes les têtes que je trouve, je les note. Moins 1,51, 185, et je me la coche, celle-là. Et la tête d'avant, c'était la tête 62, est-ce que je me la suis cochée? Je ne sais pas, on va vérifier. Ah merde, je l'ai noté au mauvais score, je crois. Ouais, j'ai noté au mauvais score, hop. J'avais noté dans le truc 63, mais c'est bon. Let's go! Il y avait une tête derrière, apparemment? De quoi? Où ça? Quoi? Où ça? Quoi? Sous l'escalier derrière toi. Merci pour le risque. Bien vu! Merci! Merci, chat! Merci, chat! Heureusement que vous êtes là. Moins 2, 208. Moins 2, 49, 208. Mais en fait, en gros, là, on est sur les 190, 191, 192, 193. Donc, en gros, les dernières têtes doivent être dans ces alentours ici, je pense. À mon avis. Derrière, dans l'herbe. Derrière, là-bas. Ici, là. Ah bah oui, ici, il doit forcément y en avoir une dans l'herbe. C'est obligé. Ah, bien vu, la team. Bien vu. Merci, Eri. Merci, Jujudo. Merci, Titiba. Manque 6, ou Manque Touko, Manche 6. Artiste, Lico, Nightfall. Merci, Am Crooked aussi. Merci à tous pour vos primes. N'hésitez pas à les claquer si vous avez des primes qui dorment. On a des petits sub-goals pour cet event en plus. Ok, ça commence bien tout ça. 51, 191. Je note. En vrai, j'ai déjà 33 têtes, hein, bordel, hein. Dans le chemin derrière en bas. Celle-là, je l'ai pris. Hein. Celle-là et celle-là là-bas, je l'ai pris aussi, hein, les gars. Ces deux-là, je les ai prises. Ces deux-là, je les ai prises déjà. Il va y avoir une tête par ici. Ah. Bon, je pensais pas tomber, mais c'est pas grave. Il y en a une ici. La tête 60. Moins 24, 43, 192. En vrai, j'aurais fait ma part du taf, là, pour le coup. Là, j'aurais fait ma part du taf. J'en aurais mis pas mal. Hein. 61. Moins 33, 43, 198. J'en aurais mis plein des têtes là. Merci Zéro, merci Nel, merci Ad, merci Lucas. Merci beaucoup. Oui, je vais aller au vaisseau, vous inquiétez pas. En fait, c'est juste que je cherche mon chemin en fait, en gros pour vous dire. Et en même temps que je cherche mon chemin, j'essaie de trouver les têtes, hein, sur le chemin. Comme ça, ça sera déjà ça. Apparemment, il y en avait une autre dans l'herbe. Ah, attendez. Bon, déjà, je me suis perdu déjà pour commencer.
Mec, il y a trop de trucs en vrai, c'est une dinguerie. C'est trop grand en fait. C'est trop grand, genre vraiment. C'est gigantesque, mec. C'est gigantesque. C'est quoi le but des têtes? Il faut toutes les récolter pour gagner des têtes supplémentaires. Bon, celles-là, elles ont été notées, évidemment. Là, il doit y en avoir, mais on viendra les faire plus tard. Mais ouais, il y a 200 têtes à trouver dans le lobby qui rapportent des émeraudes supplémentaires. Donc, c'est très important de les récupérer parce que, en vrai, regardez, 3 émeraudes, 3 émeraudes, 5 émeraudes, 8 émeraudes, pour l'instant, c'est ce que le jour 1 rapporte. Donc, moi, je pense que c'est peut-être plus intéressant pour l'instant de faire des têtes, à la limite au jour 1 avec du stuff, plutôt que de s'occuper de récupérer du plutôt que de s'occuper de farm ce que les émeraudes donnent, parce qu'actuellement les émeraudes ça rapporte vraiment pas beaucoup, donc voilà. Merci Multigaming, merci Pau Balicorne. C'est vrai qu'il y a des têtes dans l'end, c'est vrai, la dernière fois ça avait été c'était un truc qui était présent la dernière fois, donc vous avez raison. 11, 50, 44, dites-vous là déjà je pense qu'il y a la moitié des têtes qui sont répertoriées sur notre doc déjà pour commencer, donc c'est pas mal. Merci. Ok, sur Lunar dans l'option des coordonnées tu peux mettre une touche pour copier-coller les coordonnées. Comment ça? C'est vrai? Cords. Oh, mais c'est exceptionnel, mec. Mais c'est... Non, c'est incroyable! Pourquoi personne m'a jamais dit ça? Oui, le téléporteur, j'ai pas encore débloqué le truc. Mais c'est incroyable! Ça commence quand? J'ai pas fini de regarder. Bah, c'est déjà commencé, mec. Ça a déjà commencé, là. Je cherche les têtes au lobby, là, déjà. Ça a commencé. Mais c'est incroyable! Qui m'a jamais dit ça? Ça c'est quoi ça les amis? Oh c'est quoi ce truc? Ça a l'air d'être insane, je sais pas c'est quoi ce truc mais ça a l'air d'être incroyable. L'économie est changeante tous les jours, oui tout à fait. Tous les jours ça change, je sais pas à quelle heure mais tous les jours ça change. Oh là il y a des têtes là mon gars. 109 hein. 109, hop. Hop. 108. Hop, attendez je note l'écho. Encore quelqu'un qui se TP à moi là. Bonjour. Ok il y a une tête derrière qu'il faut qu'on aille chercher. Encore une tête ici. Je crois qu'il y en a que 3, on est d'accord là. Il y en a pas plus, hein. J'ai l'impression, hein. Hop, hop. J'ai l'impression qu'il y en a pas plus. Si ? Dis aux autres. Ouais, je vais leur dire, mais je vais leur dire de toute façon que là je suis en train de noter toutes les têtes que je trouve au passage. En fait, vu que j'explore le lobby en même temps, je me permets voilà, de noter toutes les têtes que je trouve au passage. Ça leur fera gagner du temps aux autres. Et je vais leur dire tout de suite. Alors les gars, vous m'expliquerez ce qu'il faut faire après parce que là vu que je cherche mon chemin au lobby mais du coup j'en profite vu que je fais le tour je note toutes les coordonnées des têtes que j'ai. Et d'ailleurs juste je vous le dis pour ceux qui font le tour des têtes aussi, il y a une option dans le mode coordonnées de Lunar Client si vous êtes avec qui vous permet de copier-coller les coordonnées avec une touche sans les écrire. Donc c'est complètement enfumé là, ça trace là en fait. J'aimerais. Comment tu fais pour la setup? Tu vas dans mode, le mode coordinate, tu fais option. Et t'as un bouton qui s'appelle copy cord sur clipboard. Et tu mets un bouton, je sais pas, de ta souris ou quelque chose comme ça. Et en fait, quand tu cliques sur ce bouton là, ça va te copier-coller directement dans ton dashboard. T'as juste à faire coller pour écrire les coordonnées. Donc, ah en oui, fait, ok. Voilà. Super. Donc, c'est super fort en fait. Bah, pas de soucis. Hop, du coup, il faudra que vous m'expliquiez après, mais voilà. Tout à l'heure. Voilà, je me suis muté, j'ai même pas la réponse. Merci Dacrom, merci Dandan le boss. Merci Ashura, merci Lizor. T'as pas noté les codes de dehors je crois. Si t'inquiète pas, c'est juste que tu les vois pas mais je les ai notés en fait. C'est qu'en fait une fois que t'as setup le truc ça va tellement vite le copier-coller mec, c'est insane. Genre je sais pas qui c'est qui me l'a dit, mais merci chat en fait, merci beaucoup en fait. Je vais attendre que ça redémarre. Bah pour vous dire là du coup, y a combien de têtes qui sont notées là? Y'en a 5, 6, 7, 20, 25, 30, 40, 50. Ouais y'a déjà presque 90 têtes de notées sur le doc là, sur les 200. Vous avez vu l'efficacité les gars, l'efficacité bordel, c'est tellement fumé mais c'est trop bien. En plus on a un doc, on est bien organisé. Les gars, on a une équipe, ça va jouer, ça fait plaisir. Dream Echo, bah ouais c'est moi Dream mec, enfin ouais, what the fuck en fait. Pourquoi la question? Bah voyons. Je plaisante. Le fameux c'est un document qui est là, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu regarder ton live, ça fait plaisir. Salut le bon Ricard, merci beaucoup d'être là, ça fait plaisir. Ce soir les 200, je pense qu'on finira toutes les têtes aujourd'hui ouais. À mon avis on fera toutes les têtes sans trop de problèmes aujourd'hui. Je pense, hein, sans trop m'avancer, qu'on peut largement les faire aujourd'hui, messieurs, dames. Je pense. Ouais, à mon avis, je pense que c'est le cas, sans trop de problèmes. Bah, on est bon, je pense. Hein? Je pense qu'on est bon. Merci. Nickel. Hop là. Parfait. Pendant que nous sommes dans le top 5 des streams français, je crois. Voilà, juste si jamais, voilà, je vous le dis, je crois qu'on est... ou dans le top 10 en tout cas, mais je sais que vous êtes énormément. Bah bravo à tous, hein. Bravo. Idée sub goal, refaire une soirée... Oh, c'est pas mal ça, Allo, ce que tu m'as envoyé aussi, ouais. En vrai, ouais. En vrai, de ouf, hein, je vais le noter, ça. C'est quoi? Je vais le noter. C'est une bonne idée de sub goal, ça. J'aime bien. Je vais le mettre, tu sais quoi, je vais le faire, je vais le mettre pas trop haut.
On va le mettre à 4200. Merde. Attendez. Hop. Hop. Parfait. Parfait, nickel. Merci pour le research. Hop. Parfait. Bonne idée de ouf. Top 4 FR. Let's go. Merci à tous. Merci Nuizar. Merci Sochanker. Merci Fubu pour le Prime. Merci. Ça fait plaisir les gars. Merci à tous. Merci d'être aussi nombreux. Putain, c'est fou en fait. Ça me régale les gars. Soit c'est moi, soit tu es top 2. Bah écoute, on verra. Hein. De toute façon, dans tous les cas, le but c'est... Enfin, moi, je t'avoue que je regarde pas le classement, mais c'est juste que vu qu'on me l'a dit, je me permettais de le souligner. Bon bah parfait, en vrai, ça fait plaisir. Attendez, mais moi je commence à avoir déjà soif là. Peut-être aller me chercher un truc à boire, en vrai non. En vrai, je vais me chercher un truc à boire, attendez, pendant que ça arrive. Rien là. Ah oui, putain, et on est tous sur, à côté, hein. Vraiment, c'est abusé. Hein. L'italien, tu peux le taper? Bah, je sais pas, il était loin. Bah, c'est abusé dans le sens où faut faire gaffe, ils peuvent prendre autant que nous, quoi. Oh putain, ah ouais, de sa mère. Ung. 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 Oh non, ça recommence. Je vais aller choper les. Les champimeux là, ils sont où? Ils ont tous écrit Ungay, les Allemands. Où est-ce que vous avez chopé des pommes? Non, nulle part en vrai. Non, nulle part, on n'a pas. Pas de pommes, hein. Wow. Attends, mais du coup, avant que je revienne, il faut quoi? Faut que je me balade, que je trouve des fleurs, c'est ça? Je trouve des fleurs, et Bichard. Ouais, c'est ça. Heureux! Comme ça, je reviendrai pas ici, parce que je me saoule, c'est le planète déjà. Apparemment, ça a réouvert le serveur là, on peut y retourner. Attends, juste me permettre de retirer les trolls de Choca là sur le truc là. Hop, hop, hop. Voilà, parfait. Nickel. Apparemment, ça a réouvert, non? Ouais, let's go, allez, on continue, on va faire le tour. Oh non, mais ça m'a reco-centre! Non, mais quel. C'est une honte! C'est une honte, Ungé, comme vous dites. Merci Joyax, merci Kakuzu, merci Donateur Anonyme. Merci beaucoup. Go mettre l'algorithme d'Hyper pour les stream hacks. Oui, on le fera, je pense, ouais. Clairement, ouais. Non, on le fera sans aucun souci, ouais. Merci Anonymous! Dans le top 20 des streams mondiaux le plus suivi, bah putain. Eh ben. Merci Sifano pour la cité. Par contre, et en vrai avec les Guild Games, il y a moyen qu'on pète beaucoup de choses. Hein. On verra, j'espère, hein, j'espère. Merci Chef Théo, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merde. Ah c'est quoi, j'ai débloqué là? Ah c'est les marchés, ok. Marché sud, donc il doit y avoir marché nord aussi. Il doit y avoir marché nord du coup, ça veut dire aussi. Ça on a vu du coup. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore au spawn? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore au spawn, messieurs, dames? On va continuer de se balader, mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Je continue. Tu penses quoi des nouvelles règles de Lola pour Minecraft? Bah écoute, hein, c'est éclaté, hein, comme la plupart des gens le disent. Merci Décalion, merci Swayze. Bah ouais, hein. Oui, le anti-streamac, on verra. Oh, j'ai une tête que j'ai pas eue. Oh, oui. Une tête que je n'ai point eue. Alors, c'est la combien, celle-là? C'est la 111. Est-ce que ça m'a copié l'écho? Oui. C'est la 111. Est-ce que la 111 a été notée? Elle n'a pas été notée, donc je me permets de la noter. Encore une tête ici. Oh, mais ça, c'est où? C'est quoi, ça, cet endroit-là? La 112 également, hop, copier-coller les coordonnées, parfait. Encore la strat de tout déposer à la fin? Bah en fait ça dépend parce que vu que l'économie elle change tous les jours, on pourra pas tout déposer à la fin quoi. Ça ouais, ça risque d'être chaud de tout déposer à la fin pour être honnête. On verra hein, mais bon. Ah par contre mec, ça va tellement vite les têtes là. Wouah. Ah ouais, ça va vite de fou hein, par contre. Hein. Merci Zimbator, merci Pastix, merci Décalion, Orkito, merci les gars. Ça va vite de fou hein. Ça va vite, hein? Ça, c'est quoi, ça, en fait? Hein. Vaisseau. Ah, mais c'est ça, le fameux vaisseau dont vous parliez tout à l'heure. Donc, en gros, si j'emprunte ce vaisseau-là, je suis téléporté à... Ok, donc là, c'est le vaisseau français, ça, je suppose, c'est ça? On est au vaisseau FR, là. Menu de téléportation, hangar, cabine, non découvert, non découvert, non découvert. Ok, bah, je pense qu'on va se balader un peu pour découvrir le vaisseau. C'est clean, hein, en vrai, franchement. Hein. Le problème, c'est que les teams adverses seront pour votre strat de tout poser à la fin. Ouais, bah, bon, après, est-ce qu'on s'en fout un peu? Est-ce que tu la sens bien cette cité des nations? Ah bah carrément mec, carrément de ouf. Bah en vrai je vais me balader un peu de partout pour essayer de découvrir un petit peu ce qu'il y a. Menu de téléportation, ok. Gestionnaire du vaisseau, qu'est-ce que c'est? Vaisseau compétences. Ah c'est pour acheter, ok. Déverrouiller niveau 1, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6. Merci. Et les compétences je suppose c'est pareil. Alors chaque jour jusqu'au jour 4, deux compétences sont débloquées dans les catégories farming et habileté. Vous pouvez les acheter avec de l'or dès qu'elles sont débloquées. Ok, donc là aujourd'hui c'est respiration et XP x 1.5. Demain ce sera Ast 1. Ok, célérité 1 et saturation 1. Ok,
Ensuite, ce sera resaturation 1. Attends, comment ça? Saturation 1 et saturation 1, comment ça? Ah, c'est peut-être. Mais qu'est-ce que c'est que là? C'est quoi ça? XP x 2, 7 ohm et, 7... et ast 2. Ok, donc en fait, en gros, on débloque pas d'effet de ouf. On débloque pas de speed, de trucs comme ça. Bah, en vrai, du coup, c'est pas si mal, hein, pour être honnête. C'est pas si mal. Hein. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a Nino? Oui. Oui. Et là, c'est quoi, Sylvania? Ah, là, c'est pour. Ok, c'est pour aller sur les planètes. Ok. Je vais continuer d'explorer le vaisseau avant d'aller sur la planète, ok? Mais en vrai, le vaisseau, ça a l'air plutôt cool comme, comme truc. Ok, j'aime bien, en vrai. J'aime bien. Bah ouais, c'est vachement cool hein, quand même comme, comme truc hein. En vrai, vous en pensez quoi les gars? Franchement non, du coup, ouais, qu'est-ce qu'il y a Ninjax? Tu veux quelque chose? Il y a quand même... Ah Ninjax, il y a un souci? Non, tiens. Je t'ai donné de la nourriture. Oh c'est gentil mec hein. Par ouais. contre, vous avez compris l'histoire de... Enfin désolé, je coupe peut-être. Mais vous avez compris le... des compétences? Pourquoi il y a saturation 1 et saturation 1 deux jours d'affilée? J'ai pas compris. C'est... Bah c'est saturation 1 et saturation 2, c'est une amélioration. Saturation 2? Ça existe même? Bah oui. Bah du coup donc, oui c'est boost quoi. C'est juste plus fort. On est d'accord que là... Je sais pas, en vrai je sais pas. Attends, j'ai pas envie de dire de conneries. Là où on est... On peut pas ouvrir là... Oui exactement, c'est ça mec, t'as compris. Donc, c'est notre vaisseau. Donc c'est notre vaisseau, on est tranquille, on est chez nous, ok. Donc c'est l'hérité, c'est speed. Célérité, c'est speed. Oui, c'est speed. Ah oui, ça, oui, célérité, c'est speed, oui. Non, c'est ast. Bah oui, c'est ast, hein. Célérité. C'est ce que je disais, hein. C'est pas ast 2, ouais. Bah oui, speed, c'est vitesse en français, les gars. C'est pas célérité, hein. Ah, c'est ast, hein. Oui. C'est là, l'été. Non, non, c'est une amélioration qu'on peut avoir. Ouais, 1200 gold. En gros, attends. Là, en gros, on peut améliorer notre PNJ. Déjà, il faut qu'on le monte au niveau supérieur, parce que comme ça, si on le monte niveau 1, on peut aller sur la deuxième planète. Ouais, et en gros, plus on augmente de niveau, plus on pourra aller sur les prochaines planètes et du coup avoir du stuff, etc. Et d'accord. Les compétences, pour 600 gold aujourd'hui, on peut avoir respiration et XP x 1.5. Ensuite, on peut avoir pour 1200 gold saturation et célérité 1, perma, donc ast 1. Ensuite, on peut réavoir saturation et XP x 2. Et ensuite, on a un slash 7 ohm et ast 2, permanent. Donc ast 2, mon gars. Ast 2 perma pour construire les usines. Voilà, tu vois ce que je veux dire, ça va. Genre Miro là, il serait très content par exemple. C'est qu'avec le niveau 1? Non, c'est différent. En gros, c'est pas la même chose. Ah, en gros, il okay. y a l'amélioration du vaisseau niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour débloquer les planètes. Et t'as des compétences et pouvoirs que tu peux débloquer, en gros. Très bien. T'as vu, j'explique bien. J'ai vendu des soupes. Donc c'est bon. On a un peu d'or, mais je sais pas comment. Il faut que tu les. Bah, je pense qu'il faut que tu les. Attends, mais tu. Ah, c'est peut-être un compteur de team, peut-être, non? L'or c'est de la team. Bonjour Sylvania. Ah ouais, mais tu les as sur toi là? L'or. Ah non, j'ai pas l'or sur moi, non. Ah ok, donc c'est peut-être dans le vaisseau alors que c'est marqué, je sais pas. Je crois qu'on peut le savoir sur... J'ai trouvé des champignons marrons, mais c'est ceux au sol, c'est pas des blocs. Ok. D'accord. Bon, eh ben écoutez, merci Reloxis, merci Azuru, merci beaucoup. Ok. Ok, bon bah écoutez, on va aller voir la planète hein. Hop, bon bah écoutez, Ok hein. Ok. 400 subs, il m'a dit Sifano pour une Notch Apple. Putain, ça fait cher quand même hein, 400 subs hein. Ah ouais. Merci Lionceur, merci pour les 31 mois de subs. Ah ouais, ça fait cher quand même les 400 subs là hein. Ah bah là, c'est pour toucher le bon chèque là, je peux te le dire. Ah ouais. Merci Furibar. Bon les amis, merci Renard Orange, histoire du jour. Là, j'ai une compagnie commerciale des Indes-Orientales qui est fondée par les Néerlandais qui avait pour but de faire du commerce en Inde, au sein de l'Inde, c'est la Vogue Valley. 700 milliards de pays, la France actuelle est d'environ 200 milliards et 500 milliards de salariés, 2 millions de salariés. Ah, pavé César. Merci beaucoup Lucas Vender pour les 37 mois de sub. Merci beaucoup. Ouais, un petit peu Eminem. Bon allez, écoutez, découvrons cette planète, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Sylvania, et merci beaucoup Renard Orange aussi du coup. Oh, mais c'est que c'est magnifique. Bon, bah, c'est trop beau. Attends, mais c'est trop stylé en vrai. Non, mais mec, vous savez que du coup, il n'y a aucun biome vanilla, les gars, hein, dans cette cité. Hein. Aucun biome vanilla. Oh, c'est stylé. Ah oui, du coup, je commence à prendre des dégâts. Bah oui, forcément, du coup. Ah ouais, mais c'est des blocs un peu spéciaux en plus. Hein. Ah ouais. C'est pas les blocs normaux, quoi, en fait. Ok. Est-ce qu'on peut casser des blocs ou pas du tout en fait là? Pourquoi on peut pas péter de blocs hein? Oh y'a Gabo, OMG. OMG y'a Gabo. On peut péter des blocs ou pas là en fait là? Ou comment ça se passe hein? Moi je veux bien péter des blocs en fait là, ça serait pas mal. Hein.
loin. Ok, je vais me barrer, ouais, parce que là, si je peux pas péter de blocs, je vais péter les plombs. Ah oui, ok. C'est quoi ça là-bas? Waouh, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ce... Non, mais... Bon, je joue pas à Minecraft là, mec. Non, attends, mais on est... c'est quoi cette histoire là? On est où là? Oh! Oh, les moutons! Ok. Oh, les soupes. On peut les péter ou pas? Ouais! 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 Ouais, ouais, les moutons, la soupe! On a besoin de bouffe en fait, j'ai pas de bouffe! Oh mon dieu, c'est beau! Oh, c'est gigantesque, mec! Oh, c'est gigantesque! Regen 2, c'est saturation 2, c'est abusé. Bon, on verra, de toute façon, hein, je sais pas exactement ce que c'est, donc on va voir. Moi, j'avoue que j'ai aucune idée, donc bon. Alors, au cas où, si certains veulent avoir l'intégralité de tous les streams en même temps, je vous le dis. Hop, vous avez un multi-Twitch. Là, vous avez, en cliquant sur ce lien, l'intégralité des streams Twitch qui tournent en même temps, si ça vous intéresse. Parce que, pour ceux qui demandent des squads, bon bah voilà, comme ça, vous avez le multi-Twitch. Par contre, attendez, on peut casser ça ou pas, là? Attends. Genre, les champs, par exemple, là, est-ce qu'on peut casser les champs qui sont ici? Par contre, c'est magnifique, hein. Par contre, les gars, c'est magnifique. Genre, what the fuck, même l'herbe et tout, là, c'est... On dirait qu'on a fumé un peu, bah voilà, mais sinon, c'est stylé, quoi. Oh, en fait, on peut en péter certains, mais pas tous, hein. Attendez, il y en a certains qu'on peut péter mais pas tous. C'était quoi déjà les trucs qu'on devait reproduire les gars? C'était lama, mouton non? Vous vous souvenez ou pas? C'était mouton je crois. On est d'accord hein? Il y avait mouton. Hop, hop, allez. On fait des bébés pour commencer. Il y avait lama, loup, advancement made, ok. Il y avait des loups aussi à faire. Il y avait les lamas sauf que là j'ai un lama mais j'en ai pas deux. Ah mais attends, mais il y a quelqu'un qui l'a déjà fait du coup. Faut peut-être attendre que ce lama grandisse en fait. Ah mais non attends, il y en a un là. Viens là frérot. Ah non mais lui il faut quoi? Faut un... C'est un bloc de foin, c'est ça non? C'est un bloc de foin, sauf que du coup il me faut plus de... Il me faut plus de blé. Merci Zewi, merci Amero. Merci beaucoup à Latronche69 également. Les vaches on s'en fout, on est d'accord. Les vaches je crois qu'on s'en fout complètement il me semble, hein, des vaches. Sinon je vais là-bas et je récupère un peu là-bas tout ce qu'il y a. Parce qu'il y a des lamas de partout, autant profiter pour faire la quête de suite en vrai non? En vrai je pense que c'est mieux hein. Fallait pas les tondre, il faut les tondre aussi. Il faut les reproduire et les tondre ouais. Il me faut plus de blé, ouais, par contre. Ouais, les choupes de champi, je vais les faire. Par contre, ok, ici, il y a un mec qui est en train de tout récupérer. Alors, le problème, c'est qu'il va falloir beaucoup de blé pour faire les blocs, là. Donc, on va tâcher d'essayer d'être assez efficace. Parce qu'il me faut beaucoup de blé pour pouvoir faire deux blocs de blé. Parce que je crois que là, on est d'accord que c'est genre le blé et... Bon, ouais, sinon, je récupère tout, en fait, là. Je me fais du pain, hein, tout simplement, en fait. Hein. Ça va me servir de bouffe, hein, tout simplement. Hein. Genre, je laisse rien à personne. Hein. Ils ont qu'à être plus rapides, hein, en vrai. Non? Déjà faut du bois, ouais, mais c'est pas grave parce que j'ai vu qu'il y avait une table de craft là par terre. Donc en vrai je récupère masse de blé, je me fais masse de bouffe déjà pour commencer. Comme ça au moins niveau bouffe si on peut être tranquille tout au long de la cité, hop, on s'emmerde pas la vie, tu vois. Question de chat, on est d'accord que les loups là pour les reproduire c'est de la bouffe cuite de vache, on est bien d'accord. C'est pas genre du porc, c'est la bouffe de vache, on est d'accord. Parfait, c'est tellement beau par contre. Ouais, il nous faut du fer pour les cisailles par contre, effectivement, sauf que le fer, on peut pas en avoir maintenant. Et c'est magnifique, hein, par contre, hein, la vie, c'est magnifique, hein, vraiment. Hein. Merci Skyline, merci Nico. Merci LTD No Spam, vive toi. Non, merci à vous. Vive vous, en fait, c'est pas moi. Vive vous. Ok, voilà, et comme ça, là, je peux me permettre de faire, hop, un petit stack de pain. Pas ça. Là, je vais me permettre de faire des blocs de foin. Est-ce qu'il me suit? Ok, il me suit. Comme ça, je vais en chercher un deuxième de lama, là. Hop. Ah! Os pour apprivoiser. Oui, non, pour apprivoiser, pas pour reproduire. Attention, c'est pas pareil. Qu'est-ce que c'est? Oh, Wither Rose! Ça, c'est à moi, ça. Ça se vend cher. Ça se vend cher, ça. Ça, c'est à moi, les Wither Rose. Attends, mais surtout, Wither Rose, on peut faire des farms avec la Wither Rose, non? Maintenant que j'y pense, là. N'importe quelle bouffe pour reproduire des loups? Ok, donc en vrai, je peux déjà finir mon objectif, là, quasiment. Je peux déjà finir. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Y'a pas le PVP, là, frérot. Qu'est-ce qu'il nous veut? Y'a pas le PVP, là. Qu'est-ce que. Oh. Le mec est pénible, en fait, hein. Oh, le mec est pénible. Oh, le mec est pénible. Allez, vas-y, amène-le. Amène-le, frérot. Hop. 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 Allez, viens. Viens, mon frérot. Viens, mon frérot. Vas-y, amène-le, amène-le. C'est mes lamas, là, mon gars. Hop. Allez, faites des bébés. Faites des bébés. Ça marche pas, hein. Ça marche pas du tout, là, on est d'accord, hein. Faut les dompter avant. Ah bon? T'es sûr de ça? Non mais qu'est-ce qu'il fait du coup? Il est en train de tuer les lamas du coup? Waouh! Oh le tryhard! Oh le tryhard! Oh
Ah ouais, le tryhard. Ah ouais, comme ça là. Ça tryhard comme ça, mon gars. Ah ouais, faut les dompter. Ok. Ok, ok, bon. Ok. Ok, ok. Un petit peu extrême, effectivement, je trouve personnellement. Mais it's ok, ok. Du coup, alors comment on les dompte, la question? C'est juste, en fait, il faut qu'on monte dessus, qu'on les apprivoise. Ou il faut autre chose, non? Salut du Portugal. Salut, mec. Ou alors, c'est juste comme un cheval, quoi, en fait. Sinon, non? En vrai, ça fonctionne comme un poney, non? Merci Lucas pour les 5 subgifts. J'ai plus pourquoi y... Ah si voilà, j'allais dire pourquoi y'a pas l'alerte. Merci beaucoup mon frérot. J'ai l'impression que lui il est dompté déjà. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que lui il est déjà dompté, sinon il m'aurait dégagé je crois, non? Presque tu peux pas contrôler. Bah normal, il faut une selle, mec. J'ai l'impression qu'il veut pas en fait, attends. Yo bro, viens. Viens avec moi bro. En fait oui, il est forcément apprivoisé déjà en fait. Merci Renard Orange. Prépare-toi au jour 100. Let's go. Non. Oh ah, ça commence déjà jour 1. Ça commence déjà là. Ça commence en fait déjà là. Ça tue mes mobs déjà là. Oh là là. Merci pour le risque. C'est pas possible. Oh là là. Heureusement il y en a là-bas, c'est bon hein. On va réussir. Non, il doit y en avoir de partout quoi, c'est bon. Bon, est-ce que lui il est reproduit ou pas? Pourquoi tu veux les reproduire? Parce que c'est un achievement. Ok, ah oui, effectivement, vous aviez raison du coup, c'est bien ça. Ok. Les Allemands qui commencent, hein. Une heure de jeu, même pas. Une heure, hein. Une heure. Ah ouais, hein. J'aurais dû tuer son perroquet, putain, bien vu. J'aurais dû faire ça, c'est vrai. Vous êtes pas con, hein. J'aurais dû tuer son perroquet. Hein. Non, mais c'est bon, je vais réussir. Les dramas jour 1 déjà? Les dramas day 1? Merci KS Yab. Merci beaucoup, merci Monsieur B aussi, merci infiniment. Il est où l'autre lama là? J'en avais vu un là. Il est où? Il est là-bas. Ok. On y va. On va y arriver. On va réussir. Ok. Maintenant, à toi, mon frérot. Toi aussi, je veux t'apprivoiser. Ok. Et maintenant, on fait ça. Et ça. Et merci à tous. Ok. Mais il nous manquait quoi après? C'était des loups. Et. C'était quoi les derniers? Jimmy, t'as MP. Tu veux voquer à deux? Bon, vas-y, mec, hein. Vas-y mec. Hop. Je vais aller vocal 2 pour le J. Salut mec. Salut, je fais ça les, va. Je fais les quêtes moi. Tu fais les quêtes? Moi je ouais. Farm le melon parce que c'est le truc le plus rentable je pense. Ah ouais? Mais pour l'or tu veux dire? Bah c'est 4 melons pour 2 de gold. Ah oui c'est pas mal effectivement ouais. Merci d'avoir rendu cet accouplement en audio description. C'est vrai que chez moi j'ai mis les sous-titres maintenant donc si jamais... Ah ouais, pas sûr, forcément, bah voilà, j'ai mis les sous-titres et je suis en train de voir pour mettre aussi les traductions en anglais et tout. Incroyable. Donc, c'est-à-dire, il y a des viewers des autres pays qui veulent venir voir. Bah, t'es voilà. En train de dire que tu vas aller sur QSMB? Non. Ah, ok. Et non, malheureusement. Non. Bon, mais bah, c'est surtout pour Guild Games que je voulais mettre les trads en espagnol. Surtout. Ah oui. Sinon, on va avoir des problèmes. Alors, attendez, je change juste le lien du VOC. Ok, donc, alors, c'était quoi les deux derniers? Vous m'avez dit, c'est quoi déjà? Je sais plus. C'est quoi les deux derniers trucs là? Les accouplements? Ouais, parce que j'ai fait. J'ai fait lama. Cheval aussi? Cheval, mais on peut pas le faire cheval pour l'instant. Ah oui, parce qu'on a pas les gapples. Oui, exactement. On a pas c'est les gapples. Les moutons, ça va être easy shit, mais il faut qu'on ait accès à. Bah non, mouton, j'ai déjà fait moi. Faut qu'on ait accès au fer. Oui, faut qu'on ait accès au fer. Ah oui, pour tondre les moutons, tu veux dire? Parce que là, les moutons, il y en a plein de couleurs différentes sur cette ouais. Planète. Hein. Donc ça, c'est easy shit, mais il faut qu'on ait accès à la deuxième planète, donc il faut qu'on farme le melon, parce que c'est le truc le plus simple à farmer. Ok. Seul problème, c'est que du coup, on a accès que au bois, donc on farme ça avec la hache en bois, c'est bon. Et le bois, tu l'as trouvé où toi? Oh, du bois, il y en a partout. Hein. Veuillez définir partout. Ah oui, là. Ok. Ah, parce que, ouais. Ah ouais, je suis en 1005 si tu veux. Il y a du melon partout. Ah, ok, ouais, bah je vais venir. Non, parce qu'en fait, moi, je me suis déjà fight avec des Allemands là. J'étais en train de reproduire mes lamas et les Allemands sont venus. Un Allemand et un Australien sont venus tuer mes lamas, frère. Ils sont venus les tuer, mec. Non, mais alors, j'étais en train de reproduire. Frigel a été attaqué par un Allemand et Bichard, c'est soit par un Australien, soit par un Allemand. Ouais, non, mais attends, c'est un truc de fou, mec. Donc, hein. Là, on commence à se poser des questions si c'est pas déjà hostile là. Ouais, ouais, on est d'accord, hein, c'est un peu bizarre, hein, les gars. Ouais. Les fleurs de Wither, c'est 10 gold une fleur. Ouais, bien sûr. Et les citrouilles, c'est comment? Parce que le chat me dit, prends les citrouilles. Mais non. Eh ben voilà. Mais non. Mais non en fait. Non. Vous devez unlock les ressources. Exactement. Ouais. La squad. Ah mais y'a pas de mono dispo en site pour la cité là. Putain ça dégoûte. La squad. Alors là voilà. Donc là j'ai deux Italiens autour de moi qui sont en train de twerker sur moi. D'accord. Pane Italiano. Buongiorno. Ah putain mais Bichard avait déjà fait une squad. Ah mais d'accord. Non, mais... On va jamais y arriver. Buongiorno. C'est comme ça que ça se dit. Mec, regarde ce que je te dis en DM.
Attends. Ah, c'est Buongiorno comme ça, ouais. Ah oui. Hop. C'est 10 émeraudes les Wither Rose. Non mais super les gars, ça marche. C'est super. Hop. Bizarrement, deux premiers messages dans le chat. C'est vrai, je t'ai dit un truc en deb. Comme ça tu vois. Oui, je sais. Parfait. Nickel. Non mais c'est bien les gars, c'est bien, vous inquiétez pas, c'est gentil hein. C'est cool que vous ayez les infos et pas moi du coup. Peut-être la canne à sucre ou pas mec. Sinon j'en récupère, oui, j'en ai devant là. Ok. J'en ai. Mais d'ailleurs t'as vu que je crois qu'on peut débloquer une table d'enchantement ou un truc comme ça dans le vaisseau hein. Donc oui, je pense que ça sert à rien qu'on en fasse hein. Mais non mais en fait c'est genre on améliore le vaisseau niveau 1, on débloque la table d'enchant du stockage et l'accès à la deuxième planète. Ah, wow. C'est pour ça là, faut vraiment qu'on se focus là-dessus hein. Ah ouais. Tu veux savoir, essaie de deviner mon nombre de têtes mec. Je sais pas, j'en ai fermé 4 moi. 4 hein. Ah ouais, ouais, je suis pas très loin de toi en vrai. Bon tu mens. Bah non en vrai j'en ai pas si loin que ça en vrai. Attends je vérifie. Y'a un nombre derrière quoi. Ouais, t'as 237 émeraudes donc oui t'es à... J'ai 46 têtes, exactement. Ah moi j'ai copié sur le doc. Je les ai copiés sur le doc. Par contre la pierre c'est comment en fait? C'est planète 2. Non. Si. Donc pas de four, donc pas de bouffe cuite pour les... Mais attends, les loups on peut les reproduire avec de la bouffe crue ou c'est bouffe cuite obligatoirement? Mais non mais les loups c'est avec des os, qu'est-ce que tu racontes? Pour reproduire des loups? Bah oui. Mais... Je crois que c'est... Ah non, c'est peut-être de la viande crue. Ah non, non, c'est ah non. Ah, c'est pas des os en tout cas. C'est de la viande, hein, ça c'est sûr, mais c'est pas des os. Hein. Je peux utiliser les champimeux pour avoir des soupes infinies. Mais je sais. Jim, tu peux... Mais je sais. Ouh. Ah oui, ok, mais attends, y'a pas un deuxième... Et les gars, faut que je trouve deux loups à côté, les gars. C'est quoi le plus rentable entre des soupes de champis qui ne se stackent pas et du melon qui se stack? Mais attends, mais on est obligé de les apprivoiser pour les reproduire, les loups? Je suis pas sûr de ça. Oui. Hein. Si, 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 ouais. Ah ouais? Oh. Ouais. Donc il faut obligatoirement des os, ça veut dire. En fait, je suis d'accord les gars que oui, on peut utiliser champignons. Je sais, je l'ai dit direct dès que je les ai vus. Le problème, c'est que les sous de champignons, ça ne se stack pas. Donc les blocs le test, de melon, ça se full stack. Si vous voulez, c'est peux. Ça, c'est ça la différence. Je peux faire le test pour vous si vous voulez. Et le problème, c'est que pour retourner au centre, il faut qu'on retourne en 2000-2000 pour qu'on se taper à notre vaisseau pour aller au centre pour poser les trucs pour revenir à pied. Genre, c'est trop long. Je crois qu'ils ont raison. Hein. Il faut. Enfin, je crois que tu as raison et que vous avez raison aussi. Je crois qu'il faut bien les apprivoiser. Hein. Vous avez raison. Mais il faut les apprivoiser, oui. Ouais, ça, ouais. Sûr, ça, j'en suis sûr, ça. Poser mon drapeau français parce que j'ai pas que ça à faire de le garder sur moi. Mais non, mais en vrai, fais pas les quêtes maintenant, ça sert à rien. On a la majorité des quêtes, on doit débloquer la planète 2. C'est vrai, t'as raison. Ça sert à rien de faire maintenant. C'est vrai, tu as raison. Juste, faut farmer du melon comme des abrutis là. C'est... Mais en fait, dans cette planète là, à part de la bouffe, il y a quoi dans cette planète? De la bouffe? Du bois, de quoi préparer des énormes champs plus tard. Sauf si on n'a pas vraiment pas besoin, mais on verra bien. Faut juste les rapprocher. Ouais, mais le problème, c'est que pour les rapprocher, les loups, bah. Bon, voilà. Hein. En fait, moi, j'ai peur qu'il y ait des fous en fait qui s'amusent à faire le tour en fait des trucs ou des mobs pour les tuer en fait. C'est ça le problème. Ah, bah ça, il y en aura. Ça, c'est sûr et certain qu'il y en a. C'est pour ça que ça le truc. Après, c'est énorme, le truc est énorme après. Ouais, c'est vrai que c'est immense, hein, n'empêche. C'est vrai que c'est très, vraiment très énorme, ouais c'est magnifique hein, par contre. C'est très très beau, bravo à ceux qui ont fait tout ça parce que c'est vraiment magnifique. Ouais, hein. Carrément, hein. C'est vraiment magnifique et puis même avec le texture pack qui apporte des petites couleurs différentes etc. C'est vraiment très 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 stylé hein, pour le coup. Hein. Clairement, hein. Faut juste de la viande pour les rapprocher. Bah ouais mais là regarde j'avais de la viande en main et ils me suivaient pas tu vois donc Donc bon, moi je pense que c'est juste une info chat et que vous êtes en train de me couiller en fait mais bon bref. Alors c'est un début de cité classique finalement. Non je plaisante. Merci Adas. C'est vrai qu'on a un petit défendre un peu, ouais. Et moi depuis tout à l'heure je cherche les... Oh mais c'est trop stylé ces sortes, on dirait des... Oh, c'est vraiment un truc bizarre, ça pousse sur les côtés comme ça et tout. Ah ouais, c'est vraiment très spécial hein, comme planète. Moi je me balade, hein, vous m'excuserez. Bien, 1005. 1005 hein. Oh je suis pas si loin que ça mec. Bah pour faire mettre du melon. J'arrive. Je suis pas si loin que ça. J'en ai déjà 110. Donc là je peux avoir... c'est combien de gold ça? C'est 4 pour 1. 4 pour 1 ou 4 pour 2, je sais plus. Ouais donc en gros, en fait c'est combien de... C'est 500 pour... 500 pour passer niveau 2 ouais. Et c'est 4 pour 1? Je crois que c'est 4 pour 1. C'est 4 pour 1 ou 4 pour 2 je sais plus. Parce que du coup si 50, c'est 4... 55 hein. Bah pour le peu que j'ai fait en vrai c'est pas mal hein. Du coup c'est 4 pour 2 du coup je suppose. Du coup non. C'est 4 pour 2 vous êtes sûr? Maintenant on me dit 4 pour 1 moi. Ah mais y'en a qui me disent 4 pour 1 et 4 pour 2. Oh mais... Oh la vache. Oh c'est trop beau ici. Oh le champ de coquelicot. On dirait un champ de coquelicot. Le champ de coquelicot. Oh non c'est trop beau. 4 pour 1 vous êtes sûr? Oh non c'est trop beau. Qui croit dans cette histoire? Oh c'est trop stylé la team. Non mais c'est magnifique en vrai par contre hein. En vrai c'est vraiment vraiment trop stylé hein. C'est insane hein, vraiment hein. C'est quoi que j'ai récupéré là? Ah du lapin. Ça fait 2000 pastèques hein. Et 2000 pastèques ça fait combien de stacks les gars? Ça fait l'inventaire complet.
Ça voilà. Fait bah, plus de 30 stacks. Ça fait 31 stacks, 32. Ah, ouais, mais 30. Ouah, j'ai un micro, je vais mourir. Bah écoutez, ça va juste farmer un inventaire entier de. Ah ouais, mais après, si on se bouge tous, ça va tout seul. Hein. Ouais, en vrai, ouais. Si je le faisais tout seul, bon, je pèterais un câble, mais. Mais ils sont tous en train de faire, tu penses là? Je crois qu'il y en a certains qui font des soupes de champi, mais le problème c'est que bah, soupes de champi ça se stack pas. Et ouais, ouais, bah ouais. Je crois que c'est deux soupes de champi pour un gold, tu vois, donc avec les allers-retours, bon. Non, mais j'arrive là, je suis quasiment là, mec. Oh, non, mais c'est non, mais c'est magnifique, quoi. What the fuck? Ouais. Oui, il y a Dream dans l'event, oui. Ouais, tout à fait, ouais. Bon. Je pense que Dream viendra jouer une fois de temps en temps. Merci. Oui, je pense qu'il viendra pour les events. Je suis très content pour Smithies. Ouais, il me demandait si j'avais des Québécois éventuellement, et du coup, j'avais conseillé Smithies. Donc, bah, je suis content. J'espère que ça se passera pour lui. J'avais fait une petite convo avec Smithies et les orgas. Smithies était là, ouais, moi je suis trop chaud. Ah et ouais. Il m'a envoyé plein de messages en mode merci mec. J'étais en mode mec, trop ça va trop bien. Il fait tellement de trucs. Ouais, de ouf hein. Smithies en Frost, hein. Mec, si je faisais j'aurais jamais pensé à ça. Ah ouais, non, bien sûr. Smithies, c'est un mec d'Olicube hein, en gros. Hein. Pour ceux qui le connaissent pas. Ouais, Smithies, c'est un mec d'Olicube, ouais. Tu sais que c'est lui qui fait les traductions sur les vidéos de Pierre. Ou de Kazabi. Ah ouais, c'est lui qui fait les traductions françaises-anglaises. Ah, il bosse hein. Trop cool. Hein. Et du coup, c'est lui qui va gérer aussi Vault Hunter, le serveur qui commence le 8 septembre, bien sûr. Ah, t'as leaké, j'ai pas annoncé. C'est déjà annoncé partout. Merde. Bon, tranquille. Jimmy leak, les gars, OMG, vous pouvez arrêter de dire que je leak, c'est Jimmy qui leak maintenant, OMG. Je leak un tweet qui était sorti il y a un mois, merde. Pourquoi Nino n'est pas là, SVP, répondez-moi. Mais Nino, il est là, c'est juste qu'il se connecte un peu plus tard, là, il arrive. C'est un couche tard, un lève tard. En fait, c'est ça, Nino, il va jouer la nuit, en fait, lui. Donc il n'est pas là dès l'ouverture, mais c'est pas grave, en fait. Nino, de ce que j'ai compris, Nino pensait que ça commençait à 21h, oui, du coup, il est en mode, du coup, je suis pas là, on a fait oui, bon, bah, ça. Ok. Mais il arrive tout à l'heure, il y a pas de souci. Mais vous inquiétez pas, il va bien. Hein. Répondez-moi! La panique! C'est 4 pour 1, je viens de vérifier ta rediff. Ok. Bah très bien. Ok, 4 pour 1. Oh merde. Attends, mais du coup, ouais, c'est. Ouais, mais c'est... Ça... On peut faire qu'un seul aller-retour, tu vois. Mais 4 pour 1, du coup, ça change rien à notre truc. De quoi? Bah, attends, c'est toujours 31 stacks ou c'est plus du coup? Non, mais non, c'est ça. 31 okay. Stacks, c'est. Bon, en vrai, mec, moi, c'est quoi, je récupère le. Ouais, c'est ça, on fait un seul aller-retour, hein. On récupère l'inventaire full et dans 2 heures, c'est bon. C'est 4 pour 1, il nous faut 500 gold, donc on fait 4 fois 500, ouais. 1 pour tous, c'est 4 pour 1. Ah non, c'est pas ça. Pas de problème à signer de votre côté. Non, je crois pas. Qui a dit ça? Sur le vocal, enfin sur le nation chat. Ah non, tout va très bien. Fais gaffe, les melons sont violés avec le pack et dans des arbres avec la génération. Ah, c'est ça, les melons, depuis tout à l'heure! Mais oui, c'est très violet. Oh, attends, j'arrive à t'écho, mec. C'est quoi t'écho précise? Comme ça, je mine à côté de toi. 1530, 1596. Tu savais que Jimmy, il a eu son appartement. Et du coup, Jimmy va habiter à côté de nous. Et du coup, on va pouvoir... Et quand on fera les tournois de ponce, des fois, genre, je pourrais aller chez Jim, on pourra jouer sur le même écran. Ou inversement, par exemple. Ça peut être très drôle. Genre, en mode, on lance notre stream, on met le stream de l'autre, on sort, hop, 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 on marche 5 minutes, hop, 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 on joue le tournoi, hop, 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 on repart 5 minutes, hop, 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 on reprend notre stream. Tout à fait normalement. Ça va être trop marrant, ouais, ça va être trop bien. Merci Neilis, merci Agasama. Ouais, on pourra faire ça, ouais. Mais mec, c'est trop bien, ouais, franchement, ça va être trop, trop bien. Et ouais, j'aimerais bien déménager juste après les Guild Games, mais bon. C'est quoi, c'est un blocks? Un blocks. Comment ça? C'est un blocks de melon ou c'est un melon tout court? Non, c'est un bloc. Non, c'est un bloc de melon. Ok. Bah, vous savez ce qu'on fait, la team? Attends, mais... faut que tu les recraftes derrière, quoi. Mais c'est avec une table de craft, ça, du coup, il en faut 9. C'est ça? Ok. 9 stacks de. 9 stacks de trans, ça fait un stack de melon. Vous habitez à Paname? Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Ah bon, ouais, habite bon, en plus, la vie parisienne, c'est tellement bien. On habite en face de la tour Eiffel, hein. Et en vrai, quelle vue, mon gars, quelle vue. Ah, quelle vue, franchement. Là, ça ce matin, coup, hein. J'ai ouvert mes volets et franchement, les gars, franchement, je ne savais pas ce que manquait. C'est le nuage de pollution quand je me suis levé ce matin, là. Oh, ça m'avait bien, hein. Ah ouais, non. On habite bien à Paname, ouais. Non, nous, on habite dans le sud, mon gars, on a la plage à 2 minutes. Eh oui. C'est mieux de prendre les Wizeros, c'est 10 de gold, c'est plus rentable. Ouais, mais j'en ai récupéré, t'inquiète, j'en ai récupéré. Frère, j'en prends. Fou avec ça par contre, hein. Tout le monde fait ça partout. T'inquiète. Hein. J'habite dans la tour Eiffel, c'est ça? Oui, vous avez mal compris, on habite dans la tour Eiffel. En fait, on a un étage qui nous est réservé. D'ailleurs, là, pour la Cité des Nations, Sifano, il a privatisé la tour Eiffel et en gros, il y a genre un étage de la tour Eiffel par pays. C'est pas mal, en vrai. Il est au cast dans la tour Eiffel là, actuellement. Ouais, il est au cast actuellement, il est tout en haut. Bah, comme tu vois, il va faire un clip en haut de la tour Eiffel, quoi. C'est il va chanter Wizard Rose, c'est bon. Il va chanter ODD en haut de la tour Eiffel, c'est parti, hein, à part. La avec l'IA, mec, je veux trop entendre une IA, tu sais, avec les IA de mort là, que tu m'as fait écouter la dernière fois. Ouais. Un mec qui fait ODD avec la voix de Sifano, je vous en prie, s'il vous plaît. Si quelqu'un peut faire ça, en vrai, je vous en prie. Bah, que quelqu'un fasse ça. Il est là et qu'il s'ennuie, hein. Oh, que quelqu'un fasse ça, bordel. La star, je t'ennuie ou pas? Je sais pas s'il est là. Quoi, farm? Melon. Parce
que Pierre est en vacances, du coup, Fastor, il aura pas de travail à faire là. Il aura pas de musique à faire. C'est vrai, mec, bah nous on veut bien. C'est bon, j'ai récupéré une Wither Rose, ça c'est bon. On peut me dire GG, bien sûr. Bravo! On peut lui dire GG. C'est bon, je vais faire 10 de gold. Pow. Merci beaucoup, Neotrash Yama. Merci Cookie aussi. Merci Azuka. En espérant qu'elle soit légendaire, bah je pense. Hein. Après, si vous avez des infos par rapport à la Wither Rose, le prix, n'hésitez pas, mais il faut me donner des infos concrètes. Hein. Parce que me dire ça vaut tant, bah bravo quoi. Du coup, il y a Dream à la Tour Eiffel, c'est ça. Donc si tu vas en bas de la Tour Eiffel, tu pourras le voir quand il sort ce soir, ouais. Par exemple. T'as entendu les versions de Bigard. Non, mais c'est vrai que ça me donne envie là. C'est de la pastèque. Bigard. Oui, mais dans Minecraft, ça s'appelle melon, c'est pour ça. Pardon, oui, je t'ai coupé. Excuse-moi. Oui, en anglais, oui. On dit melon, ouais. Melon. Watermelon. Watermelon. Un melon d'eau, comme disent les Québécois. Un melon d'eau. Ah, on vous aime les QC là. Hop. Une QC. Hop. Vous savez quoi, je vais virer tous les trucs qui servent à rien, genre ça. Ça, voilà, et je vais juste remplir mon inventaire. Hop. En vrai, la laine, on s'en fout, on est d'accord, on arrivera large à faire. Hein. On n'est pas ouais. Assez prêt. On est d'accord, allez. En effet, c'est dur à farmer les Wither Rose, hein. C'est pour ça que ça doit coûter aussi cher, je pense. Regardez comment c'est rare, regardez, il y en a quasiment pas du tout devant moi là. En vrai, ça rapporte pas mal hein, les Wither Rose, mais en fait, le truc, c'est que bon, c'est. Enfin, c'est mais plus chiant à farmer. J'ai fait tous les shops, je n'ai pas vu de Wither Rose en fait. Genre, si, mais c'est pour les émeraudes en fait, pas pour le gold, il raconte n'importe quoi. Oui, bah, qu'est-ce que vous m'emmerdez alors? Si, moi j'ai vu des Wither Rose. Non, c'est même pas pour une quête, c'est juste pour l'émeraude, tout court. Ah, mais on s'en fout des émeraudes pour l'instant, faut qu'on améliore le vaisseau. Ah, voilà, dealer. T'es bah quoi? Ah, oui, faut qu'on améliore le vaisseau pour l'instant, mec, ça sert à rien des émeraudes. Je suis tellement énervé que je vais récupérer du bois en fait, voilà, ça m'a saoulé. Oh, salaud. Ouais, bah je sais, bah personnellement ça m'a saoulé quoi. Je comprends. Pourquoi on n'entend pas Ninjax? Eh bah, tout simplement parce qu'il n'est pas dans le vocal. Parce que là, on est deux dans un petit vocal. Tranquille. Oui, on s'est mis dans un vocal à part parce qu'en fait, en gros, moi je suis pas. Enfin, comment dire, on est pas fan d'avoir 10 000 personnes dans le même vocal en même temps pour éviter que ça gueule. Mais en vrai, on se balade du coup de vocal en vocal et puis voilà, c'est comme ça, tu vois. Et voilà, on fera des trucs dans notre coin de temps en temps, voilà, et c'est tout. Vous devriez faire une Team Canada pour la Cité des Nations 3, parce que là, il a dit Nations Glory 3, c'est pas la même chose, attention. Après, c'est pas l'organisateur, hein, rappelez-vous. Voilà, il y a ça, et surtout, bah en fait, ils ont essayé de faire une Team QC Canada. Sauf qu'en fait, il n'y a pas assez de youtubeurs et streamers qui font du Minecraft au Québec qui ont accepté. Et du coup, bah. Du coup, ils ont pas pu. Du coup, ils se sont dit, bah, on va les mettre dans la team USA, voilà. Donc, la team USA, il y a des Anglais, des Américains, des. Enfin, des Canadiens, il y a tout le monde. C'est la team mix, en fait. Grand, hein. Ouais, bah ouais, hein. C'est la team mélange. Oh, ouais. Oh, trop bien ça, en vrai. Écoute, t'as vu que sur le Discord, dans l'onglet Nation Chat, si tu fais slash account, tu peux voir ce que les gens ont de la team. Ah, bah je vais regarder après. Genre, par exemple, slash Ninjax, il a 15 gold. Slash account, ouais, dans le Nation Chat. Slash account. Ouais. Et c'est sur le Discord, hein, d'accord, dans Nation Chat. Ouais. Alors attendez, je vais tout leaker, attention, vous êtes prêts ou pas? Slash Nation Chat, slash account. Alors. Encore de leak? Your team has 1700. Oh, merde, fallait pas que je le dise, ça par contre c'est vrai, fallait pas que je le dise. Oh putain, Soul Raven, frère, le nombre d'émeraudes qu'il a. Il a fait plus de têtes que toi. Soul et Mirolam, mais ils ont fait le double des têtes que moi. Genre Soul, il a 100 têtes, ça veut dire là. Dinguerie. Et du coup, ok, Ninjax a 15 gold, et sinon tout le monde est à 0. Ok. C'est ça. D'accord. Ah ouais, ça bosse pas ici, hein, en tout cas. Hein. Bravo, hein. Bravo la team. Hein. Donc, c'était classique. Mais en vrai, ça va prendre tellement de temps pour récupérer tout le gold. Hein. Wow. Bah, c'est pour ça qu'il faut qu'on s'y mette maintenant à fond. Ah ouais, moi j'ai un demi-stack là déjà. Parce qu'il en faut 30, hein. Parfait. Ça va être tellement long. Ah, mais bah, à deux, non, mais à deux on en fait qu'un chacun, c'est bon. Ah, vous dire que les autres vont faire aussi, donc ça devrait aller. Hein. Ah, c'est vrai qu'à deux, c'est vrai, ça fait 30, ça fait 15 chacun. En vrai, c'est vrai, t'as raison, c'est pas si rapide. Enfin, hein. C'est pas si long que ça en vrai. C'est vrai, hein, il a raison en fait. Hein. Bah, je crois qu'après il y a Titi qui en fait aussi. Ouais. Ouais. Ça devrait le faire. Hein. Merci beaucoup, Trident. Merci beaucoup, merci, Reichmon. Pendant que Lo vient de me donner une idée de sub-goal absolument exceptionnelle, elle vient de me dire, une idée de sub-goal, si on l'atteint, on vous fera un calendrier des viewers. Ça veut dire quoi? Eh ben, c'est un calendrier de l'avant, mais avec un cadeau par jour pour vous, qu'on fera gagner. Trop bien en vrai comme idée de ouf, donc je vais le rajouter. Je le rajouterai tout à l'heure. Trop bien! Vous êtes actuellement 5 dans la team à faire la pastèque. Eh bien je te remercie pour cette info Dylan Play, je vais leur dire d'ailleurs. D'après le chat, nous sommes 5 dans la team à faire les pastèques. Voilà. Ah parfait. Et pourquoi je prends du bois pour être tranquille niveau bois? Parce qu'après j'ai la flemme d'en reprendre, voilà. Comme ça je vais me faire masse de ça. Donc en vrai ça va aller assez vite pour le coup. En vrai, c'est cool. C'est bien, j'aime bien en fait. Ok.
Ok, bah ça a l'air d'être plutôt pas mal pour le coup, tout ça là. Je suis en train de regarder un petit peu le Discord là. Ils ont posé des screens, mais... Ah oui, mais c'est des screens des quêtes, ça, putain, ils sont intelligents. Ouais, ouais, ils sont trop intelligents en fait. Ils sont trop intelligents. C'est vrai qu'il faudrait qu'on récupère les fleurs en fait, je viens de penser. Faudra qu'on récupère les fleurs pour la quête. Hein. Ah, mais je sais pas lesquelles faut prendre. Bon, en vrai, non, mais de toute façon, bah, en fait, Mirolam il a mis le screen sur dans le Discord. Ah. Mais mec, ils sont tellement bien organisés, what the fuck. Ah, ça joue. Ils sont tellement bien organisés, je m'y attendais pas du tout en vrai. Ah, ouais, d'accord, ok. L'organisation au top du top, hein, je le dis. Bon, okay, moi et mon pote, on vient au Guild Games avec un petit cadeau pour toi. Trop gentil. Enfin, faut voir c'est quoi le cadeau, parce que si le cadeau c'est. Si te plaît pas, je le prends. Hein. Ouais, voilà. Hein. Non, mais ça dépend je parce qu'un petit. Hein. Un petit cadeau, mais tu vois, si un cadeau c'est genre. Je sais pas, il me tabasse, tu vois, c'est pas un cadeau, tu vois. J'ai un petit cadeau, toi, c'est une patate. C'est une patate dans ta gueule, j'ai hâte de voir. Une patate dans ta gueule, mon pote. Ça dépend c'est quoi le cadeau, quoi. Mais merci, merci, merci beaucoup. Mais on verra, quoi. On verra c'est quoi le cadeau, quoi. Nickel. Le pink tulip, on peut, ok. Pire, j'essaie de faire ça vite fait. Tip top tout ça. Du coup, White Tulip on peut ou pas? White Tulip, ouais, on peut. Okay. Attends, tu sais ce que je vais faire? Je vais remonter mon Discord Cité des Nations parce que en fait, je dois redescendre à chaque fois pour l'avoir et c'est un peu pénible. Ah, et voilà! Imagine, il y a un truc de fou en haut des arbres? Non, je pense pas. Parce qu'à mon avis, il y a forcément quelqu'un dans la team qui est parti en haut qui l'aurait vu. Vu le nombre pense. D'arbres qu'il y a, ouais. Vache. Non, non, je pense pas, les gars. Clairement. Merci beaucoup les amis, merci, je suis breton pour le subgift. Itak, j'attendais la cité pour me resub, j'avais pas du tout oublié de me réabo, c'est faux, bien sûr, j'y crois tout à fait à ce que tu me racontes là. Je te crois mon cher Itak, merci beaucoup d'Arcado Reichmon, mais je crois que je vous ai déjà lu. Lucas Zuto, Warp Zone, Real Play, je crois que je vous ai déjà lu, mais c'est pas grave, je vous relis. Ça fait plaisir, merci pour les subs les amis, franchement merci à tous. Vous êtes énormément, ça fait trop plaisir en fait. Merci d'être là, j'espère que ça va vous plaire. Là on est en train de farmer le melon pour débloquer en fait le niveau 2 de notre vaisseau qui va nous permettre d'accéder à la deuxième planète et qui là va nous permettre de jouer correctement, c'est-à-dire d'aller farmer tout ce qui est du fer, du diamant, plein de trucs comme ça et de changer un petit peu de tout ce dont on a l'habitude. C'est vrai que là ça change un petit peu, ça fait plaisir, on va pas se mentir. Et voilà, donc ça régale en fait, voilà, ça régale juste, hein. Ça fait juste trop plaisir. D'ailleurs attends, mais j'avais pas mis mon petit... attendez. Ah oui, je me disais bien que j'avais pas mes... Oh non, mais Visible Or, du coup, ça modifie... Attendez, mais j'avais mis un truc, normalement. Merci. Bah, j'avais Visible Or aussi, normalement. Ah, mais Visible Or, on peut pas le mettre... Ok, bon, bah, je sais pas, écoutez. Je me suis dit, ça devrait servir. Mais c'est à gauche pour l'or. Ouais, je te crois, mec, je te crois de ouf. Vas-y, ouais. Merci, les rades, merci... M. Wolfie. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, Lucarensis. Dachiné. Je suis breton, renard orange. T'inquiète que si Twitch limitait pas la limite de caractère à 500, mais pas FZR ferait 1000-1500 caractères. Ah, lourd. Bah, je suis bien content. Merci Twitch. Merci Walizo. Merci, je suis breton pour le subgift. Merci les gars, ça fait plaisir. C'est quoi les sponsors de la cité? Bah, vous les voyez à droite là, regardez. C'est ça les trucs que vous voyez depuis tout à l'heure. Les gens qui me disent c'est quoi hyping.com, machin. Bah, c'est ça en fait. Et les subgoals, vous les avez là dans le doc qui est dans le chat. D'ailleurs, je vais m'empresser de rajouter l'autre que l'eau m'a donné qui est super, une très bonne idée. Donc voilà. Hop. Merci pour ces euros de hop. Plaisir. Hop là, parfait. Nickel, c'est bon, j'ai modifié. Tip top. Merci beaucoup à Arias pour les 1 an de sub. Vous avez remis le plugin qui repère le stream hack. Oui, on va le remettre, ouais. On va tout à fait le remettre, ne t'en fais pas. Nous allons le remettre. Non mais en vrai, regardez-moi cette beauté. Mais j'ai l'impression mec qu'on est sur un Minecraft modé. Non mais en vrai, j'ai l'impression qu'on est sur MC modé. C'est fou quand même. Il y a un Italien qui se vante d'avoir 40 têtes. Il croit qu'il a le plus de têtes. Hein. Who has the most head? Yes. Yes, yes, ça doit être ça, ouais. Ah! Eh bien on a atteint les 3300. Du coup, l'eau va devoir faire des TikTok. Oh non! L'eau va devoir être active sur mon TikTok. Bon, eh ben c'est parfait. Allez hop! Allez hop, let's go, merci à tous. Trop bien, mon TikTok va devenir actif grâce à vous. Trop bien, bon, à partir de maintenant on commence les vrais subgoals par contre. Allez, merci à tous. Ça fait carrément plaisir, mince la pauvre. Oh non, elle va gagner de l'argent sur ce TikTok. Oh non, la pauvre, mince. Relou. Oh non. Elle va choper la monétisation de mon TikTok. Oh non. Elle va devenir riche. En vrai, objectif 100k sur TikTok, OMG. Merci Mathematics, merci Shazen, merci Dina Wax, Chocolat Noir, merci à tous. Merci. Ça fait plaisir. Et voilà déjà un sub goal de fait, c'est génial. Merci à tous.
Il faut le... faudra le valider sur le doc, on verra. Eh, ça avance, t'empêche mine de rien, là, regardez. Eh, ça avance, les amis, là, le melon. Melon. Hop. Mais dis donc, les amis, c'est qu'on est quand même pas à deux stacks, déjà. Mais dis donc, ça bosse ici, je crois. Eh, ça bosse, là. C'était quoi votre cité préférée? Bah, je vais lui poser, écoute. On cherche Jimmy. Oui. Je suis à deux stacks, déjà. Ça bosse? Ok. Je vais aller leur demander, ils ont... on a déjà 15 ou 16 stacks en tout, avec tout le monde. Ah oui, d'accord, bah c'est pas mal, ouais. Et il y a un chat qui demande, oui. Il y a le viewer dans le chat qui demande, est-ce que... Ça c'était quoi ta cité préférée? Toi que t'as joué. C'était du swag. Ah ouais? Ouais. Parce que l'ambiance dans la team était trop bien. Ah ouais? La cité des nations, en fait la première de la cité des nations, c'est que bah du coup, tu sais comment ça a terminé pour moi. J'étais le vilain petit canard, donc ça m'a un peu gavé. Ah oui, mais ça c'est comme de partout. Mais ouais, mais ça m'a vraiment gavé, du coup bon. Il n'y aurait pas eu toute cette histoire, je pense que ça aurait peut-être mes préférés, mais bon. Alors que pourtant, la Cité des Glaces, cet hiver qu'on a passé ensemble, le soir à faire Scooby-Doo, elle est même pas. À faire Scooby, elle est même pas dans ce top, vous avez vu. En fait, il nous aime pas, en fait, je pense, c'est ça le problème. Bah, tu m'as pas demandé un peu, tu m'as juste demandé ma meilleure cité. Tu m'as pas demandé un top. Ah ouais? Ok, ça va. Voilà. Voilà. Ah d'accord, bon bah c'est... Ah ok, bon bah je ferme ma gueule alors. Et moi, bon, je dirais Cité des Nations 1. Et en vrai, en deuxième, je mettrais Cité des Glaces ou Cité des Vestiges. Et il n'y a pas de van. Oui. Si, j'ai beaucoup aimé. J'étais bien aussi, ouais. J'ai beaucoup aimé la Cité des Vestiges parce que c'est la première fois qu'on a vu la course de bateau et le jump que j'ai tryhard pendant très longtemps. Que j'avais adoré tryhard pour le coup. Et après, dans la Cité des Vestiges, il y avait eu aussi. Bon, en fait, ce qui était cool avec la Cité des Vestiges, c'est qu'il n'y avait rien en termes de préparation de notre côté. Donc en fait, nous, on avait juste à se connecter et mettre les pieds sous la table, quoi. Et ça, c'était hyper pratique. Genre le matin, j'arrivais, j'étais là, bon, les gars, allez, on va juste chill aujourd'hui. Hein. C'était trop bien. Outil en pierre, bah on peut pas, mec, on a pas de pierre sur la planète, il faut débloquer la deuxième planète pour avoir de la pierre. C'est pour ça que depuis tout à l'heure on est en train de farmer tout ça à... La hache en bois. La hache en bois. Eh oui. Eh oui. Eh oui. L'or est comment ou individuel? Si jamais chacun dépose ses pastèques et que c'est individuel, c'est la loose un peu. Ah non non, mais c'est pas du tout... Enfin, c'est entre guillemets, c'est individuel sur le classement qu'on a. Mais par contre, bah, y a un compteur global de team. C'est-à-dire qu'à un certain nombre de gold, bah, ça débloque automatiquement le palier supplémentaire, quoi, en gros. Ah oui, d'accord. Ah oui, non. C'est ça la question. Donc, oui, chacun a son propre nombre de gold et d'émeraude, mais par contre, ça nous fait un total pour la team, bien sûr. Et c'est ça qui importe. Merci. Ah bah merci, oui, heureusement, heureusement que c'est le truc de la team, sinon. Merci, MC Ismail. Merci, Axel. Axel vient manger. Hein. Merci beaucoup. Merci, Shazen, pour le message, trop gentil. Force aux viewers de l'ombre. Merci, Zoom Optifine, ouais, désolé. Hein. Merci beaucoup, Seiko. C'est Kov, Seikoi aussi. Bah, d'ailleurs, il y a écrit que le Zoom Optifine est carrément recommandé pour certaines quêtes, ils disent. Ah ouais. Voilà. Donc comme ça vous savez, ça fait plaisir. Moi j'ai regardé les règles, bon à part ce matin j'avais compris à travers le truc mais... Ouais. Mais sinon j'ai bien vu que à aucun moment c'était marqué que le zoom était interdit. Ah non non, le zoom est totalement autorisé. Et puis même il le conseille même le zoom pour vous dire donc Hop. Bon ça avance bien ici, ça bosse hein, en vrai ça fait plaisir hein. Wither Rose à droite. On va tout donner hein. C'est fini, jungle à droite maintenant, c'est Wither Rose à droite maintenant, ça l'idée. Ah c'est fini. Ça va être une nouvelle Wither Rose c'est 200 gold si tu la ramasses. je sais pas de qui ça vient, mais depuis tout à l'heure ça fait que spam, j'en peux plus. Hein. Merci. En plus, c'est juste pour avoir des émeraudes alors que les émeraudes n'ont aucun intérêt actuellement. Mais bon. What the fuck. Hein. Mais sinon, ce que vous faites, c'est que vous allez dans le chat des Espagnols et vous spammez. Les gars, les graines, ça vaut 200 gold les graines. Les graines de genre de blé là, oh, vous récupérez des graines. Je plaisante, c'est une blague. Mais en vrai, c'est peut-être ça, mec. Hein. Non. C'est peut-être d'un autre pays que ça vient, hein, en vrai. Hein. C'est vrai. Sinon, vous allez. Non, en vrai, pas les Espagnols, ils ont rien fait. Chez les Allemands, par contre. Là, ils ont fait quelque chose. Non, en vrai, ce qui est bien, c'est qu'en plus, chez les Espagnols, le capitaine d'équipe, c'est Shadow. Donc, en vrai, on peut le soudoyer un peu, quoi, en gros. C'est non, l'idée. Non, c'est. Voilà, il peut dire calmez-vous, c'est pas grave, c'est les Français. Par contre, tu vois, on peut le soudoyer si par exemple, dans un événement, il nous laisse pas gagner, je peux lui mettre une poule compliquée la semaine prochaine, tu vois. Donc, c'est pratique, ouais. Ça. C'est vrai que les poules peuvent encore être changées. Bah oui, les poules peuvent être changées, hein. C'est vrai, hein. C'est vrai, ça, bon, hein. C'est pas les Belges, hein. Non, les Belges, ils sont sympas. Les Belges sont sympas, puis j'ai Daku, j'ai un de mes modos. Il y a Nimbus, mon monteur dedans. C'est pas dit qu'à tout moment, il y a des petites taupes qui nous donnent des trucs, quoi, tu vois, des petites infos. Pendant une semaine, du coup, t'as ton monteur qui peut pas bosser parce qu'il joue et un des modos qui est pas là. Eh ben. Ouais, t'imagines. Hein. Mais c'est pas grave, parce qu'en vrai, Nimbus, il va tout faire pour nous faire gagner, nous. C'est une taupe, mais faut pas le dire dans leur pays. Comme ça, au moins, ça fait une belle vidéo. Pire cité, j'en ai aucune idée. La pire cité, c'était de l'infini, 100%. 100%. Oui, non, mais faut être honnête. Pour toi, oui, parce que du coup, avec toute l'organisation et tout le bordel qu'il y a. Non, mais faut être honnête. Franchement, c'était très compliqué parce qu'il y a eu plein de bordel, etc. Et même à jouer, c'était pas dingo. Par contre, même au niveau orga, je suis sûr que quand tu.
Bah en vrai, oui, mais il y avait pas plus de trucs que ça entre guillemets, c'est ça que je veux dire. En fait, les idées étaient très bonnes, mais en vrai, vu que les events et tout ça marchait pas, ça c'était très frustrant quoi. Mais par contre, bah derrière, il y a eu la Cité des Glaces et en fait, ça a tellement rattrapé tout que maintenant c'est trop bien quoi en fait. Mais c'est vrai que premier, bah en fait, on a fait bah c'était notre premier événement, donc fallait qu'on apprenne. Mais je préfère dire que c'est un de nos events, le pire event, plutôt que de tacler sur l'event de quelqu'un d'autre. On va dire. Bah de toute façon, je sais pas trop hein. UHC aujourd'hui. Ouais bah carrément mec, bah là je vais déco en vrai, je vais aller faire un petit Naruto là je pense. Allez, petit Danzo, allez hop ça part. Ah bah fonce hein. Allez j'y vais là. Je vais faire un petit LOL avec Martin moi. Allez, bon, petit Apex là. Faut que la cité hein, allez. Ouais allez, on lance une petite ranquette Apex là vite fait. C'est une blague hein, je désamorce. Ah merde. Moi je l'ai pris le premier. Ouais je pose, j'en ai rien à foutre hein, je pose la laine là, on fera les quêtes après, c'est bon. Donc voilà. Merci beaucoup Eagle. Merci Biscotte. Ces éléments étaient incroyables. Merci Lost. Merci Neptune. Bah en vrai, bah c'est peut-être parce qu'elle était c'est plus ancienne, mais peut-être celle que j'ai le. Pour l'anti-streamac, on peut pas le remettre parce que Twitch a changé l'API. C'est vrai. Oui, mais il y a Dado et tout, c'est les mecs qui avaient fait l'anti-streamac à l'époque qui m'ont contacté justement parce qu'ils voulaient savoir si on voulait le refaire. Ouais. Et je leur ai dit tant qu'on n'a pas de problème, faut pas qu'on mette ça parce qu'on va pas juste passer pour des forceurs et des relous. Merci. Après oui, après on peut le... Mais oui, après, mais sinon ils sont chauds de le refaire, oui. Mais il faut qu'ils passent par une API spéciale, ouais. Ouais, il faut qu'ils changent l'API de Twitch, quoi. Donc en vrai, c'est possible. Mais ouais. C'est quoi sur Apex? Je suis rookie et il y a aucune blague. Voilà. Ouais, il est rookie, mais il joue. Hein. Je suis rookie parce qu'on n'a pas fait toutes nos games de placement, mais voilà. Mais bon. Enfin, ça fait surtout 4 ans que j'ai pas joué à Apex, quoi. Peut-être pour après ça aussi. On va débloquer le deuxième planète, l'or va être pris... Où ça s'additionne sur 1? Est-ce que en gros ça va nous être soustrait l'or qu'on va déposer? Ah, moi je pense que non. Oui, c'est un truc à payer aussi. Tu penses? Moi je pense que c'est un total de gold, non? Ah non, c'est un upgrade du vaisseau, donc faut payer l'upgrade, je suppose. Moi je sais pas, parce que comment tu payes en fait? Du coup, faut juste cliquer pour le débloquer ou ça se débloque automatiquement? En fait, c'est ça, on va voir de toute façon. Mais non, je crois qu'il y a un PNJ qu'il faut aller voir pour l'amélioration de vaisseau et ça améliore le vaisseau, je crois. Parce que moi je suis allé voir ce PNJ, mais en gros ça écrit que justement pour 600 ça débloque les effets, etc. Mais non, ça c'est des améliorations de vaisseau. Ah, mais oui, t'as raison, t'as raison. Je dis n'importe quoi. Bon, pas sûr après, hein. Hmm. On retournera voir, mais bon, faut qu'on farme là, faut qu'on vise de farmer. Peut-être la première cité que je vais suivre de A à Z. Merci Kironou. Merci beaucoup Mayu aussi. Et oui, let's go, la cité avant de reprendre le taf. Merci beaucoup Mayu. En tout cas, ça farme bien ici, hein, je te le dis. Ouais. Combien après, de stacks de ton côté? J'ai bien aimé, ouais, Cross Edge, moi j'avais kiffé les Cross Edge. Ouais, Cross Edges, hein, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien ça. Combien de melons de ton côté? 5 stacks, bientôt 6. Ah ouais, 3 stacks et demi. Ça taf. Mais lui, ouais, il taf encore plus. On en avait 5 et tout, ouais, c'est. Non, mais ça on est bien, hein. Je poste la cover IA. Oh, vous avez fait la cover IA Sifano? Non, incroyable. Non, ça va être magistral. Merci Mathéo. Je passe en mode lurk, bon courage, je vais suivre dans l'ombre. Merci les gars, merci à tous. Richard, merci à ceux qui sont là. Ouais, nous aussi. Ça fait plaisir. Ouais, c'est 31 pour 25 stacks, hein, pour tout. Merci Mathéo. Merci beaucoup. Merci El Sombrero Mexico. Merci beaucoup, ça fait grave plaisir. Merci pour les 2 mois. Par contre, si tu meurs, on est d'accord que tu perds tout ton stuff là. Oui. On est d'accord. Donc faut vraiment pas que le mec que j'ai kill tout à l'heure, il était full. Ah, attends. Tu as un mec tout à l'heure? Il y a un mec qui t'avait Bichard, oui, il y avait le PVP tout à l'heure. Jim, petit début vite fait SVP. Oui, faut attendre, je vais remonter vite fait. Bah attends, je viens aussi. J'arrive. Combien? Qu'est-ce qui t'arrive? 5 stacks, bientôt 6. Non, qu'est-ce qui vous arrive? Et Bichard, t'as combien? Je sais pas s'il est démute. Il en avait 5 tout à l'heure. Il doit être à 6. Et moi j'en ai quasiment 4. J'en ai 5, 4, on a bientôt là. Hein, ouais, on est bientôt à peu près. Ouais, on est bientôt, ouais. Ok. Mais, un petit peu aussi, moi. Je vais finir mes stacks. T'as combien de vendre? 2. C'est bien, ouais, c'est toujours bien, mec. Mieux que 0, Titi. Bah oui, t'es le premier en farmer, Titi. Ouais, mais parce qu'il y a eu des. T'es arrivé à une complication? T'es mort? Il y a eu des perroquets, des trucs. Ah, il y a eu des perroquets. Ah, ok. En fait, j'ai time 20 perroquets et ça commence à me faire laguer un peu trop. Ah. Et voilà. Il a fait un titi, quoi. Et ce qui est bien, c'est que je fais laguer les gens autour de moi quand je passe. C'est génial. Génial, mon gars. Je n'arrive pas à trouver le. Combien de stacks, Bichard? Lingot d'or? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais. Non, là, c'est ça. Le vendeur d'or. Ils c'est en font 32. Putain, hein. C'est 32, ouais, 31.25. Les émeraudes, c'est la banque, ouais. Ouais, parce qu'il y a un lingot d'or, ça m'a perturbé. 5 stacks il manque? 7? Ouais, c'est un stack chacun. Non, pas pour les émeraudes. C'est fini, hein, bientôt là. Go finir nos stacks. Ouais, faut qu'on améliore sa vie, après on va deuxième planète. Ouais, ouais, et on va chercher du fer et tout, non, parce que là c'est pas possible. Les quêtes journalières, on les roule dessus. Ouais. Attendez. Allez, go. On fait les quêtes journalières et puis on récupère les. Comme ça, on récupère du fer quoi, on peut commencer à jouer parce que là. C'est juste le fer là, c'est trop casse-couille. Oui, comme ça après on peut farmer beaucoup plus vite.
Et comme ça on va améliorer le vaisseau et débloquer la table d'enchante là. Parce qu'en fait il y a une salle dans le vaisseau où il y a table d'enchante sur la meilleure. En fait l'amélioration qui débloque la première planète, c'est la première amélioration en fait. Donc dès qu'on a les 500 gold, on fait table d'enchante, deuxième planète et du stockage je crois. Donc en fait en gros ça nous met trop bien là, ça nous met juste trop bien. Et bah go faire ça. Allez. Alors, on fait couiller là. Bah tip top tout ça, à tout à l'heure. Et c'est bien, ça avance bien du coup. Bah carrément de ouf hein, franchement là je vais remettre l'autre vocal. Bah en vrai, moi je tiens à dire quand même, les gens avaient dit ouais Ninjax et tout, ils vont pas jouer. Bah en attendant, je suis désolé mais là ça joue hein, en vrai regardez hein. Franchement tout le monde est bien organisé, là les têtes elles sont quasi toutes remplies sur le dock. Genre vraiment littéralement, il en manque, il doit manquer 50. C'est en train de faire tout ça là. C'est Soul, Soul Raven. Soul pardon oui. Soul Raven et Clem hein. Bah il manque 50 têtes sur le dock, voilà. Ils ont quasiment trouvé toutes les têtes. Nous on a bientôt débloqué. Non mais franchement mec, je suis surpris, ça joue. Ah non mais ça joue. Et en plus bonne ambiance, donc c'est vraiment cool. Il faut que je mette l'autre vocal. Ouais carrément de ouf en vrai. Ça fait plaisir. Ça va être une bonne semaine. En fait c'est bien qu'on soit que 10 dans la team et pas 20 parce que 20 c'était horrible 20 en fait le vocal. Tu pouvais pas être en vocal avec tout le monde, t'étais forcé. Il y avait forcément des gens dans leur coin en fait. C'était l'enfer. Mec moi j'ai un shader que j'ai, le complémentary là que j'ai Oui j'ai pris, moi j'ai mis les trucs de la pierre aussi hein. Ah c'est mec c'est trop stylé. Bah le problème c'est que quand je le mets j'ai 20 FPS quoi. Ah ouais. Bah en fait mon PC commence à mourir un petit peu là donc ouais c'est... Et moi j'ai mis le shader mais je l'ai retouché pour avoir en version un peu light mais que ça rentre bien donc... Mais moi quand j'ai mis le shader mon PC il fait... Ah ouais ouais je capte bien. Bon ça peut m'emmerder de me dire que je vais peut-être devoir changer de carte graphique ou un truc comme ça parce que bon... Ah ouais. C'est clair. Le déménagement qui arrive, ça va faire un gros trou dans le. Merci Falchi. Merci beaucoup. Bunker. Merci les amis. Merci pour les subs. Ok, on y est bientôt là. On est presque au bout là de tout ce qu'il faut. Déjà 20 personnes en temps normal, mais alors 20 streamers. Ah non, mais 20 streamers, c'est. 4 stacks de pastèques étaient suffisants pour les 500 gold. Ah non, puisque. 4 pastèques, c'est 1 gold. Donc je te laisse calculer. Ah, oui, sinon, c'est pas 1 pour 4, c'est 4 pour 1. Oui, c'est ça le problème. C'est 4 pastèques égale 1 gold, donc ça fait un stack, ça fait pas des masses. Et c'est pas des quartiers stack, de pastèques, fait, hein, c'est vraiment ouais. C'est, enfin, des parts de pastèques. C'est ça. Donc ça fait c'est quoi, 16 gold le stack, c'est ça, non? Ça fait... ouais, 16, c'est ça. Ouais. 16 gold le stack, donc ça faisait 30 et quelques de stack à farmer. C'est ça. Donc bon, 30 stacks de blocs hein, à farmer. Hein. Donc bon, ouais. C'est quand même pas mal. Hein. Merci beaucoup Ratanemi, merci Falchi pour les 5 subgifts, trop gentil. Je sais pas vu ce qu'a fait Wingo, ce qu'a fait Wingo le dimanche. Le full party. Je sais pas du tout ce que c'est mais je sais qu'il organise ça. Ouais, faudrait que tu le fasses un jour, c'était cool à faire. Je l'ai fait dimanche, c'était sympa. C'était quoi en gros c'est 5 maps faits par la commu. Ouais. Et en fait il y a plusieurs équipes, c'est vraiment des équipes random, tu peux trouver avec des viewers de Wingo et tout. Et okay. Juste tu roules la map, t'as 5 rounds. Et faut faire le plus de points là, par rapport au placement. Et en vrai c'est très sympa. C'est trop cool en vrai. Ça dure une petite heure, c'est dimanche. Ouais mais c'est à midi non? C'est de midi à 13 ouais. Ouais voilà, moi à midi je mange. Ouais ça va. Ou sinon non heure. Mais il y a le sport maintenant hein. Eh. Le sport ça prend toute ma vie maintenant. C'est faux. Complètement faux. Non j'y suis pas encore tourné parce que j'ai passé une semaine à être là devant mon PC à faire des clics droits, couper, coller, mettre des effets. Pour faire des fautes dans sa vidéo bref. Alors pour ma défense, cette partie là ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Nimbus qui a fait cette partie là. Ah voilà. D'accord. Pour ma défense c'est Nimbus qui a fait cette partie là, il a fait 5 minutes dans la vidéo. Et donc il avait même fait d'autres fautes que j'ai corrigées mais j'avais pas vu le Efficiency 5. Genre ça on dirait que je saute mais c'est trop bien ouais. Efficiency. Dis à ton chat STP que pour le farm à cobble faut trouver le fer pour les sauts et donc la lave sur la map. Oui bah oui. Pour l'instant on peut rien faire à part casser ça donc vous inquiétez pas pour l'instant on peut rien faire. Ça spoil déjà la suite? Non je pense qu'il parlait d'autre chose. Enfin c'est juste que les gens disent depuis tout à l'heure pourquoi vous faites pas des trucs en pierre? En gros. Mais je comprends pas pourquoi vous faites pas la pierre? Eh hey, les boys. Yes. Oui, yes. Guys on a 39 d'or, je sais pas combien vous avez vous. Bah, mais faut qu'on a déposé 5, hein, on n'est pas encore. Je pense qu'une fois que vous aurez déposé on sera pas loin du tout. Voilà. Bah ça dépend, faut que tout le monde dépose. Parce que j'ai déposé que 2 stacks moi mais... Et on a faut que tout le monde dépose. Après ce sera toujours ça en plus hein, si au pire on en a maintenant en plus c'est pas grave hein. Franchement mec... Ouais, c'est vrai, réel. Allez, après si on regarde... faut juste qu'on regarde le slash account hein, comme ça on voit. Oui puis même... D'avoir tout mes TP... Oui voilà slash account, putain j'avais rien compris à slash account. Je croyais que c'était pour lier ton compte Discord et Minecraft. Envoyez-moi le truc de l'IA là, si Fanon vous m'envoyez. J'irai voir tout à l'heure. J'ai regardé sur le compte, il y a 39 d'or. J'ai pas le lien là. 39 d'or, moi j'ai 6 stacks bientôt, enfin ouais 6 stacks. Merci beaucoup. C'est ça que je pars sur le 7ème. J'ai 5 stacks moi. J'ai finalement 5ème. Combien de stacks il faudrait parce que ça 32 déjà. 32 stacks.
32 stacks au total. Let's go, let's go. C'est pour ça, en vrai, là, on est vraiment très proche. Hein. Comme ça, on fait l'amélioration rapide et puis on va rechercher de la pierre et tout. Là, parce que... Bah attends, Bichard, il en avait combien? Il en avait 6, toi, t'en as 7. Moi, j'en ai 5. Pas, ouais. Ninjax en a 6. Bon, bah ça va vite, hein. Ouais, ça, oui. Ça fait, attends, 6 plus 5, 11, plus 7, 18, plus 7, 25, plus 2, 27. Donc là, on a fait au minimum 27 stacks de sûr à 100%. Mm-hmm. De sûr. Donc ça fait qu'il manque 5 stacks grand max au total, si personne d'autre n'en a fait à part nous. Ok. Donc franchement, c'est ok quoi. Et le PVP sera on quand, je sais pas. Après, il y a peut-être moyen qu'il fallait être sur l'autre planète assez vite, justement pour parce que l'or là-bas doit être beaucoup plus OP vu qu'on a les items et tout. Enfin, je sais pas ce qu'il y aura. Possible, en fait. Hein. À tout moment, c'est une. Avec que de la cobalt, c'est la planète. Non, mais même, mais juste pour avoir du fer, juste par exemple, ouais, tu vois. Juste pour qu'on puisse se mettre, je sais pas, full fer ou qu'on puisse avancer dans le jeu, quoi. Ouais, mais ça, en vrai. T'imagines juste quand on va avoir. Mec, j'espère qu'il y a de l'XP, juste parce que comme ça, si on peut s'enchanter, ne serait-ce qu'une hache, efficiency 4 ou 5, mais mec, on en fait plein. Et l'or, on le trace et on finit le vaisseau demain, genre en fait. Tu vois, on finit les améliorations du vaisseau. Bon, j'abuse un peu, mais t'as compris, quoi. En fait, faut savoir à quel moment on pourra en avoir de l'or. Ouais. Enfin, d'autres trucs, d'autres échanges, pardon, ouais. Ouais, moi je pense que ça va être assez bien managed, mais en tout cas faut se dire que c'est cool parce que c'est pour tout le monde pareil. Et ah, de deux, par exemple, ça change quoi, tu vois. C'est que toi ça change aussi. Là on a tous un mode, enfin c'est différent quoi, c'est différent d'habitude. Ouais. Alors, c'est bien je trouve, hein. Franchement ça change, c'est bien. Moi je trouve ça vraiment cool de voir ça différemment. Ouais. Moi je trouve ça cool que tu trouves cool, petit perso. Bah, après, c'est cool. Tu trouves ça cool, moi je trouve ça cool aussi. Franchement je trouve que c'est vraiment cool que tu sois cool comme ça et que tu apportes... T'apportes cool de la cool vibes comme ça, j'apprécie vraiment bien. Écoutez les gars, y'a pas de problème. La cool vibes, 20 émeraudes, si jamais. Ah ok. Je suis short là. Je vais partir. 20 émeraudes, mais mec, c'est bon parce que j'ai 6 Wither Rose sur moi, mais je suis riche en fait, c'est bon. Ah ouais, moi c'est vrai que j'ai des Wither Rose aussi, c'est 400 émeraudes la Wither Rose. Ah, il faut que je commence à récupérer ça. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai ça. Parce qu'il y en a vraiment plein dans la. Oui, non, mais récupère-les, ça fait des émeraudes, récupère-les. Oui, mais. Je vais les vendre. Tu nous dis comment c'est exactement parce que bon, le chat me dit des valeurs différentes depuis tout à l'heure donc. Est-ce que sur le site il y a écrit? Je sais pas. C'est ce qu'on va faire. Je pose au chat la question aussi en même temps comme ça. Je sais pas si c'est écrit ou pas. C'est pas écrit apparemment. Okay. Je vais mettre le jeu en français parce que comme ça je vais récupérer les fleurs tant que je suis là avant de faire le retour. Tu vois, je récupère toutes les fleurs comme je fais le retour plus les fleurs et je fais ma quête des fleurs. Sachant que j'ai presque fait toutes les reproductions, du coup il manquera plus que la troisième quête. Et la quête. Donc on a tulipe blanche, c'est bon. Bleuet, c'est bon. Muguet, c'est bon. Ok, donc il faut tulipe rose, orchidée bleue. Moi j'ai mis le jeu en français, ça fait très très mal, mais. Ok, lila, orchidée. C'est quoi ça? Orchidée bleue. Ok, moi, parfait. J'en ai 6 sur 10 là, tiens, ok. Les gars, ça me fait mal, voilà, de mettre le jeu en français, ça me fait mal, mais il faut. Ça, tulipe rose. Il y en a combien? Il en faut 10 des fleurs. Ok, donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. Il m'en faut 10 au total. 10 différentes. Celle-là, je l'ai. En plus, je finis de récupérer le melon pendant ce temps, comme ça au moins cette quête elle est faite, et puis après on peut commencer à tracer, c'est bien. C'est bien qu'il y ait des quêtes par jour, les amis, hein. Franchement, c'est bien qu'il y ait des quêtes individuelles par jour, qu'on soit tous obligés de noter, enfin de faire quoi. Ça oblige les gens à. Qu'est-ce que. Oh, je vais lui sauter sur le bidou. Je vais lui sauter sur le bidou, mais ça fait rien. Eh ben, on n'aura jamais de la fin de la phrase. Oui, c'est bien qu'il y ait des quêtes individuelles parce que comme ça, ça pousse les gens à jouer et à faire autre chose que juste du farm toute la journée. Et je trouve ça vraiment une très bonne idée. Vraiment, c'est une excellente idée, je trouve, mesdames et messieurs. Et les gars, il est déjà 18h quasiment. Ça passe à une vitesse de ouf. Et pourtant, on n'est qu'au début de l'event. Donc on profite. Et merci d'être aussi nombreux, les amis. Ça fait carrément plaisir. Merci d'être aussi nombreux. Regardez-moi cette beauté. Non mais mec, regardez-moi cette map. Non mais c'est un truc de ouf. On dirait qu'on est sur du modé, mec. C'est une singerie. Attendez. Franchement. Non mais c'est un truc de fou, quoi. Genre, on dirait qu'on est sur du modé, quoi. C'est incroyable. La map est magnifique, mec. Y'a qui dans la team? Regarde, dans le tab, t'as tout. Et il faut que tu rajoutes Nino. Qui n'est pas connecté. Tous les Allemands sont connectés? Non, ils sont 8, hein. Les Belges, ils sont que 3 connectés. Oh les nazes. Non, je plaisante. Par contre, les Brésiliens, ça joue, mec. Hein. Les Brésiliens, ils sont 9 de co. Franchement, ça joue un peu quand même. Hein. Ah ouais, ça joue bien. Hein. C'est quand que tu sors la suite de la Cité des Vestiges? Comment ça, mon bro? C'est fait à la main. Oui, tout ça a été construit à la main par une team de builders qui sont occupés de l'événement. Oui, c'est. Merci pour c'est ce monstrueux. Bon, c'est monstrueux. Vraiment. C'est monstrueux.
On dirait que vous êtes sur Xcube pour les anciens de Minecraft. Je connais pas du tout, mais oui, c'est absolument monstrueux, quoi. Voici la cover IA de Siphano sur ODD faite par Zekra. Zeka. Oh, j'ai peur, bordel. Oh, j'ai peur. On va écouter ça, les gars. Ça nous met bien. Oh, le strike qui arrive. Ah là 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 là. Attends, je vais avancer un peu. Ça va être nul champ. Je sens que ça va pas marcher, je sens. Attends. Mais c'est vrai que l'intro elle dure 10 ans là. Oh putain, c'est vrai que. c'est vrai qu'il y a ça dans la chanson, c'est vrai. Oh là là. Oh là là, vite on arrête. On arrête très très vite. Oh là là, vite on arrête tout de suite. C'est non, on écoute pas. Non, si j'écoutais une seconde, c'est bon, j'arrête. En plus, ça va bien pour Stéphane. Ouais, c'est trop drôle. Ah non. En plus, avec toutes les histoires qu'il avait eues sur Twitter, en vrai, cette cover elle lui va vachement bien en vrai. Je trouve. Ah, j'arrête là, c'est bon. Non, je plaisante. C'est une blague. Oh, on rigole un peu, on rigole, c'est bon. C'est bon, j'arrête là, c'est bon, j'ai écouté une seconde, j'arrête, c'est bon. Oh putain, j'aurais dû écouter le refrain en vrai. Merci Aibriz, merci Gogolito. Merci beaucoup. Oh mon dieu. Non, c'est une blague, c'est une petite blagounette, on rigole. Hein. J'aime beaucoup Siphano. En plus, y a pas de soucis. Oh oui, c'est ma musique que j'adore. Oh oui, c'est ma musique que j'adore, celle-là, trop bien. Bon, par contre, je trouve pas les autres fleurs, là, les gars, là. Je trouve pas les autres fleurs, en fait, là. Quel enfer. J'ai le droit aux fleurs, ou ça se passe comment, en fait, là? On peut avoir le lien, bah je sais pas s'il y a un modo qui peut le donner, pas si vous voulez l'écouter, mais bon voilà. C'est sur le Discord de Guil, y a pas de lien, bon bah voilà. Merci Jeanne Eloane. C'est super dur à dire ton pseudo, mais merci en tout cas, ça fait plaisir. Merci infiniment, j'adore. Ça régale. Elles sont sur le stream de Ponce. Let's go, oui c'est vrai. Bon bah les champignons on s'en fout, par contre je trouve pas les fleurs là. Mais par contre la map est gigantesque, qu'est-ce que c'est que ce délire mec? C'est quoi cette map? Non mais vraiment là. C'est quoi cette map de ouf là? Je sais même pas où je vais mais j'y vais là hein, les gars. Franchement, je sais pas où je vais mais j'y vais. J'essaie d'aller vers le 0-0. Je sais pas exactement où on doit se barrer en fait. Comment on fait pour retourner au lobby? C'est au 0-0? Jax dit de déposer, il a trouvé plus rentable. Ah ouais? Merci Zort, merci Groovy. Je vais aller voir. J'aime moins l'ambiance que la Cité des Nations pour l'instant, je sais pas pourquoi, mais ça t'a fait tout bulle, d'enlève le charme de la jeune Vanilla et ça fait moins naturel. Après, si tu as regardé que la Cité des Nations, ouais, ça peut te faire penser à ça, mais en vrai, nous on a tellement fait de Cité Vanilla que récemment ça fait du bien de changer. Genre vraiment, là il y a un mois on a fait une Cité Vanilla, il y a 4 mois on en a refait, enfin pas 4 mois, mais au début d'année on en avait fait une aussi qui était sur de la construction Vanilla. Franchement, ça fait du bien de changer un petit peu, voilà, je le dis. Ça fait vraiment du bien de changer. Après, pour l'instant, on est qu'au début donc on verra. Hein. Y'a un jump ou une course de bateau? Non, je crois pas. Merci à Ken le Dragon. J'espère que tu gagneras cette cité. Bah, j'aimerais bien aussi, ouais. Là, je cherche les fleurs, là, en même temps. Si tu veux, je sors de la planète et je fais un deux trucs. Non, je crois que je l'ai, c'est bon. Ah, il paraît qu'on m'a dit qu'il y a des trucs. On m'a dit qu'il y a des trucs plus rentables, quand même. Ah, bah, tout le monde. En fait, si je chrome light, c'est 2 pour 1. Sauf que j'en avais pas vu, en fait, avant. Et en fait, il y a des énormes bulles de chrome light dans les arbres. En grosse hauteur, mais. De toute façon, on en refera après, hein. On en refera après, de toute façon. Mais ouais. Et c'est quoi, c'est où le... Excusez-moi, mais le... Vas-y. Le vaisseau. Je vous dis si vous voulez. Ah, 2000, alors il est en... 2000. Ouais, mais l'entrée exacte, si tu veux, je sais pas, en fait. Non, mais vous inquiétez pas, je suis à la bordure, donc vous inquiétez pas. On se balade ici. Attends, mais faut aller où pour cette épée au hub? Ça? À droite. Ah ouais, putain, c'est pas clair du tout. Ah ouais. Oui, il y a déjà eu une Cité des Nations avant, et c'est la France qui a gagné. T'as toutes les vidéos sur YouTube, si tu veux, faire carat. J'ai posté plein de vidéos, si tu veux, sur chaque cité auquel j'ai participé. Et pour le coup, Cité des Nations, il y a effectivement eu une vidéo, il y a effectivement eu un event qui s'est terminé par la victoire de la France. Et donc là, on revient avec cette fois-ci 10 pays au lieu de 5, qui est énorme. Donc clairement, ouais. Clairement, ouais. Merci Xavier, merci beaucoup pour le sub. Ouais.
Tu peux expliquer l'événement, je viens d'arriver. Je peux tout à fait expliquer l'événement, mesdames et messieurs. Nous sommes sur une cité qui s'appelle la Cité des Nations. L'objectif, c'est en une semaine d'avoir le plus d'émeraudes possible. Pour cela, il faut vendre des ressources aux PNJ qui se trouvent au vaisseau spatial. Et pour cela, du coup, pour trouver ces ressources, il faut se balader de planète en planète. Il y a à peu près 6 ou 7 planètes, je sais pas. Sauf qu'il faut les débloquer, ces planètes-là. Et pour les débloquer, il faut améliorer notre vaisseau. Et pour cela, il faut donc avoir de l'or. Sauf que l'or, on le récupère comment? Eh ben pareil, en farmant certaines ressources et en les vendant aux PNJ. Donc en gros, il faut faire quoi? Là, on farme des ressources pour avoir de l'or. L'or nous sert à améliorer le vaisseau. Le vaisseau nous sert à aller sur de nouvelles planètes, avoir de nouvelles ressources qui sont pas dispo là, genre de la pierre, du fer. Et avec ces ressources-là, on va pouvoir farmer des choses qui sont intéressantes, créer des bases, etc. Et pouvoir avoir plein d'émeraudes, etc. Et en plus de ça, chaque jour à 16h, il y a un événement où bah, tous les jours, vous avez la... les 10 pays qui s'affrontent pour remporter l'événement. Et pour gagner des émeraudes supplémentaires. Voilà. Pendant que Frigiel vient d'envoyer un screen des Mushroom Light, des coordonnées des Mushroom Light. Voilà! Vous pouvez mettre une squad STP. C'est la première fois que je vois écrit squad comme ça. Ah bah, je crois que c'est en cours, non? Non, je m'en occupe, attends. Tu sais quoi, je m'en occupe. Je m'en occupe de suite, ça, mon cher ami. Alors oui, par contre, je suis en... Hop, bouge pas, hein, si tu me permets. Alors, gestionnaire de stream, je m'en occupe. Il y en a déjà une. Ah. Ah bah oui, effectivement, c'est juste qu'elle est pas lancée. En fait, il y a une squad, mais vous ne l'aviez pas lancée. Vous avez juste invité Jim. Mais les modos ne l'avaient pas lancée, c'est pour ça. Quel shader tu as? J'ai exactement le complémentary shader que j'ai un petit peu retouché, histoire que ça soit beaucoup plus visible pour vous. Donc voilà, et lien de la squad, bah vous avez juste, ça s'affiche en haut là normalement, il y a écrit. Hein. Normalement ça s'écrit là, normalement. Ça s'active quand le PVP? Au jour 3 apparemment. Merci Atlantis. Bonne chance pour la cité, ici on soutient la Belgique. Aïe 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 aïe. Dégage de mon stream vite. Je plaisante. Jour 2 sur l'une des planètes, le PVP. Ah ouais? Ok, donc faudra faire gaffe du coup, ça veut dire. Ok, c'est bon à noter, merci. Jim vient de vendre des pastèques. Ouais, mais de toute façon, je vais aller les vendre aussi, moi. Je suis en route. Hop, je suis en route. Pour aller vendre, justement. Je suis en route. J'essaie de trouver mon chemin vers le... vers le vaisseau. Sauf que le vaisseau est à 1000 milliards de blocs, donc je suis en train de me balader pour le trouver. Non, il n'y a pas d'événement ce soir. Merci Fico, merci Josama. Le premier événement, c'est demain à 16h. Demain à 16h, messieurs, dames. Merci beaucoup. Oh, Wither Rose, ça en récupère, Bond. Est-ce que j'ai ces fleurs-là, les gars? Je crois que je les ai, celles-là. En fait, j'ai toutes les fleurs, sauf Wither Rose encore. Si vous voyez des fleurs que je n'ai pas, vous n'hésitez pas à me dire. J'ai la tulipe blanche. Ah, celle-là, je crois que je l'ai pas. Ah, là, celle-là, je l'avais pas. Donc j'ai les 3 fleurs blanches, 2 fleurs bleues et une fleur rose. Et il nous manque... Qu'est-ce qu'il nous manque comme truc? Il nous manque... Lila, Coquelicot. Bah Coquelicot en plus, je suis trop con, je suis passé devant en plus. Hein. Coquelicot, il y en a là-bas je crois. Non? Au pire, attendez. Je les amènerai après, c'est pas grave. Coquelicot, il y en a de partout en plus, je suis abruti. Il y en a vraiment de partout en plus. Tu vas stream H24 jusqu'à la fin de la cité? Alors peut-être pas H24 parce que je vais quand même dormir un peu. Mais en vrai, ouais, on va faire quoi, 15-16 heures de stream par jour? Ouais, donc clairement, ouais, on va stream tout le temps. Hein. Et vous serez là ou pas? Oui, le chant de Coquelicot, je vais y retourner, vous inquiétez pas. Non, mais de toute façon, dites-vous qu'aujourd'hui, on va faire toutes les quêtes, hein, ça c'est sûr. Hein. Oh, non mais regardez-moi, non mais, hé, franchement, est-ce que Minecraft n'est pas beau avec un shader? Non mais vraiment, regardez-moi ça. Est-ce que Minecraft n'est pas magnifique avec un shader? Non, j'ai boulot. Bah tu prends des vacances pour venir modérer, hein, Strelizan, je crois bien. Mais bon, bref. Je crois que ça va prendre des vacances, hein. Aïe 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 hein. Du coup le Nether sera customisé aussi, je ne sais pas du tout. Vraiment là on n'a pas d'infos de plus. Pour vous dire on connaît même pas les autres planètes hein. Genre je n'ai jamais vu la gueule des autres planètes. Enfin on a rien vu en fait, on a les mêmes infos que vous. Donc on découvre tout en même temps. Merci Catherine. Merci les amis pour les subs. Miro a du lila pour tout le monde. Le boss hein. Putain mais le boss Miro Lam. Mais le boss en fait hein. Oh j'espère tellement qu'on va gagner cette cité. Comme ça tous les gens qui étaient là sur Twitter en mode AFF la team a perdu etc. Oh. J'espère tellement qu'on va gagner cette cité juste pour que ses bouches se ferment. Vraiment, ça a commencé quand? Vers 16h30 à peu près, ça a commencé. Donc il y a environ 1h30, 1h20 je dirais à peu près. Donc bon, pourquoi il y a le serve de Laylo à droite? Parce que c'est eux qui sponsorisent l'événement. Enfin, ils sponsorisent l'event. Ok, alors là il doit y avoir des fleurs que je n'ai pas récupérées par contre, à mon avis. On est bien.
Ok. Bah écoutez les amis, tulipe bleu je crois que j'ai récupéré déjà, je crois, non? Ah non, tulipe bleu j'ai pas récupéré, vous avez raison. Non mais tulipe bleu c'est quoi? C'est quoi tulipe bleu? C'est quoi la différence en fait? J'arrive pas à faire la diff. Parce que là, c'est pas tulipe bleu ça. Tu as je crois. Ouais. Attendez, il faut que je regarde les gars à quoi ça ressemble. Attendez, il me manque tulipe bleu. Tulipe bleu Minecraft. Non, ah mais non, j'ai pas en fait, c'est les fleurs bleues du marais. Ah mais c'est ça non? Orchidée bleue, c'est pas pareil non? Orchidée bleue, ah mais c'est peut-être ça en fait. Non, c'est la même chose en fait. Attends. Merci. Ah oui, non, c'est la même chose. Oui, oui, effectivement, c'est la même chose. Tulipe bleu. En fait, il n'y a pas de tulipe bleu, c'est orchidée bleue en fait. Merci Gagatosaur, merci Htouch, Akenom MVP, Akeno MVP, pardon. Double click, Abeille 114 et Akeno merci pour les 5 subgifts. Merci du fond du cœur. Est-ce que j'ai ça? Non, je l'ai pas celle-là. Let's go! Oh, j'ai le seum. Ah, par contre, comment on repart en fait là? Parce que c'est bien gentil tout ça, mais. Ah, c'est là-bas. Ok, c'est là-bas. Ah ouais, c'est loin quand même, hein. Il manque ça en Gandor. J'arrive. J'arrive, mesdames et messieurs, j'arrive. J'arrive. Titi de la T-Team. Oui, bonjour. T'as vendu, toi? Est-ce que t'attendais que Jim parte pour te démute? Exactement, c'est exactement pour ça. J'ai vendu, mais j'ai pas vendu beaucoup, je te dis, je faisais des trucs, mais en gros, ça va être bon normalement, là, non? Je sais pas, on va voir, hein. Comment on... Si tout le monde vend, on est 500, c'est sûr. Apparemment, il manque 100 et quelques, là. Je vais aller vendre. Ok, bah, Jimmy va vendre, je crois. Ah non, il a déjà vendu. Et il y a aussi le fait qu'il faut farmer de la. Faut aller où là? Putain, des shroom light. Des shroom light en haut, tu sais. En hauteur. Est-ce que t'as cette information, Gil? Oui, j'ai eu cette information, oui. Voilà, que c'est vraiment beaucoup plus OP. Et est-ce que t'as l'information aussi que dans la prochaine planète, il y a probablement pas de bois? Du coup, oui. Il en faut pour partir, parce que sinon, on va être dans la sauce là-bas. Donc j'en ai pris un peu. Voilà. Non, ok. C'est ce que j'avais à dire. J'ai que ça à dire. Moi j'ai 7 fleurs, 6 fleurs sur 10. Ok. Bah, oh oui, t'as les 10 hein. Non, j'en ai que 6 et je sais pas trop où sont les dernières. Faut que je vois à quoi elles ressemblent. Tu peux me remettre, Clérum, s'il te plaît, le nom des fleurs, comme ça je vais voir sur internet à la limite. Ouais, je vais te mettre. Merci, Igozai, merci beaucoup. Je sais pas comment on dit. Vas-y, dis-moi. Non, attends, je sais pas. En anglais? Merci pour ouais, non, j'écris pas Coldified. Mais je sais pas comment on écrit poule. Comment on écrit poule? C'est les poules des Guild Games. Chicken. Ouais. It's the chicken too, guys. Comment on écrit? Ah, mais c'est les. Comment on écrit? Putain, je le sais en plus. Il y en a one. Poule. Poule? P-O-L? Non. Ah, c'était poule comme j'ai écrit? Ouais, c'est bon. Bah, nickel alors. Pool. C'est ça, poule. Et ouais, comment on rentre ça, en fait? Je suis Keblo, mais comment on fait pour. Ah, mais c'est ça le vaisseau en fait, c'est pas ici? Ouais, il faut trouver le bon escalier là, c'est un peu relou. OMG. Et du coup, c'était quoi ta question, pardon, avant? C'était de... Est-ce que je te donne toutes les fleurs? Non, y'a pas de question. Bah allez, go vaisseau les gars. Bah j'y suis là. Ok, bah parfait. Moi je cherche les fleurs. Ah, c'était braquette que je cherchais, c'était braquette. Oui, bah oui, j'ai écrit pool comme piscine, mais je crois que c'était braquette que je cherchais. Ah, c'est ça. Comme ça là, on va sur notre planète, on s'améliore notre stuff et on retourne chercher les shroomlights. Comment on repart au vendeur? Faut aller... Il faut que t'ailles sur la plateforme... Menu de téléportation? Hangar, cabine? C'est pas dans un menu. Ok. C'est putain, comment t'expliquer ça? À côté du PNJ de téléportation, tu vois, il y a une espèce de petite comment ça s'appelle, de petit recoin. Ouais, un mur vert, ouais. Un mur vert, on cherche un mur vert. À côté du PNJ de téléportation. Ouais. Bah fonce rentre dedans. Dès que tu auras un mur vert, tu rentres dedans et c'est bon. Mais c'est vrai que c'est pas clair. Ouais, c'est vrai que c'est pas très clair. Attends, on doit taper tout le chemin, mais je vais péter les plans non, en fait. À droite, t'as un TP. Ah oui, marché sud. Voilà. Classement premier Belgique. Quoi? Quoi, les Belges? Non les gars, mais alors là, jeu, je comprends pas. 10e États-Unis. Non, alors celle-là je m'y attendais pas. Vraiment, alors là. Non, carrément, vraiment. Carrément, je m'assois. Classement 1 Lojulu, 2 Nimbusito, mais ils ont fait toutes les têtes en fait hein. 3 Myrolam. Oh là là. Et Myrolam le boss hein. Myrolam et Soul, ils ont fait pas mal de têtes. Ils ont fait juste les têtes, c'est tout ce qu'ils ont fait. Et après comment je vais il faut que j'aille là-dedans. Attends, c'est où les melons? Where is de melon? Tu cherches, tu fais le tour et tu trouveras. Ouais, je me balade. Y'a pas de. Je me balade, Myrolam légende, c'est vrai ça.
Mode, on dit d'ailleurs. Marchand de kelp, hein. C'est pas ça. Hein. Ah, ouais, non, c'est marchand de melon, il s'appelle vraiment marchand de melon. Ah ouais. Oui, parce qu'ils vendent qu'un seul truc pour l'instant, les PNJ. Marchand de melon, voilà, c'est. En vrai, il n'y a pas beaucoup de théorie craft à chaque fin de théorie, parce que du coup, si c'est à chaque fois un seul truc qu'ils vendent par PNJ, on devrait le faire. La cam, elle saute. Hein. La Belgique ne tiendra pas sur le long terme, bien sûr. Parce qu'il fait trop chaud. Bon, allez, faut qu'on améliore le vaisseau, là, vite. C'est quoi ça? Marchand de quoi? Marchand des lits? Marchand des soupes? Ok. Le petit Guillaume est attendu. Bah ouais, mais marchand melon. Ça y est, j'ai trouvé. Il manque quoi, t'as dit? Les fleurs d'oignon. Pardon, j'ai pas vu que ah, c'était ça. Ah, c'est pas ça. Les gars, c'est bon, j'ai vendu. Ça fait combien de gold? Non, je l'avais déjà. Attends, bah, attends, go monter en haut, go monter en haut. Monter au channel en haut. C'est bon, j'ai tout vendu, moi. Ah si, ça passe, t'inquiète. Allez, bon, bon, on peut améliorer. Attends, bah je sais pas. Attendez-moi. Attendez-moi. Il est 140 points d'or, on est vraiment bien. Attendez-moi. Viens, viens, viens. J'arrive, je me téléporte. Moi je vais rester tout seul. Je me téléporte, vaisseau. I'm coming, bro. I'm coming home. Non, à tout de suite. Stop, ça suffit. Oui, fleur. Allez, Guillaume. J'arrive. Oh. C'est bon, c'est là en face. Ok, coquelicot. C'est un moment important. Ok, c'est un moment important. Messieurs, dames, c'est un moment important. Nous allons pouvoir améliorer. C'est bon. On a bien le goût là. Allez, la prochaine planète. Améliore. Vaisseau. Bah, niveau 1 déverrouillé. Votre vaisseau a été amélioré, félicitations, c'est tout. Capitaine, il n'y a pas d'animation, il y a un bail. Oh la déception! Oh là là! Effectivement, on a débloqué. Rock Steeler! Quelqu'un a du bois pour moi, s'il vous plaît? Tiens, mec! Tiens! Planète de. Oh du bois! Allez, on y va, go! OMG! OMG! Il y a plein de lapis et tout sur les murs, du fer! OMG! Oh, la piste, ça se vend bien aussi, hein. Oh, ouais, ouais, j'ai vu ça. Elle est plus évoluée. Oh, alors du coup, ah, on là pour le moment, c'est de l'or qu'on doit prendre tout le temps. C'est une caverne immense. Ouais, c'est une moi je pense qu'il faut regarder. Ouais, ah oui, OMG, regarde au-dessus. Oh, c'est magnifique. Ouais. C'est une grotte, oh ouais. Fine Kingdoms. C'est parti. Ouais, c'est fric. Ah, il marche bien. Il y a des mobs. Ouais, il y a des mobs par contre, c'est dangereux. Ah, pour reproduire. Du fer. Des scupes. Du bois. Oh les gars, avec mon pack qui affiche les minerais en surbrillance, ça rend trop stylé avec les minerais comme ça. J'aime trop. Ça rend trop bien les gars. Ah ouais non, ça rend trop bien, j'aime trop. Ah ouais non, c'est génial. Merci Chouri. Merci beaucoup pour les 3 mois, merci infiniment. Ça régale de ouf. Ah en plus ouais, c'est une cave gigantesque. Hein. En plus c'est bien parce que c'est sombre et tout un peu, c'est vraiment trop beau. J'aime trop. Tu cut et tu reprends à quelle heure le stream? 1h du mat, 2h, peut-être 3h même, et je reprendrai à 10h. Ou genre un peu juste après quoi. C'est insane en vrai. Ah, ils ont fait un gros taf les builders, on est d'accord. Hein. Et ben voilà les amis, deuxième planète, on découvre. Deuxième planète, on va tout récupérer. Alors ça c'est pas ce que je cherche par contre, le basalte on s'en fout. Je crois qu'on est les premiers hein, sur la planète, hein. Je crois qu'on est les premiers. Les builds sont vraiment bien foutus pour le coup. Hop. Pendant qu'écoutez, on va tout simplement se mettre bien. Parce que je crois qu'il y a des mobs. Eh oui, il y a tout à fait des mobs. Donc il va falloir que nous nous occupions de ces mobs là. Parce que je crois qu'il faut qu'on récupère de la gunpowder, mesdames et messieurs. Il faut qu'on se fasse un stack de gunpowder énorme. Pourquoi? Parce que comme ça, dès que les Elytras seront dispo, eh bien comme ça, on sera déjà très très bien en termes de gunpowder. Merci Astronuggets, merci Shuri, merci Skybu. Akeno mon gars. Merci beaucoup Gathering pour les 5 subgifts. Je pense que tu m'as oublié. Non, je t'ai lu frère. Je t'ai lu, merci pour les 5 subgifts aussi, je t'ai lu mon gars. Merci It's Glunch et Mlish. C'est super dur à dire mais merci mon gars. Va en vocal avec les autres. Oui mais attendez deux secondes, vous savez que j'aime bien aussi être aussi dans mon coin. J'aime pas tout le temps être en vocal parce que quand je suis en vocal je peux pas forcément autant parler que quand je suis... Voilà, donc en vrai voilà, je vous explique un peu. Bravo à moi pour la mort. Ah là là. Et bah voilà, il est mort. Bravo à tous hein. Oh y'a du diamant. Easy. Let's go! Où est-ce que j'ai foutu mon four? Attends, je suis en plus de diamant dans 2 minutes là. Je suis un imbécile ou je suis un imbécile? On peut déjà trouver du diamant, hein. Je sais pas si ça vous avez ah vu. Oui, mais... oui, j'en ai là devant. Ouais. Hein. Okay. Ah oui, non, mais en vrai, juste go se mettre full diamant, c'est go s'enchanter en fait. Hein. Go juste, bah on a la table d'enchant, donc juste go se stuffer, puis fin quoi en fait. Voilà. Et après, on a la table d'enchant. D'où elle est? D'où elle vient? Dans le vaisseau. Le diamant, tu l'as trouvé à l'air libre comme ça? Ah ouais, à l'air libre, ouais. Sur les murs. Merci Nivolf, merci beaucoup les gars. C'était là je crois que je suis mort, juste là en face.
Oh non les gars, je suis mort avec tout le stuff. Mais comment t'as fait bro? Bah, j'ai voulu full safe, crit. Il est par terre hein. Ouais non mais c'est bon, j'ai tout récupéré. C'est bon. J'ai voulu full crit rien, en fait. Un creeper et il m'a full, oh, il m'a full, c'est lui qui m'a full crit. Hop, ça on va récupérer. Ouais, je donne deux bâtons. On va récupérer du fer et je pense qu'on va direct se faire des outils en fer là direct. Hein. Ah, bah ah ouais, ouais je suis en train de faire, ça m'a manqué. Hein. Oh, tu fais juste une pioche en fer. Pioche, c'est bon hein. Pas en plus hein. Ouais, bah ouais, t'as raison, mec. Et un pioche H, ouais, pioche H. Putain, t'es vraiment trop fort, mec. J'ai pas de bois, moi. C'est un pro de Minecraft, à ce qui paraît. Je l'ai lu dans le Wikipédia YouTube, là. Ouais, c'est vrai, hein. Le Wikipédia YouTube, c'est toujours la vérité, d'ailleurs. Prenez du lapis pour les enchantes, hein. Prenez du lapis pour les enchantes aussi, hein. Ah ouais, du lapis. Le diamant, il y en a vraiment un bloc à chaque fois, hein. C'est rare, ouais. Merci, Valor. Une question, les gars. Le sub dispo pour le début de la cité calculé, bien sûr. Merci, Myrias. Merci, c'est Juro BG. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui. Je vais écouter la question de Titi, okay, mais ouais. Je l'ai pas trouvé, moi. Ça existe. Okay. Un quoi? Un coquelicot. Un coquelicot. Un coquelicot. Oui, mais en fait, il y a des plaines de coquelicots de partout. Ouais, des plaines de coques. Ah, où ça? Ouais. Mais j'ai vu les coques, mais j'ai pas vu les licots. J'ai vu les coques, mais pas les licots, ok. Enfin, j'ai vu des poulets aussi, mais. Ouais, voilà, oui, il y avait des poulets, oui, tout à fait. Oui. Oui, bah, c'est ça dont on parlait. Non, mais non, mais on précise Microsoft parce que vu que tout doit être adapté à des enfants de 10 ans, on parlait bien des poulets. Bien sûr, hein, bien pas bien du tout. Non, on parlait vraiment juste du poulet, quoi. C'est quoi le deuxième sens, j'ai pas compris. Bah, non, y'a pas de deuxième sens, y'a un Nadra, justement, c'est ce qu'on dit. C'est qu'un Nadra, c'est deuxième sens. Ok. Toi, t'as vu un deuxième sens, toi, c'est un peu bizarre, en fait. C'est bizarre un peu. Ah, c'est oh, bizarre. Il est gros. Oh, il est gros celui-là. Pensez à. Le coq encore ou. Le coq là-bas, le. Ouais, ouais. Le gros coq. Oh, le joli coq. Et si je te dis. Maxime. Eh, Maxime, oui. Personne là. Il a quoi comme nez? On va se muter direct. Merci Tigron. Merci beaucoup. Merci Astragam. Merci Ougven. Voilà, vous voyez pourquoi je me mute? Parce que Ninjax va trop loin. Voilà. Voilà. Je me barre en fait, voilà, je me barre tout de suite. Je me barre en fait, voilà, je m'en vais. Je m'en vais de suite. Je sais comment ça va finir cette heure. Par contre, du coup, faut qu'on récupère des os, messieurs dames, parce que c'est très important. C'est très important en fait. Faut qu'on récupère des os, parce que si on n'a pas d'os, on va pas pouvoir faire toutes nos quêtes. Et si on peut pas faire toutes nos quêtes, bah je vais être très très triste. Et si je suis très très triste, bah vous savez comment ça va se finir. Hein. Donc là, objectif, récupérer masse de fer, du diamant. On va se mettre full diams, bien évidemment. En vrai, je pense que le highlighted ores, c'est peut-être un peu too much, non? Fais voir si je l'enlève. Fais voir. C'est peut-être un peu too much, le highlighted ores. Moi, qu'est-ce que vous en pensez, là? Even ce soir. Non! Ah ouais, en vrai, c'est un peu mieux sans le highlighted ores, je trouve, ici, dans cette planète. Hein. Quoique. En vrai, ça faisait joli, ça faisait des points. En vrai, sur le ciel, ça faisait joli, ça faisait des points. Là, on voit plus rien, maintenant. Ah, c'était mieux avant, en vrai. C'était pratique. Bon, en vrai, je vais le remettre, je pense. Ouais, je vais le remettre, c'était bien, en vrai. J'ai bien aimé. Visible or. Or visible, peut-être? Bah, pourquoi je peux pas visible or? Il est où? Ah, il est là. Visible or. Merci. Hop, je vais le remettre. Et merci, Tonka, ça fait plaisir. Merci pour les 4 ans. Trop cool. Merci, Naga. Je vous souhaite bonne chance pour la cité. Et j'ai que hâte de pouvoir faire des game subs. Merci, Naga. Ah, c'est pas tout de suite, hein, du coup, malheureusement, mais ouais. Là, les game subs, va falloir les attendre un petit peu. C'est vrai que les points lumineux, c'était quand même vachement joli, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il a un X-ray OMG? Non. Pas dans ce Minecraft-là. En fait, j'ai un X-ray, mais dans mes autres Minecraft. Hein. Parce qu'en gros, quand je veux tricher, je change de Minecraft. Hein. J'ai un point Minecraft qui s'appelle Vape, hein, et ensuite, je passe sur celui-là, quoi. En gros. Genre, cigarette, quoi. En gros, le Vape cigarette, tu comprends? Enfin, c'est pas... Voilà, c'est... Pas le... Voilà, bien sûr. Pas con quoi, faut juste changer de point Minecraft à chaque fois, c'est tout. C'est tout en fait, faut être intelligent, faut changer quoi. Vape is loading 90%, 95%. En plus je l'ai revu il y a pas longtemps cette vidéo. Le troll de cause à l'époque. Merci Palardo, merci Vickelec. Merci les amis, merci pour tous les subs, merci à tous. Eh ben ça fait plaisir en vrai, on se met très bien là. En plus il faut que on récupère masse d'XP pour pouvoir faire notre table, enfin, pour pouvoir faire des enchantes au niveau 30. Et puis comme ça, si ce soir on peut être full enchant niveau 30, on peut être vachement bien quand même, ça pourrait être vachement cool. Donc voilà, ce soir vous connaissez la chanson, tout ça, eh bien on va faire donc le farm et les quêtes ce soir, on va tout faire. Et demain à 16h, premier événement, demain à 16h, sauf que je lancerai beaucoup plus tôt pour évidemment farmer comme un ouf. Clairement ouais. Merci Benjo. Merci beaucoup. Par contre, ouais, moi je vais récupérer masse de fer parce que je pense que ça peut clairement nous servir après, à mon avis. Hop, 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 hop. Voilà, nickel. Il y a du diamant. Ouais,
Je sais qu'il y en a, ouais, ne t'inquiète pas, mais là je récupère masse de fer pour être vraiment tranquille. Puis comme ça on sera nickel, et puis après je vais partir vraiment très très loin là pour le coup. Comme ça, juste on se met full diams, je récupère aussi, voilà, de quoi faire une longue lume surtout, c'est ça qui m'intéresse moi. De l'XP avec le lapis, et puis ensuite on va juste se faire plaisir. On va juste se mettre très très bien dans cet événement. Et ça régale en fait. Hop, je vais aller là-bas. Voilà, on va récupérer tout ça là-haut. Salut Polophone, salut à ceux qui arrivent, merci Loris pour le subgift. Merci beaucoup. La vidéo de la cité des 7 mers est trop bien, GG. Merci, je te remercie beaucoup. PVP on jour 3, je crois. Donc on a encore demain de tranquillité, je crois. Et après, par contre, c'est le tabassage. Donc, mais bon, on a encore demain où on peut être à peu près tranquille, je pense. Donc, it's ok. Par contre, les gars, cette semaine, c'est l'enfer. Hein, parce que vous savez que c'est la semaine de canicule, là. Donc là, c'est l'enfer, hein, cette semaine. Hein, je vous le dis. La semaine de canicule qui tombe pile pendant la cité. Franchement, ça va être compliqué. Hein. D'ailleurs, attends, mais du coup, vu qu'on a du gold là-dessus, on a juste à miner le gold pour avoir du gold. Après, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas? En vrai, on pourrait tenter plutôt d'aller faire une sick touch et de pouvoir miner les pastèques très vite, en fait. Ça irait très vite, hein, honnêtement, de faire ça, je pense, hein, plutôt. Vraiment. Hein. Ça va, Montpellier, il fait que 38, c'est raisonnable. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai que 38. Hein. Et du coup, là, ça va être chaud, mais bon. On va voir ce que ça va donner. Bon allez, je vais me balader un petit peu les gars parce que faut qu'on trouve le diam, ce que les autres ont trouvé visiblement. Et puis après on va se mettre bien. Oh, c'est quoi ce lac gigantesque? En vrai je trouve qu'avec le shader ça fait bien ambiance grotte, vous trouvez pas? Je trouve que ça fait vraiment un peu ambiance mystique, un peu mystérieux, on sait pas trop ce qu'il y a. J'aime bien. J'aime bien en vrai. J'aime bien comme ça là. Bon, y a du lapis de partout par contre, ça fait carrément plaisir. Oui pour le diam c'est pas grave, hein, si j'en rate vous inquiétez pas, on en récupérera après. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Oh! What is this? Mais ça, c'est pas l'endroit d'où on arrive. Ah non, non, c'est complètement autre chose. C'est nouveau? Meurs pas maintenant. Bah, ça, oui. Hein. Ah, ça, je te le dis. Hein. Ah, ça, je te le dis, mon pote. Hein. Je te le dis. Hein. Si cette semaine, c'est la semaine de la canicule, ça veut dire que Ninjax va fondre. Exactement, oui. Exactement. Exactement, t'as tout pigé. Vous avez encore les alertes qui gueulent quand il y a un autre streamer d'autre team? On les a pas mises pour l'instant, tant qu'on n'a pas de problème on les met pas pour éviter que... qu'on nous les brise tout de suite quoi. Mais sinon oui, ils étaient chauds pour les refaire les développeurs de la dernière fois, ils étaient carrément chauds. Ils sont allés voir Jim justement, vu que les viewers de Shaper ils sont chez Jimmy. Donc voilà, hein. Fais-toi un pseudo. Ouais, intelligent ça, pour le coup carrément ouais, carrément de ouf. Hein. Tu vois? Ça c'est une bonne idée, continue à me donner des idées comme ça. Ça j'aime bien. Quand vous me dites des trucs comme ça les gars, merci. Merci pour ces euros de imagine 10 subgifts qui spawn, oh, ce serait quand même incroyable, franchement. Merci Christo Hardy pour les 25 mois de sub aussi. Merci beaucoup. Merci infiniment. Mine un max d'or. Bah, en vrai j'ai l'impression que... l'or je sais pas si ça va vraiment... enfin comment dire, si c'est vraiment rentable de les miner en fait, ici. Tu vois ce que je veux dire hein? Eh merci pour les 10 subgifts, DLC off, quel plaisir. Fancy's Eye, oui. J'irai faire. Et Golden... ah oui, mais pour la Golden Apple. Putain, t'es pas con, toi. Pour la Golden Apple, on peut finir nos quêtes, hein. Effectivement. Vous êtes intelligent pour faire les Gapple. Oh, mais du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des pommes, par contre. Les pommes rouges. Moyen d'avoir un petit récap du début. Alors, on avait qu'une seule planète de disponible. On a débloqué la deuxième en minant, en récupérant beaucoup d'or. Et donc là, on est sur la deuxième planète. L'objectif, c'est de récupérer le plus de stuff possible. Maintenant, sur cette planète. Donc voilà, fais des blasphémies, ça accueille plus vite les minerais. Ouais, je sais, mais bon, là, pour 3 minerais, bon, c'est bon quoi, hein, ça ira très bien. Merci Lusavi TV pour les 2 subgifts, merci Peter pour les 25 mois de sub. Vous avez débloqué la table d'enchant aussi, exactement, on a débloqué l'accès à la table d'enchantement, tout à fait. Merci Polocraft, ça fait un bail, dis donc, good luck pour cette semaine. Je bosse au Club Med, donc je ne pourrai pas vous le regarder. At the best of, hein, grosse force, hein. Je te remercie beaucoup. Merci infiniment pour ça, ça me régale. Pour débloquer la troisième planète, vous devez avoir de l'or. Ouais, exactement, et on doit avoir 1200 d'or. Alors ça par contre, ça mon pote, hein, ce qu'on voit en face là, je vais m'empresser de le récupérer. On va juste faire gaffe aux mobs. Mais en vrai, vous savez ce qu'on va faire en vrai là, maintenant que j'y pense. Hein. Un truc qui est très intelligent et vous allez me... oh, pourquoi je peux pas poser là? Ah, il y a des endroits où on peut pas poser, vous avez vu? Il y a des endroits comme ça où on peut pas poser. On peut pas poser de blocs. Pourquoi? Tout le monde est pas sur la même map. Si. Juste que la map est gigantesque quoi, c'est ça l'idée en fait. Les maps sont gigantesques. C'est pour pouvoir éviter le griffe. Hein. Ah, c'est possible. Hein. C'est vrai que par contre, les coordonnées du chunk à slime...
C'est une très bonne idée. Je vais récupérer des os pour pouvoir apprivoiser les loups aussi. Ah ouais, mais encore faut-il que ça me drop quoi. C'est ça l'idée. Du coup tu pourras prendre le slime direct. Non. Non non, je veux un bouclier parce que là si je meurs j'ai le seum. Surtout que j'ai vu qu'il y avait des espagnols sur la même planète. Donc je veux un shield. Par contre je vais noter effectivement les coordonnées du chunk last slime. Bon au pire je peux récupérer les petits slimes quoi au pire. Voilà comme ça. En fait j'ai juste pas envie de clamser quoi, c'est juste ça l'idée. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah des silverfish, ok. Ok. Qu'est-ce que je vire là? La chair pétrifiée, on s'en fout hein. La chair putrifiée. C'est sans doute pour éviter de faire des farms à slime, sinon ça aurait été trop cheat ça. Je pense. T'as raison, je pense. Bon du coup je vais en récupérer à la main du coup hein. Et il me faut par contre des os hein. Il va m'en falloir pas mal des os je suis en train de me dire, parce que s'il faut que je tame deux loups. Bah ouais hein, s'il faut que je tame des loups ça va être Si on peut éviter de crever aussi ça pourrait être sympa. Ok, oh y'a Blazer qui s'est mis full fer, voyez regardez. Y'a Blazer qui s'est mis full fer. Ah mais en fait c'est parce que vous avez raison je crois, je suis revenu au spawn non? C'est le spawn en fait ça non? Mais oui je crois qu'en fait vous avez juste raison, je suis revenu au spawn, j'ai fait le tour. C'est ça, vous aviez raison en fait les amis. Non y'a pas d'événement aujourd'hui, c'est demain 16h le premier event. Vous aviez raison en fait. Armure en fer vite fait. Non non ça c'est bon on fera plus tard. Juste je vais récupérer de quoi faire mes quêtes juste. Et de quoi me faire mon stuff et c'est tout. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Les mobs qui se TP comme ça? Et vous m'expliquer le but de cette cité à part que la France win. Eh ben le but c'est d'avoir le plus d'émeraudes possible au bout d'une semaine. Et pour ça il faut échanger des ressources au PNJ du centre. Merci pour le research. Et il faut améliorer notre vaisseau pour aller sur de plus en plus de planètes. Et donc pour cela il faut avoir un maximum de gold. Et c'est ce qu'on essaie de faire actuellement. On est combienième du classement? Pour l'instant deuxième, mais bon vous êtes du classement. Parce que de toute façon on vend pas pour l'instant. Le classement sera vraiment important à partir du... Je dirais... Genre... En vrai, troisième, quatrième jour et encore. Donc clairement quoi. Le best-of de la cité sortira dans 2-3 semaines à peu près, ouais. Enfin ça dépendra puisque bah semaine prochaine il y a les Guild Games, mais la semaine d'après elle sortira, ouais, sans problème. Clairement. Ouais, ça sortira début septembre je pense. En vrai, moi je mets une date. Allez, je balance tout. Je mets une date, je pense que ça sort le 9. Hein. Le 9 septembre, je pense. Voilà. Merci Théo Farmer pour le sub. Merci Alexandre P. pour le sub et Polocraft. Et je crois que j'ai dit déjà, oui j'ai dit déjà Polocraft, effectivement. Tu peux accoupler les chevaux avec des carottes dorées. Ouais. Ouais, mais du coup il faut des carottes. Le problème reste le même. Le problème c'est qu'on n'a pas de carottes. C'est ça le souci en fait. C'est qu'en fait moi je suis chaud mais comment on fait en fait là? C'est ça le souci. Ok voilà, moi c'est ça que je voulais de base. Voilà, c'est exactement ça que je voulais de base. Je voulais juste un shield. Le reste après on se débrouille. Et si c'est pas le 7, tu as un gage? Ou non, parce qu'en vrai si c'est pas le 7 ça veut dire que juste humainement possible c'était pas possible quoi. Humainement faisable. Enfin c'est pas humainement faisable, t'as compris quoi? Il y en avait sur la première planète? Ah mais sinon au pire ouais les zombies drop des carottes, au pire je farm les zombies quoi hein. Au pire hein. C'est vrai hein. Avec un peu de chance hein. Les dégâts du Bon on va éviter de trop s'amuser avec les slimes parce que bon. Ah c'est bon. Je vais en récupérer quelques-uns. En vrai c'est cool parce que ça fait de l'XP les petits slimes là. C'est ça qui m'est bien. Par contre je le vois là le frérot qui arrive là. Ok. Voilà, comme ça je récupère masse de slime les gars. Et en vrai ça nous servira pour des futures machines, ça nous évitera de revenir ici en vrai. Ah, j'espère qu'on va pouvoir en faire en vrai des machines hein. J'espère qu'on va pouvoir en faire en fait, c'est ça le truc hein. J'espère vraiment qu'on va pouvoir faire des petites machines. Ça pourrait être cool en vrai. Je comprends pas cette cité, ce qui fait que je préfère toujours la une. Bah après là c'est pas compliqué quoi. Enfin c'est pas compliqué, c'est juste que bah... Merci. Oui c'est différent de la une, c'est sûr que ça va pas être un copier-coller, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est pas une question de pas... Sinon c'est... le principe est le même que la première cité hein. Donc c'est vraiment la même chose hein. C'est... Il y a de l'or pour améliorer ta base, c'est la même chose que le 1. Et t'as les émeraudes qui t'apportent le classement. C'est la même chose que la 1. Littéralement la même chose. Sauf les maps et sauf bah, le côté un peu qui fait presque modé. Mais sinon à part ça c'est pareil, le même principe que la 1. Merci Toyster. Après les Guild Games tu vas reprendre BetterMC. Je vais faire un serveur BetterMC ouais. C'est surtout ça que je veux faire. Ouais, c'est plus ça, ouais. Y'a Nino, oui, Nino il est dans la kim, mais là il est pas là. Il arrivera ce soir. Ok, nickel. Oh, qu'est-ce que c'est ça là-bas? Oh! Vous avez vu ce que je vois là-bas ou... Regardez pile en face de mon curseur là, vous voyez ce qu'il y a là-bas? Y'a une toile d'araignée, messieurs dames.
Ça, ça veut dire beaucoup de choses. Aïe. J'ai 5 os, ça suffira pas ça pour les loups. Hein. Il y a une émeraude. Oh, il y a un mineshaft. Il y a un mineshaft perso. Merci Moon pour le prime. Tu lèves jusqu'à quelle heure? Tard. Très tard. Très 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 tard. Et merci Théo Farmer pour les 5 subgifts. Encore une fois, merci à tous. Merci pour les subgifts. Quel plaisir. Merci infiniment. Vraiment trop 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 gentil. Je vais récupérer masse de fils pour qu'on puisse se faire plein d'arcs pour la team. C'est quoi ça? Salut Fatou, ça vaut quoi? Les mineshafts puent la merde, y'a rien dedans. Ah bah vachement hein, du coup hein. Les mineshafts en question, les mineshafts qui puent la merde en question. Ah bah ouais hein. Hop. Allez, pioche en diams direct. Et on va commencer direct, bah on va faire le stuff hein, c'est parti hein. Vous savez quoi, hop. Allez c'est parti mesdames et messieurs, instant karma. C'est parti pour récupérer du diamant messieurs dames. Oh mais dis donc. Mais c'est que vraiment... Mais c'est vraiment exceptionnel tout ça. Alors là... En vrai ça pue pas tant la merde que ça hein, quand même. Hein. Jimmy est presque full D. Ouais. Mais c'est ce qu'on va faire. Hein. On va tous se mettre full D. On va aller s'enchanter après. On va essayer de se mettre vraiment très haut en termes de stuff. Parce qu'on a, on a débloqué la table d'enchantement. Merci beaucoup SLO Maniac. Et merci... Enfin Slow Maniac. Et merci pour les 5 subgifts aussi. Pour le sub et pour les 5 subgifts. Hein. Quel plaisir en vrai. Merci beaucoup. Merci vis-à-vis. Allez la France. Mais oui en vrai je pense que honnêtement ça va le faire. Franchement, vous inquiétez pas, on va donner notre max de toute façon. Plunder are allowed on planet without PvP. Ça veut dire quoi plunder? C'est quoi plunder? Le chat, vous devriez savoir. Oh là là, en vrai ça, attendez. Ça, je vais me mettre bien. Tu prends pas le lapis? Si, 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 c'est juste qu'en vrai, j'allais voir au bout. C'est quoi plunder? Pillage? Ah! Des volets! Ouais, voler les ressources quoi. Ok. Ah bah. Ah non, ok. Plunder has not allowed on planet without PvP. Ok. Ok, donc en gros, on n'a pas le droit de piller, on n'a pas le droit de récupérer des ressources des autres équipes. Ah, ça c'est une bonne chose. Ça évite. Enfin, en tout cas, tant qu'il n'y a pas le PvP. Donc c'est-à-dire pour le premier jour quoi. Ok. Ok, bon, ça me rassure un peu. Ça nous évitera de perdre toutes nos ressources ce soir. Mais après, il y aura du pillage bien sûr du coup. On aura le droit au pillage, mais quand tu auras le PVP. Et en vrai, ça paraît logique parce que si tu peux pas te défendre du pillage, bah. FF quoi, en fait. Tu vois, si un mec peut venir piller mais que tu peux pas le tuer, bah ça sert à rien. Donc en vrai, ça paraît logique. Hein. Ça paraît absolument logique. Hein. Bon, je vais récupérer un sac de fil, les amis, parce que comme ça, au moins, on va pouvoir faire des arcs complètement pétés. Et puis, même faire des Infinity, des trucs comme ça pour les dragons. Je vais tout récupérer, vous savez quoi? Hop, j'en récupère à mort. Là, j'en ai un stack déjà. On va se mettre vraiment bien. Il y a du diamant juste ici, on va récupérer. Tu voques pas avec les autres. Bah la plupart des gens sont mutés, voilà. Oh y'a Nino! Y'a Nino dans le channel, OMG! Enfin il est pas dans le channel mais il est avec Ninjax. Hein. On ira lui dire bonjour après. Voilà, voyez, regardez, Nino il est arrivé. Nino il est arrivé les amis. Il arrive. Je pense qu'il est en train d'installer les trucs avec Ninjax là justement. Ninjax est en train de lui montrer et puis il va se connecter. Ah mais il est connecté en fait. Il est directement connecté en fait, littéralement. Attends, je vais lui dire bonjour. Salut Nino, ça va ou quoi mec? Ouais, je ça va ou quoi? Je viens de dire bonjour parce que tout le monde chat depuis 2 heures, tu es la star de mon chat depuis 2 heures. Les gens me demandent si tu sais quand est-ce que tu viens donc voilà. Ah ouais. Ouais. Déjà la pression dès le début. Ouais, bah les gens disent il est où le mec qui va faire gagner l'équipe quoi donc. Et ben là j'arrive, je suis en train de tout configurer depuis tout à l'heure là pour Mko. Voilà. C'est magnifique. Tout le monde c'est chaud là. Bon mec en vrai franchement moi je suis très étonné de l'organisation de l'équipe hein. Franchement C'est vrai? Mais positivement bah carrément de ouf, je trouve que c'est vraiment hyper clean, tout est nickel carré, les gens savent ce qu'ils font, franchement honnêtement c'est vraiment clean de ouf quoi. C'est stylé, je ça va faire fermer des bouches sur Twitter ça moi je dis hein. Ah bah ça ouais. Ah je pense hein en vrai hein. Charles on gagne. Ah bah mec c'est même si on perd c'est la honte. C'est hein. Le but. On va essayer de gagner. Hein. D'ailleurs, Sylvano il m'a dit que si on perd, en gros, le roi de la première cité devait effacer son compte YouTube donc. Ouais, non, me le donner. Ah, te le donner. Mais ça va, t'as déjà une chaîne à je sais pas combien de millions. Non, mais toi, me le donner quand même. Eh bah écoute. Okay, ouais, voilà, super. T'as vu Nino donc faut gagner. Ouais, c'est super. Il a pas l'air très chaud, mais on va dire qu'il est chaud. Plaisir. Ouais, bah je vois ça, ouais. Ah, mais y a pas de problème. Non, mais ouais, il est pas chaud, mais il est chaud. Bon moi j'ai trouvé des mineshafts et apparemment d'après toi ça pue. Sauf que bah dans le mineshaft je suis presque full diams donc Mec écoute si tu veux savoir la meilleure strat j'ai un stack et demi de diamants là. Je me suis barré à 10 000 km, y'a personne là où je suis. Et ouais. Je suis dans une giga plaine, y'a que des diamants partout.
C'est vrai. Eh ben mec, c'est quoi, ramène-nous des stacks et des stacks et des stacks de diams. Eh ben je sais ce que je vais faire. Les gars, là, le but, c'est que de farmer, c'est ça? De l'or, pour l'instant, ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, il faut... Bah vas-y, il va t'expliquer, Ninjax, de toute façon. Il va tout t'expliquer. Vas-y, ça roule. T'inquiète, il va te... Il va Mais ouais, là, c'est un peu compliqué, vu que... Ce que je voulais savoir, c'est s'il y avait un truc comme l'année dernière, enfin, comme il y a deux ans, tu sais, où il fallait farmer les émeraudes dans une ville au début, genre, tu vois. Les têtes, tu parles. Les têtes, c'est ça. Ouais, il y en a. Ouais, il y en a. Ah, il y en a. Oui, il y en a 200. On a fait un petit doc, d'ailleurs. 200, mec. 200. Le doc, vous l'avez mis où? Dans le... Regarde le Discord, il y a un truc doc normal. Ah ouais, doc, c'est bon. Okay. Nino, je l'ai connu avec une voix insupportable sur Garry's Mod. Hein. Ah. Bah, il l'a toujours, hein, mais... je n'ai pas la ref, mais ça a l'air d'être... Il fait Nino Pellegrino. Je suis devenu un beau gosse entre-temps. Non, oui, ouais, ça dépend. Hein. Un beau gosse à la trentaine. Plus de la trentaine, hein. C'est vrai que tout à l'heure, on se disait c'était qui le plus vieux de la team. Au début, on était en mode, bah, c'est Frigiel, et en fait, après, on s'est rappelé de toi, en fait. Non, c'est Frigiel. Non, c'est toi. Ah, je crois pas, bro. Je crois pas que. Je crois que t'as genre 4 ans de plus, je crois. Non, je ne veux rien savoir. Bon, mais après, non, ça mais va. Mais en fait, le problème, c'est que t'es le daron, en fait. T'es obligé de. En fait, quand on fait des bêtises, t'es obligé de nous dire non, arrêtez-vous. Putain, vous êtes dans la merde là. Si on compte sur moi, c'est mort. Oui, c'est pas Nino qui doit faire ça. Nino, c'est le mec qui va fondre, qui va appuyer le truc plutôt. Ouais, c'est un grand enfant, quoi. En gros, c'est ça que t'es en train de dire. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de vous. Ça fait très bizarre comment tu le dis, mais ouais. Oh, ça fait plaisir d'entendre ça, mec. Ah non, mais heureusement, merci. Bon, allez, à tout à l'heure. Hop. Bon, je repars. Bah voilà, du coup, je l'ai dit bonjour parce que comme ça, au moins, vous me direz pendant longtemps, sinon. On est full diams. Et ben voilà. Et ben vous savez quoi, on va même plus que se mettre full diams. On va carrément regarder. Oh. Ici, on ne respecte plus rien, les gars. Hop, voilà. Ici, on ne respecte plus rien. On se met full diams, full stuff, tout machin. Hop, on récupère masse d'XP. On se met très, très yimbe. Très 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 bien. Merci. Et du coup vous avez entendu le retour du coup de Nino. Pardon, vu qu'on me demandait depuis des années s'il allait faire la prochaine Cité des Nations. En vrai je déconne même pas, franchement les gens, cette question ils l'ont tellement posée, c'est un truc de ouf, genre vous l'avez vraiment aimé Nino. Hein. Ouais là où on la fera, ouais, pour l'instant non pas besoin mais voilà. Merci Loris pour le subgift, merci Liam Diamonds. Liam Damons, à chaque fois je fais l'erreur, je suis désolé, ça fait 20 mois que tu subs et ça fait 20 mois que je fais l'erreur. Merci Peko. S-Aggressive, Chaos, merci pour la partie 2 de l'incroyable event. C'est pas moi qui faut dire merci. C'est pas moi. Moi je n'ai rien fait, mais clairement ouais. Le pack est vraiment beau par contre. Ouais, tout est stylé, franchement, tout est méga stylé. Puis en plus le fait est que, genre j'ai pas mis de Fulbright pour éviter de dénaturer un petit peu les grottes et tout ça. Genre j'ai un peu travaillé le côté visuel pour pas que ce soit hyper éclairé. Genre je trouve que ça apporte un petit charme le fait que ce soit un petit peu sombre quand même. Mais on peut voir, tu vois, on voit très bien quand même. Juste voilà, c'est pas éclairé comme si on était en pleine nature. Et en vrai ça fait plaisir, ça fait plaisir, c'est un petit charme, je trouve, j'aime beaucoup, clairement. Le prix des improvements and gold and skill was not up to date. Alors j'ai rien compris frérot, mais ouais. Attends. Le prix des améliorations et des skills à débloquer pour le truc, ok. Donc en fait ce sera un peu plus cher que ce qu'on a maintenant, ok. D'accord. Ouais, il voulait dire que ça va être plus cher de faire les améliorations, ok. C'est juste ça en fait. What happens if we buy improvement right now? Ouais, c'est une très bonne question parce que si c'est pas les bons prix qu'on achète maintenant et qu'ils nous risent à tout, je pleure. I cry. La cité est en quelle version? 1.19.4 les amis. Bon, c'est sympa en vrai, non? Où est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur la cité? Normalement, tu as un doc qui est... Bah non, il n'y a pas le doc qui est donné. On a le droit de le donner dans le chat, non? Le doc maintenant? Attends. Vous savez, ouais, si on a le droit, vous savez si on a le droit, ouais, de donner le doc dans le chat maintenant? Je pense que oui, quand même. Moi, je l'ai encore donné depuis longtemps. Mais attends, le doc, c'est vraiment le cité.nation.fr. Ah oui, c'est vrai, c'est city-nation.net. Bah tiens, hop, voilà, je voulais donner dans le chat. En vrai, si jamais ils veulent le cacher, c'est mal fait. Bah, il faudra la rajouter. Mais moi, je vois pas le lien dans le message épinglé, mec. Hein. Moi, je le vois pas, le message est trop long, en fait, Strelizian. Le message est trop long que t'as mis. Genre, ça cache le lien, en fait. C'est un nouveau modo, non? Non. Ah non. T'es en train de dire qu'il fait du très mauvais taf, c'est ça que t'es en train de dire? Non, c'est... Hey, oh, hey, décidément, là si. Non, j'aurais jamais osé. Non. Aujourd'hui, franchement, t'y vas. Je roast, hein. Je roast. Mais demain, ça va se calmer, je serai fatigué. Ouais, demain, ça va se calmer, là, ouais. J'espère bien que ça va se calmer, ouais. Ouais, j'espère. C'est un petit peu menaçant quand même. Bruit, j'espère hein. Que tu vas te calmer, Titi, ouais. Parle mieux voilà, de mon équipe là, ouais. Désolé.
Calme-toi bien. C'est quoi ces petites... Tu sais que je me suis inscrit à la salle ici maintenant, hein. Fais gaffe. Hein. C'est vrai, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, t'y es allé ou pas parce que... J'y suis déjà allé. Le problème, c'est que bah, je me suis inscrit le moment où je devais faire la vidéo. Donc depuis, j'y suis pas retourné, mais normalement, c'est une fois tous les deux jours. En tout cas, l'eau, il y va. Ça, je peux te le dire. Normalement, c'est une fois tous les deux jours. Ouais. C'est énorme. T'es chaud, ouais. T'es chaud, t'es ambitieux. Ouais, okay, mais en fait, on a deux activités différentes. En fait, on a de la salle directement et on a de l'aqua, je sais plus quoi là. De l'aqua cardio, je sais plus quoi. Okay. Je sais plus, mais en gros c'est la salle mais dans une piscine quoi en plus. Hein. En fait on fait un jour et on fait une séance la salle et une séance le truc dans le... Trop stylé. Ouais, c'est 100 fois plus dur que la salle, ouais, genre c'est un truc de fou. Mais, frère. Mais c'est stylé. Ouais, on fait ouais, bah, t'as fait une séance, tu râles déjà, bah donc. Non mais je râle pas, non, je suis en train d'expliquer. C'est juste que je pense que ça va être plus kiffant que la salle. J'ai Lou qui est revenu du sport hier, elle m'a dit il m'a tué, je le déteste ce prof, il m'a dit. J'aimerais ouais, mais bon. Elle, ouais, en vrai, c'est trop bien. En vrai, c'est trop stylé. Et c'est, ouais. Et c'est quoi la volonté? C'est prendre du muscle? Moi, c'est prendre. Oui, non, juste faire du sport. Ouais, moi, je veux en perdre là, ouais. C'est ça, ouais. Ouais, moi, je veux perdre du poids, c'est ça, ouais. Bah, je veux repasser à 50 kilos là, je trouve que ça fait un peu trop 60. Dans les deux sens, c'est la deuxième fois parce que Titi a dit que j'étais gros tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, il a dit. Et décidément, ça rose aujourd'hui, hein. Putain, Titi. Ça se voit que t'as mangé des kebabs, toi. Non. C'est vrai que c'est ce que j'ai dit. Le merci pour les 17 gifts. Enfin, les 15 gifts même. Du coup, parce qu'il est en sabbat en merci machin. Beaucoup. Et gros. Que j'ai entendu. Merci, merci pour merci le kebab. Frérot. Donc j'ai dit, ouh, t'as dû manger beaucoup de kebab aujourd'hui. C'est pas clair. Ah, c'est la... pas très clair. C'est si, pas très clair. Si, après, c'est pas clair ce que tu dis. Franchement, moi, perso, j'aurais pensé que tu m'insultais si t'avais dit ça. Moi, je l'ai pris vraiment très mal. Mais écoute, je m'excuse. Voilà, je. Mais à coup pas. Bah, j'accepte pas tes excuses encore. Peut-être demain. C'est quoi que tu prends le plus mal, Bichard? C'est ça ou le fait qu'on rigole sur le fait que t'aies quitté le stream? Non, moi en fait, j'ai aucun problème avec ça, c'est juste que j'aime pas trop l'humour sur le fait de descendre les autres. T'arrives bientôt sur moi ou pas là? Non, parce que j'ai un problème. Ouais, c'est en fait l'humour sur le fait de descendre des gens, je suis un peu contre ça, tu vois. Il y a plein de manières d'être drôle, et tu peux être drôle en valorisant les gens plutôt qu'en les descendant, tu vois. C'est un joli message, bravo. Bravo, non, c'est vrai. Non, bravo. Bravo. Voilà. Bravo, bravo. Bravo pour les valeurs. Moi je pense qu'on peut rire de tout. Mais pas avec n'importe qui, voilà, je le dis. Non, mais Titi, pitié. Mais tu sais que tu vas te faire foutre. Tu sais que ça non, va. C'est avec... trop. Allez, elle me descend, voilà, pour faire rire les gens, ça me dégoûte. Non, en vrai, Bichard, c'est juste pour dire que, en gros, descendre, ça me dérange pas quand c'est mes potes, par exemple. Tu vois. Enfin, quand. Bah ouais, voilà, c'est ça, je suis d'accord. Quand c'est des potes proches, j'ai aucun problème avec ça. C'est ça le truc, c'est ça que je veux dire. Ça dépend en fait qui c'est. Quand c'est des gens que je connais. Mais de loin ou on sent que c'est malsain en fait, tu vois, c'est ouais, un peu malsain, tu vois. Bah, c'est un peu malveillant, et ben j'aime pas du tout, tu vois. Totalement. Mais d'accord. Que ce soit sur moi ou sur quelqu'un d'autre. Hein. Du coup, moi j'ai le droit de te vanner, du coup. Et bien sûr que t'as, tu peux me vanner tous les jours, frère, si tu veux. Oh. Lundi, c'est mardi, mercredi, oh. Ouais. Okay, mais par contre, au bout d'un moment, je te pèterai la gueule. Et jeudi Sur le sens, je rigole, je rigole. C'est sur la salle, depuis un jour. Non, mais t'es sûr, hein? Non, mais je nage dans la piscine, hein, fais gaffe, hein, attention, hein. Je nage, hein, je sais menace, pas ce qui est en train de se passer là. Te brasser. Fais gaffe, hein, tu vas. Ouais. La menace a un nom, hein. Tu vas te prendre un crawl arrière, tu vas voir, mon gars, tu vas voir ce qui va se passer, t'es pas prêt. T'es pas prêt pour ça. Papillon, Allez, je vais faire le papillon, hein, fais gaffe, hein. Merci, ouais, c'est encore plus flippant ce que tu viens de dire là, merci, ça fait bruit dans mes phrases de méchant, ça. Par contre, vraiment, je suis inscrit à la salle depuis février, moi, Gil. Voilà. Non. Tu payes ton abonnement et t'y vas pas? Je vais péter les plombs, frère. Je vais péter les plombs. La vérité, c'est qu'à la base, un Basifit a ouvert et ils étaient en mode c'est moitié prix. C'est moitié prix. Donc je me suis dit, c'est stylé. Non, mais chez moi, là, chez mon père, tu vois. Il y a un Basifit qui a ouvert. Incroyable. Ça fait déjà depuis février que tu as déménagé. Du coup, il y avait 15 euros. Merci, 6ème du nom, merci beaucoup. Je me suis dit, bon, je le prends, j'irai, j'aurai pas le choix. C'est le prix normal, non? Ah bon? Bah, normalement, c'est. Je crois que c'est 25 normalement. Ouais, c'est plus cher. Ça peut être plus cher. Par mois. Ouais, ok, ouais. Ah, on a apparemment un connaisseur qui vient de. Ok, Bichard, tu veux nous en parler, Frigel? Non, Frigel aussi, il a dit normalement c'est presque une trentaine d'euros, donc en vrai, tu t'en sors. Oui, non, c'est ça, ouais, c'est la moitié prix, donc c'est 30 euros du coup, je pense. Tiens, Frigel, depuis qu'il fait plus des BD, il a investi dans des Basic Fit en fait. En fait, il a acheté des Basic Fit et voilà. Bientôt, ce sera plus Basic Fit, ce sera. Frigel et Fit. Frigel et Fit. Frigel et Fit. C'est nouveau. Oh, Frigel et Fluffit. Titi, stop. Pardon. En vrai, c'était bien. C'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Honnêtement, c'était pas mal. Non, j'ai une question sur les trucs dans les main chats parce que depuis tout à l'heure, je suis là. Il y a des petites pousses là qu'on peut pas récupérer qui sont dans les main chats. Et ça sert à quoi?
C'est les bah, poules de mangrove. C'est les arbres de mangrove. Mais faut pas les récupérer, je veux dire, parce que ça s'enlève. Quand je j'arrive pas. Ça s'enlève. Ouais, ça pas. Vous avez essayé avec une. Peut-être une cisaille, je sais pas, non ? Oui, pareil. Ça marche pas, cisaille. Stick touch alors ? Ah non, à la main on peut. Hein. Ah, j'ai pas essayé. À la main ? À la main ? Moi j'ai pas réussi. Marche pas, à la main. Marche pas à la main, merde. Les gars, y'a des axolotes vous aussi ? Oui. Un peu random. Ils sont beaux, ils sont très jeunes. Je vais monter niveau 30 là, je vais faire de l'XP. T'as un problème avec. Avec les axolotes jeunes, aucun. Tu veux parler. Ok. De pire en pire, tiens, de pire en pire. Hein. Non, mais vraiment, Titi, t'es à la limite. Mais moi, ça. Perso, ça me choque vraiment le vocal, non, mais bon. Je suis désolé. Je préférais quand t'étais muté finalement. Oh putain, je me suis même pas muté. Non, arrête, dis pas ça. Non, mais ça descend les potes. Non, mais ok. J'avais dit qu'il y a pas de soucis, c'est un pote. Bah, non, mais t'as dit que c'est pas de soucis, c'est un pote. Non, y'a pas de problème, du coup, vas-y. Après, faut peut-être qu'on se mette des limites, les gars, parce que sinon, ça peut aller très loin cette histoire. Peut-être qu'on se mette des limites. Le harcèlement, bon. Ouais, un peu. Merci Lucky Banks, merci beaucoup. J'arrive. Ah mais attends, eh, par contre, eh, le taf le taf sur les têtes par contre insane hein. Franchement ah ouais. Bah de ouf mec hein. Bah le doc il est trop bien là. Bah hey, mec le doc ah il est oui, rempli le de doc ouf en fait. Ouais. Bon mais il rempli de rien. Hein. Oui, j'ai un peu oublié au départ mais après j'ai continué après. Mais t'as combien toi soul de tête là? Mais t'en as beaucoup plus que moi hein. Je sais pas, je suis à 120. Incroyable. Mais Slowmaniac, OMG. Mais c'est quoi tous ces subs? Ils ne s'arrêtent plus. Il est on fire. D'ailleurs, vous savez, en plus, c'est très marrant parce que là, il y a la cité, mais le week-end prochain, vous savez ce qu'il y a? Bon, il y a les Guild Games, oui, d'accord, mais il y a le September sur Twitch. Hein. Donc c'est fou. Vous savez que cette année, alors je sais pas si on peut en parler vraiment, mais cette année, pour le September, ils ont fait en sorte que les sub gifts, à la fin du mois de septembre, vous pourrez avoir des sub gifts moins chers. C'est ouf. Mec, vous aurez des réductions sur les sub gifts, hein. C'est ouf. Hein. Donc voilà, si vous voulez resub au mois de septembre, bah vos subs au mois de septembre coûteront moins cher. Voilà, normalement. Par contre j'ai méga chaud là, même avec la clim, qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Je suis en train de mourir là. Il fait quand même 500 degrés là, pourquoi en fait? Pourquoi il fait 500 degrés comme ça? Pour info juste je vais monter, attendez il me faut combien? Niveau 30, 33, 36... En vrai l'armure en diams pour l'instant c'est pas vraiment nécessaire qu'on l'enchante. Je pense qu'on va éventuellement se mettre genre 36 pour avoir 3 enchantes. Genre hache, pioche et tout ça. Hop. Hop là. Hop. Parfait. Eh bah ça régale messieurs dames. Eh bah ça régale en vrai, ça nous met bien tout ça. Pardon, attendez. Hop, voilà. Là chez moi il fait 23 degrés. Mais mec j'aimerais bien hein, franchement là. Enfin c'est pas que j'aimerais bien, mais j'aimerais bien qu'il fasse un peu plus frais quoi. Mais j'ai pas envie de me barrer quoi. Tu récupères pas l'or? Non, non. Non, non, moi j'ai assez juste pour faire les pommes d'or et après l'or on ira améliorer avec les pastèques et tout genre. Moi j'aimerais bien faire une hache sick touch en gros. Et en gros bah l'or ça va être très simple hein, c'est après on récupère des pastèques et un stack de pastèques c'est genre 16 gold hein, donc ça va très vite hein, après hein. Franchement après ça va vraiment à une vitesse mais qui est hallucinante hein, je pense que tout seul, même à deux on finit tous les paliers des améliorations ce soir hein, si on a sick touch hein. Donc honnêtement legit c'est pas un problème ça je pense hein. Vraiment, merci Vogue2Be, profite de cette semaine en espérant que tout se passe bien. Bah écoute Wok, je tiens à dire que le taf a l'air monstrueux et bravo. Parce que ça a l'air énorme, merci Wok. Pour ça. Merci Com, merci Eddy pour les 25 mois de sub. Et j'espère que le prochain event des Kalia vous le ferez quand je serai là s'il vous plaît. Je vous en prie en fait, l'équipe. Genre essaie de me dire à l'avance si tu peux quand vous avez les dates du prochain event Wok. Comme ça moi j'essaie de rien prévoir pendant ces dates là. Genre par exemple les vacances ou les trucs comme ça, parce que là, je vais partir en vacances je pense dans les prochaines semaines mois. Je vais sûrement prendre quelques jours après là parce que... Donc voilà, et c'est le maniaque qui offre encore 10 sub gifts. Et je vais éviter de taper sur mon bureau sinon je vais débrancher ma GoXLR. Merci beaucoup Bambou pour les 6 mois de sub. C'est incroyable, merci à tous. C'est une dinguerie les gars, merci beaucoup pour ça, franchement ça régale. Hop, j'ai mis ma playlist un peu, désolé. Vous voulez pas faire une farm à melon pour ce soir? Je sais pas si c'est vraiment rentable pour ce soir. Honnêtement avec la... Je sais pas si c'est vraiment rentable là actuellement. Merci Bessod, merci Alexandre. Si aujourd'hui Guy n'atteint pas les 3550 subs, demain pas d'histoire du jour. Oh non. Oh non, pas d'histoire du jour. Incroyable, merci beaucoup Slowmaniac, vraiment c'est trop gentil, what the fuck. Genre t'as fait combien? T'as dû faire 40 sub gifts là déjà, c'est incroyable. Voire peut-être plus même, je sais même pas. Merci beaucoup hein, vraiment. Incroyable. Et merci pour tous les subs tout court aussi qu'il y a, ça régale. En vrai le rush 1.5 XP peut s'avérer être utile. Mais carrément, mais je suis totalement d'accord. Mais c'est pour ça que moi là je veux me mettre très rapidement niveau 5 ou un truc comme ça. Essayez vraiment d'avoir une hache sick touch si on peut. Et après les gars bah ça part quoi en fait hein. On se fait une sick touch et puis après on améliore le truc pour aller chercher le... Pour aller chercher le x1.5 d'XP hein, on va pas se mentir. Ça plus le hast, hein. Ma l'XP de ouf après que ça va être. Ça va être insane hein, vraiment.
Vraiment, ça va être un régal. Mais j'ai hâte de voir les quêtes et les autres planètes qu'on va avoir aussi demain et tout ça. Ça va être vachement cool, je pense. Hein. Ça va être vraiment, 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 vraiment cool. Shroom Light donne beaucoup de gold. Donne beaucoup plus de gold si nécessaire. Oui, c'est vrai. Attends, d'ailleurs, la Shroom Light, c'est avec quoi qu'on les récupère? C'est avec une pioche ou une hache? Pioche, non? Donc en vrai, juste, je fais une pioche et puis... Ah, c'est avec une houe? Ah! Ben, on va chanter une houe alors. C'est une houe quoi qu'il faut? Effie, genre? Effie, Sick Touch? Ou est-ce que ça se récupère entièrement? C'est une bonne question. Merci Slomaniac encore une fois pour les 5 subgifts. Les 10 subgifts, c'est incroyable. Merci beaucoup, j'allais dire les 5 subgifts. Merci beaucoup. Et voilà, 60 subgifts. Merci du fond du cœur. What the fuck? Merci, c'est super adorable, vraiment. Ok, efficiency seulement, donc pas besoin de Sick Touch. Ok. On arrive déjà à 5500 subs, ça n'a aucun sens. Dès le premier jour, eh ben, je vous remercie très fortement les amis. Merci pour tout, je vous aime fort. Merci d'être aussi nombreux, ça régale. Vous farmez quoi? Moi je suis en train de prendre un maximum d'XP dans les grottes pour pouvoir aller m'enchanter après. Merci encore pour le subgift. Et voilà, tu voulais la première place en fait, c'est ça ce maniaque. Tu voulais juste la première place en fait, je capte. Je capte de ouf. Ok, moi je suis en train de farmer de l'XP là pour tout simplement aller m'enchanter niveau 30, mon stuff. Et puis ensuite pouvoir aller farmer un maximum l'or pour récupérer tout simplement... Eh bien le... En vrai, il y a peut-être que l'or à farmer ici, du coup, une fois qu'on aura fortune, sera plus rentable que farmer du coup le reste. Hein. On va voir. C'est combien les Shroom Light? Vous avez ceux qui ont dit l'info là, vous savez combien c'est ou pas là? Les Shroom Light, hein. Combien ça rapporte? Est-ce que c'est plus worse de venir casser l'or ici ou de casser les Shroom Light? Et merci. Oh, oh, what the fuck. Merci Mr. Skate pour les 62 subgifts. What the fuck. Oh la dingue! Merci pour le risque. Waouh! 62 subgifts plus un sub. What the fuck? Plus un sub tier 1! Mais c'est incroyable! Merci Luc Maubin pour le prime et un pack de soutien. Et Slomania qui réoffre 2 subgifts du coup pour l'emprunt. Non mais what the fuck? Oh, 62 subgifts, t'es un malade! Mais vous êtes des fous tous les deux là! Vous êtes des oufs! Hein. 62 subgifts! What the fuck? Alors, je m'attendais pas trop, mais merci beaucoup, what? Ah ouais, je sais même pas quoi dire, hein. Franchement, merci du fond du cœur. Hein. Le business juteux, c'est plus les UHC, mais les cités. Mais mec, ça a jamais été les UHC, hein. Ça a toujours été les cités, les business juteux. Hein. Les cités, c'est broken. Merci pour les 5 subgifts, les amis! Merci beaucoup, tout le monde, mais c'est trop gentil, quelle générosité. Merci Mister Nono aussi pour le prime. Putain, quelle générosité. What the fuck? Oh, je suis choc bar, les gars. Merci pour ça, en fait. Vous êtes en train de me choc bar, là. Incroyable! Merci Mister Nono pour le prime encore. Hein. Je crois que j'ai déjà merci, mais en fait je le remets. Merci beaucoup. What the fuck. Merci infiniment les gars, vraiment. Hein. Pendant que je récupère tout cet XP sur les slimes. Merci Capoflo, merci pour le prime. N'hésitez pas à claquer vos primes s'ils dorment. Comme ça vous pourrez les reclaquer plus rapidement le mois prochain à un autre streamer ou moi si vous voulez. Au choix, c'est vous qui voyez. Vous mettez chez qui vous voulez quoi. Et du coup ça régale, merci à tous. Si tu sautes pas quand tu frappes avec l'épée, ça fait sweeping edge. Ouais, mais en vrai, mec, le bruit du coup critique il me satisfait trop. Regarde, écoute, écoute. Ah merde, là. Comme ça là. Ouais, et tous les primes qui sont claqués, let's go. Merci Backsword pour le resub, Flavito pour le prime, Crouler, Sushan. Il s'est passé quoi? Bah écoute, pas grand chose, juste au début on est en train actuellement de récolter des minerais, voilà, et de l'XP en même temps. Comme ça on va se mettre tout simplement full stuff et commencer cette cité avec le petit stuff qui fait plaisir dès le début. En fait ça régale parce que ça change vraiment des autres cités ce qu'on est en train de faire avec le système un peu de planète qui enlève un peu du vanilla. Ça fait carrément plaisir. Et voilà. Et le petit coup de sweeping edge, comme vous me l'avez dit à la fin. Alors du coup, ça c'est quoi? Non, c'est pas comme ça qu'on fait les blocs de slime. En vrai, je vais virer les pastèques pour l'instant. Je vais récupérer masse de slime et on ira les poser dans le truc de stockage. Merci Ryan Bear. Ryan Bera, je sais pas si c'est Ryan Bear ou 4 ou si c'est un A, je sais pas. Merci mon gars. Merci Azlock pour le prime aussi. Et Kritos. Et Lirose aussi. Et Zikiwitrusk. Et Mechagon aussi. Et Further HD TV. Merci beaucoup. Oh, what the fuck. Trop de monde à lire. Merci à tous les amis. Jette la nourriture de mouton. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai et c'est pas faux. C'est ça qui est beau. C'est que c'est vrai et c'est pas faux ce que tu dis. C'est qu'en plus d'être vrai, ce n'est pas faux. C'est fou ça quand même. Récap des améliorations qu'il y a eu pour l'instant. On a aucune amélioration. On a juste débloqué la seconde planète. Et pour l'instant, on va rusher la table d'enchantement de mon côté là. On va rusher les bons enchantements. Et ensuite, on va rusher l'or pour rusher les améliorations. C'est-à-dire notamment le x1,5 XP qui pour moi me semble absolument nécessaire. Trop important pour bien se stuffer. Et c'est vraiment le premier truc qu'on devrait avoir.
Parce que comme ça on pourra s'enchanter beaucoup plus facilement tout le monde et donc on pourra être beaucoup plus à farmer correctement. Donc ça fait plaisir. Il y a combien de planètes? Je crois qu'il y en a 6-7 comme ça, donc clairement ouais. Clairement. Merci Infano, merci Jill. Pardon, oh merde, je me suis muté, pardon. Merde, je me suis mis sur ma touche de mute, désolé. 30 et puis c'est parti quoi. Bonjour, ça va? Ça va? Bonjour, bonjour, ça va? Vous êtes niveau combien? Interdit, ban. On est niveau 27. Waouh! Bravo, waouh! Bravo pour le niveau 27. Ouais, super. Et toi, t'es niveau combien? 32. Ah oui, ah, je suis pas. 32, tu formes quoi pour 32? Bah, du lapis, mec. Du lapis, ouais, ça ouais, et des slimes. Pareil, là. Et des slimes, j'ai un stack et demi de slime, de slime ball. Ah oui, là, j'ai trouvé. J'ai une chaîne 6-4 au niveau 30. Bah, du coup, ça va farmer en légende de l'or une fois qu'on a tous des bons enchantements, je crois. Je crois, ou du lapis. C'est le lapis le plus rentable. Ah merde, je suis pas fou de lapis, pareil. Point d'exclamation. Ah merde, j'avais pas mal. Oh, yo Jimmy, hello. Là tu parles tout seul. Ah ouais, Jimmy, merde, tu parles tout seul totalement. Ah merde. Oh. I don't have anything on me, oh, anything is on the ship, sorry. Oh putain, mais pourquoi tu t'es mis à nous parler anglais d'un coup là? Oh là là. Désolé, désolé, il y a des Brésiliens, moi je... C'est vrai discute. Par contre, attends, ça, tu parles au Brésilien? Tu parles au Brésilien? C'est-à-dire que tu vas être invité sur le QSMP, tu leak? Putain, la chance, la chance. J'en ai parlé une fois, c'est bon. Jimmy, si jamais dans les merci, dans les merci beaucoup écrits, pour le sub gift. Donner un item à notre ally, à notre ennemi sous quelque forme est bannable. Oh, j'ai donné deux sticks, je vais être banni. Ah, c'est banni ça, mec. Ouais, fais gaffe, hein, c'est banni. Deux sticks, je vais être banni. Non, mais si tu veux quelque chose sur moi, je n'aurais rien filé. Tu crois quoi? Eh oh, ok, tu gardes. T'as cru c'est l'abbé Pierre ici ou quoi? C'est la diplomatie là, t'as menti. C'est l'abbé Pierre? Bah, bien sûr. Bah, non, c'est l'abbé Pierre du coup. L'abbé Pierre, pas mal. Parce que c'est avec abeille aussi dedans. C'est l'abbé Pierre. C'est une abeille qui s'appelle Aïe Pierre. Et elle vole. Allez, on fait comme ça alors. C'est super long. C'est long comme blague. C'est très très long comme blague. Ça s'arrête vraiment là, c'était. Ouais. Et du coup, je vous ai raconté l'histoire de l'abeille. Genre, elle vole du coup, et après, je vous ai pas dit ce qu'elle faisait. Elle va butiner son petit miel. Elle ruche. Ça fait truche. Elle ruche. Ouais, voilà, c'est ça. Elle fait du ruche sur Minecraft. Elle fait du ruche. Enfin, comme le mode de jeu. C'est le nouveau mode de jeu. Elle fait du ruche. Et il y a une fin à un moment ou pas parce que. Ouais, mais attends, parce que ça c'est le début de l'histoire en fait. Attends, je te vais te parler de la vraie histoire. En gros, la vraie histoire après. Je suis très mauvais en impro, donc j'ai plus d'histoire. Voilà. Ouais, bah. C'est fini. Mais après, elle meurt parce que les abeilles sont en voie de disparition et voilà. Les gars, Pierre n'est plus là et voilà. Ah mais on n'a pas le même spawn en fait avec les autres. Ok, je comprends. Parce que en -600, -1400, j'ai retrouvé une sorte de station. Non, c'est pas vrai. Tu peux repartir dedans ? Mais je ne savais pas. Et j'ai pas envie d'essayer parce que j'ai peur de. Ah mais c'est pour ça que des fois on peut plus casser des blocs à certains endroits. On a le spawn protect des fois. Exactement. OMG. Mais du coup, parce que l'autre, j'ai pas. Merci Sushi. J'ai pas vu de ça. Merci beaucoup Phoenix du 68. Genre on était tous au même. Vous voulez trop ça ? Moi j'ai très soif, donc je me permets. Désolé pour la cam les gars, elle est trop chaud aujourd'hui. Bois. Bon, j'ai pas trouvé Blossom, putain. Si jamais les gars, ouais, il faut vraiment en prendre parce que c'est la dernière fleur qui va vous manquer normalement pour la quête de la fleur. Mais tu peux pas en prendre plus sinon pour nous tous, en vrai? Bah j'en ai pas trouvé du coup, voilà. Mais si j'en trouve, j'en prendrai le plus possible, mais... Ouais. Mais est-ce que t'as fait les autres fleurs? J'en ai une, 2, 3, 4, 5, 6 sur moi. Ok, sache que déjà c'est pas toutes les fleurs qui sont... J'ai pas de coquelicot. Ok, coquelicot. Mais écoute, dans le vaisseau, il y a des coffres à un moment. Le coffre en haut à gauche, j'ai mis des fleurs que j'avais, voilà. Ok, oh c'est sympa ça. Eh ouais. T'es vraiment, quelqu'un d'adorable. Coup, team player. Pour reproduire les poneys, c'est des carottes en or ou des pommes en or? Eh ben les deux fonctionnent, mais il faut d'abord que tu le tames, je crois. Il faut d'abord que tu l'apprivoises, le poney. Comme la main, en fait. Ok, et du coup il y a poney, il y a loup, et c'est quoi le dernier? Lama. J'ai déjà fait lama. Mouton. Et mouton, c'est quoi? C'est du blé aussi? Du blé, c'est tout. Non, c'est de la bouffe de mouton, faut que tu leur donnes de leur propre bouffe. Non, c'est comme les vaches, c'est horrible. Comme la vache, hein, c'est pareil. Hein. C'est vraiment infâme, Guillaume. Hein? Ah, c'est vrai que la. Je fais un être infâme. J'ai que 19 diamants? Ah, mais non, j'ai développé une. Venant de toi, ça me fait plaisir. Après, comme tu l'as très bien dit, je suis. Putain, mais tous tes perroquets, il va falloir que tu les ramasses, hein. Quoi, pardon? Ah oui! Ah! Ils sont toujours là-bas, tes perroquets, ils t'attendent là-bas! Ah ouais! Là c'est horrible, hein! Vraiment! Ah ouais, là c'est infâme là! Oh! Ah mais c'est même pas dehors, là il fait 40 000 degrés, pourtant j'ai la clim, hein! Mais je suis en train. Ouais, il paraît que c'est dingue, hein! Il paraît que c'est dingo, hein! Vous avez lu Boruto, le chat? Il paraît que c'est dingo! Parce que du coup, vu que moi je suis Anime Only, donc c'est un peu chiant.
Mais il paraît qu'en manga, apparemment, c'est ouf. Hein. Il paraît. Merci Nevos, merci Miku, merci Grunak. Merci beaucoup. Coucou tout le monde, vous allez bien? Bah ouais, de ouf, hein. Ça va, hein. Franchement, ça se passe, hein. Le sub goal. Hein. À quoi on a déjà dépassé? Ah oui, d'accord. Ah oui, mais ça va, c'est... ça va, vous. Ah oui. Bon, ça va en vrai. Je sais pas, non, c'est à 3006, je crois. Mais du coup, j'avais mis. Hein? Ah, c'est 3007? OMG, oh non. Il va falloir donner plus. Ah oui, c'est 3007. Ah oui, si on fait le nouveau concept que tu m'as dit hier soir. Ah, ça c'est trop bien ça en vrai. Mais ça demande un peu de préparation quand même. Genre. Un tout petit peu, genre. Un tout petit peu de préparation. Un petit peu beaucoup de préparation. Mais le concept est insane. Donc ça ferait peut-être une nouvelle série en septembre. Non mais moi je suis en train de mourir de chaud là. J'ai bu de l'eau, je suis en train de crever là. J'ai toute la sueur qui ressort là. T'as pas la sueur mais le... Qu'on appelle ça là, la chaleur intérieure. Hein. Parce que moi je suis quelqu'un de très chaleureux. Donc j'ai ma chaleur qui... ressort là. Non. Ça s'appelle pas de la transpiration, ça s'appelle... Voilà. Bon, niveau 32 en fait, on aimerait bien être niveau 33 ou 36 pour essayer de s'enchanter rapidos là. Et merci Mr. Sky qui offre encore 10 subgifts hein, et qui du coup écrase toute la concurrence en fait. Hein. Grand malade que tu as fait 72 subgifts en 10 minutes, merci beaucoup frérot. Hein. Bah merci infiniment en fait. Hein. Merci en fait. Hein. Le business est beaucoup trop juteux, on va faire des cités des nations toutes les semaines je crois les gars. Hein. Non je plaisante. Merci beaucoup et merci Zax. Également, merci beaucoup pour les 72 subgifts et merci à toutes et à tous d'être là. Tous ceux qui lâchent leur prime, tous ceux qui sub, qui ont fait des subgifts n'importe quoi, ou même juste ceux qui sont là. Franchement, merci à tous. Tu ne tiendrais pas? Ah bah je te jure qu'en vrai... Si, en fait, les cités, c'est pas très dérangeant à partir du moment où tu as un rythme. Genre par exemple, une cité de 1 mois, ça serait... Je pense que c'est largement tenable à partir du moment où tu gardes un rythme et que tu ne te tues pas la santé. C'est-à-dire que si tu te dis, eh ben, de telle heure à telle heure, je mange tous les jours, de telle heure à telle heure... Je dors de telle heure à telle heure, à la limite, juste tu prends l'air 30 minutes le matin avant de commencer. En vrai, ça se tient large, hein, en vrai. Hein. De vrai, hein. Ça se tient, c'est juste qu'en fait, il faut savoir s'organiser et avoir un rythme. Mais voilà, après si tu fais comme Omega et tu fais des streams 48 heures d'affilée pendant, comme pendant la dernière cité, bah oui, là, effectivement, c'est dur à tenir. Mais bon, Ninjax demande l'écho du vaisseau, j'en ai aucune idée, frère. Merci Love Matisse. Love Matisse, Baka, ou... Eh ben dis donc... Bah là tu vois j'ai les frissons là d'un coup hein. Frissons de gêne là. Merci Arsenic pour le prime. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à tous. Et encore merci d'ailleurs sur les retours, pour les retours sur la vidéo d'hier. Hein. Vraiment merci à tous. Elle est absolument, c'est absolument insane tous vos retours. Vraiment. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une vidéo qui avait autant plu dès le début en plus là. Donc vraiment ça fait carrément plaisir pour le coup. Vraiment. Vous me régalez la team. Vraiment. Vous me faites trop plaisir. Donc merci à tous en fait. Voilà. Merci beaucoup. Ça me régale. Je vous aime fort. Voilà. Tu gagnes de l'argent grâce au Prime. Je gagne même plus d'argent que les subs normaux si tu veux savoir. Tout à fait. Parce qu'en fait les subs normaux il y a une petite taxe qui est prélevée par Twitch qui n'est pas sur les subs Prime. Donc du coup bah voilà hein. Mais bon ça, on parle de 10 centimes de diff quoi. Je devrais enchanter de pioche et retourner miner, ce sera plus rentable. Ouais, de toute façon, je suis niveau 33, c'est ça que je voulais. Voilà, je voulais monter niveau 33 et puis après, je me barre. Merci pour le risque. En vrai, il y a du petit lapis là, on va pas le laisser. Je vais aller m'enchanter rapidos. Au moins, je pense enchanter ma pioche. Ça serait bien que je l'enchante fortune parce que, en vrai, je viens miner tout l'or et je me fais des stacks d'or en fait. Parce qu'avec la fortune, ça peut aller vite, mais qu'est-ce qui est plus rentable? Est-ce que c'est plus rentable la shroom light en sachant qu'il y en a de partout ou est-ce que c'est plus rentable d'aller faire de l'or ici en sachant qu'avec de la fortune, je peux avoir 3 d'or par minerai? Mais le problème c'est qu'il n'y en a pas des masses non plus, genre il y en a mais c'est pas, il y en a pas de partout, tu vois ce que je veux dire. Donc bon. C'est là pour rentrer? Je sais pas où c'est pour rentrer les amis. Je pense que les shroom lights c'est plus intéressant je pense, hein. Mais bon. Comment je rentre? C'est là? C'est là pour rentrer? Fais-toi une sick touch, puis une fortune 3. Oui non mais c'est ce qu'on va faire clairement, on va essayer de s'enchanter comme il faut. Hein. Merci Arsenic, merci Améléor, et merci Droglagno, il y a pas de G, Droglagno. Mais c'est où en fait qu'on rentre là les gars? Merci pour le risque. C'est où qu'on rentre? Donne l'écho, mais non mais c'est pas là mec en fait. Merci Magic Girl 84, merci beaucoup. Oh, quelqu'un qui vient du 84. Ça fait plaisir ça. Ça a l'air d'être là en vrai, non? Bah non mais c'est la même chose en fait. What the fuck, c'est pas le spawn ici. Bah ouais. Mais ça sert à quoi cet endroit du coup là? Ça sert à rien.
Ça sert à rien cet endroit, tu vas me dire là? Bah. Bah, what the fuck? Attends. Ouais, on bouffe, là, excusez-moi, les amis. Oui, oui. Vous sauriez où... comment on rentre en fait de la planète 2 là? Au 0-0. C'est au 0-0? Ouais. Oh, d'accord. Ah, merci les boss. Je suis en train de chercher depuis tout à l'heure. Bah, ouais, moi j'ai trouvé un autre truc, mais c'est pas ça, tu vois. Ah, moi aussi. Il y a plein de petites bases, mais j'ai trouvé des zombies avec des pioches enchantantes. Oui, moi aussi. Je sais pas, c'est un peu chelou. Des zombies avec des pioches enchantantes. Ils ont dropé de l'or. Ils ont dropé de l'or. Merci les gars. Merci du coup. Je vais en 0-0. Merci, ouais, 84 représentants, j'ai vu dans le chat. Let's go les gars, let's go. Le 8-4. Bah oui, hein. Merci beaucoup. Hello Thanas, Skell Abruti. Merci pour les primes et les subs. Pas que les primes. Oh, mais mec, ce filon ne s'arrête jamais. Qu'est-ce que c'est que ce filon? Qu'est-ce que c'est que ce zouf? J'ai un stack de diamants là. J'ai un stack de diams. Niveau 34. Oh, en vrai, on est bien là. Hein. Franchement, les gars. Là, on est vraiment bien. Hein. On débute très bien cette petite cité, je tiens à vous le dire. Par contre, du coup, il faut que j'aille au 0-0. 0-0 qui se trouve là-bas. Sauf que du coup... comment on fait? Je pense qu'on va partir par là, puis tourner à droite dès qu'on en a la possibilité, à mon avis. Ok? C'est pas du 34. Ah, j'habite à Montpellier maintenant, mais j'ai toujours habité dans le 8-4 avant. Pendant très longtemps. Pendant très longtemps, j'étais dans le 84. Puis après, j'ai déménagé à Grenoble pour mes études. J'y suis resté 2 ans. 3 ans. 3 ans plutôt, ouais, 3 ans. Et puis après, j'ai redéménagé. Je suis parti à Montpellier. Et là, ça va faire 4 ans bientôt que je suis à Montpellier. Voilà. En mars, ça fera 4 ans. Enfin, en mars, ça fera 4 ans que j'ai cet appart. Donc voilà. C'est ouf, hein. C'est trop beau ton pack, les minerais, on dirait des étoiles. Ouais, de ouf, hein. C'est insane, j'adore. C'est insane, j'adore. Je trouve ça trop, trop beau. J'adore, les amis, j'adore, en fait, j'adore. Qu'est-ce que j'ai manqué depuis 30 minutes? Pas grand-chose, mon ami, ne t'en fais pas, pas grand-chose. Là, je prends de l'XP depuis tout à l'heure. Et du stuff aussi. C'est surtout ça qui est important. Et puis voilà, tu étais avant dans le 84. Bah oui, bien sûr, justement, ouais, c'est ça. Pendant 18 ans. Et ouais. Pendant 18 ans... 18 ans nés. Où étais-tu lors de la Cité des Éléments? J'étais à Grenoble. C'était ma dernière année. J'ai déménagé l'année d'après. Donc voilà. Merci Lyoko, merci Cassiller, merci beaucoup. Bon allez, on va vers le 0-0 les amis. On retourne au centre. J'ai 900 blocs à parcourir. Et après, on va aller s'enchanter. On va espérer avoir... j'aimerais bien avoir fortune. Ça serait vraiment tip top. Ou alors, éventuellement... ou alors, pour pas prendre de risques, je prends... là, je fais une ou en diams que j'enchante Efficiency 4 et juste on va tracer les Shroom Light. Au pire on peut faire ça aussi. Merci Taki, merci beaucoup, merci 6 Jupiter. Merci infiniment. Merci infiniment. On est d'accord, tu joues pour écraser les Espagnols. Mais pas que les Espagnols mec, je joue pour écraser les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Belges, les Brésiliens. Les Belges ils jouent plus ou quoi là? Ils sont partis dodo? Ou alors peut-être que vu qu'ils sont au lobby, qu'ils sont en train de faire les têtes, peut-être que du coup ça les compte pas là-dessus. C'est peut-être ça en vrai, hein. Vu qu'ils sont au lobby, à mon avis ça doit être ça. S'ils sont au lobby, ça doit pas les afficher dans le tab. Je pense que c'est ça. Il y a déjà Jim au Froglight, hein. Il fait les Froglight là, Jimmy? Ok. Bah après, non mais honnêtement, entre guillemets, les Froglight en fait, la map est tellement gigantesque que même si on est 2 ou 3 au Froglight, ça ne change strictement rien du tout. Le skin d'Australie. Bah après le truc c'est que là l'Australie les gars chez eux bon voilà bon faites le décalage horaire, enfin faites la conversion en termes d'horaire, vous allez vite comprendre pourquoi ils sont pas là, hein. Je vous le dis, hein. Je sais pas si est-ce que si je passe par là c'est une bonne idée ou non, en fait je sais pas si c'est une bonne idée. Ah, y a rien là, non? On est d'accord, y a rien de l'autre côté là. Je sais pas si en fait ces ravines ils traversent la map ou non, en fait j'aimerais bien savoir directement, parce que si ça traverse ça toute la map, ça peut être un gain de temps de passer par les ravines comme ça. Eh ben non. Ah si. Oh attendez. Merci pour le... ah c'est quoi ces ravines de ouf là? C'est quoi tout ça là? Regardez-moi tout ça là. C'est incroyable. Et merci pour les 15 subgifts encore, Slomania qui reprend là, qui repasse premier. Merci Ulysse X, merci pour le sub, merci Leblon68. Merci Taki aussi pour les 1 an de sub tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Comment on fait le choix des nations sélectionnées? Je trouve ça trop cool qu'il y ait des Brésiliens. C'est Sifano, en fait, il envoie des DM, enfin pas Sifano, mais les organisateurs ont envoyé des DM un peu à plein de gens, des streamers du monde entier. Et en fonction de si ça leur semble faisable de mettre une team de 10 streamers, ils le font. Dis-toi, hein, il suffit pas d'avoir un ou deux streamers, il faut vraiment avoir 10 streamers. Donc c'est-à-dire que
S'il y en a pas assez qui répondent, bah c'est FF quoi. Ah ok, j'ai fait tout ce chemin pour absolument rien du tout. Ça fait plaisir. Bah en vrai, tant qu'on est là, je vais prendre le lapis et je vais monter niveau 36. Hein. Tant qu'on est là, au moins, on n'est pas venu là pour rien. Mais du coup, c'est vrai que pour le coup, c'est... Ils choisissent eux, entre guillemets, en fonction de ce qui est possible. Genre au début, ils voulaient faire une team Québec. Sauf que pareil, c'est infaisable en fait. La team Québec, c'est infaisable parce qu'il n'y a pas assez de youtubeurs et de streamers québécois ou canadiens. Merci Capichou. Merci Lulu 911 Bess. Merci pour le Prime. Merci les gars. Merci tout le monde. Moi, je voulais prendre plus de la piste, mais en vrai, en fait, le problème, c'est que c'est surtout sur les murs et ça fait chier, en fait. 4 stacks. Il a 4 stacks de diamants, Ninjax, ça. Putain, what the fuck. En vrai, niveau diamants, on est vraiment tranquille pendant très, très, très longtemps. Et en vrai, tant mieux, parce que quand il va y avoir le PVP, il va falloir qu'on se la donne, hein, avec les autres équipes, là. Quand il va y avoir le PVP, là, mon gars, ça va envoyer, hein, je te le dis. Clairement. Il y a une... C'est quoi la particularité de cette cité des nations? C'est que c'est une cité qui se passe dans l'espace, donc c'est une guerre un peu spatiale. Et en fait, il y a plein de planètes à débloquer, il faut améliorer son vaisseau. Un peu comme la première Cité des Nations où tu pouvais améliorer ta base. Genre à l'époque, on pouvait améliorer, nous c'était améliorer notre quartier ou je sais plus c'était quoi, mais je crois que c'était le... Ouais, c'était les Champs-Élysées. Non, c'était l'Arc de Triomphe qu'on avait, nous. Ouais, c'est ça. C'était l'Arc de Triomphe qu'on avait, et ben on pouvait améliorer ce monument. Et en fait, ça nous donnait des avantages. Bah là, en fait, on peut améliorer notre vaisseau spatial de la team française qui donne pareil les mêmes avantages. Et du coup, c'est l'objectif du coup de le faire assez rapidement en récupérant de l'or. Sauf que pour ça, il faut faire des échanges d'un minerai ou de ressources assez particulières. Et donc là, ce que je suis en train de faire pour ce jour 1, c'est mon stuff entièrement, monter niveau 36, parce qu'on n'a pas le nether avant très longtemps. Donc l'objectif, c'est de monter niveau 36 à la main pour aller me faire des efficiencies, des trucs comme ça, et aller farmer à mort les ressources qui donnent de l'or pour améliorer le vaisseau et débloquer Ast. Etc, etc. Un boost d'XP perma, etc, etc. Voilà. Ma cité préférée, c'était la première cité des nations. Donc voilà, Bichard a 53 carottes. Oh. J'ai l'impression que les Bichard, ils ragent, ils partent. Ouais. T'as eu où tes carottes? J'ai dans un... Je sais pas, c'est Frigel qui me les oppose. Tu peux en poser dans le coffre de la base après? Parce qu'en vrai, tout le monde en aura besoin pour la quête. Sur la première île. Ah bah voilà. Bichard qui les carottes, ça me dégoûte. Vu que tout le monde en aura besoin pour la quête, ça serait bien si on pouvait en laisser un peu chevaux. À chaque fois. C'est ça les carottes, c'est les poches. Ouais. Tiens, carottes dorées, ouais. Ah dorées, mais. Ah mais oui, du coup oui. Mais les patates, on en avait aussi, non? J'ai des patates, moi c'est pareil. Non, je crois pas. Non, c'est carottes dorées. Non, c'est golden apple et patates dorées. Ah mais putain, je confonds. Oui, pardon. Non mais je crois que c'est vraiment juste carottes dorées. Je crois que c'est patates dorées. Je vais retourner à la base pour faire des carottes dorées. Du coup ouais, si vous pouvez laisser des carottes dans le coffre, je suis giga chaud. Ouais, ça nous. Il y en a déjà. D'ailleurs, si vous avez du blanc sans rave, je suis giga chaud. Genre, tu vois le premier coffre de la rangée, bah, c'est dans le dernier qu'il y en a. Attends, j'ai pas encore vu, mais je vais voir. Le premier coffre de la rangée. Bah, c'est pas celui-là. Bah, genre, le dernier tout en bas. La conne. Ouais, en fait, on t'a laissé des carottes. Tu vois les coffres de la base? Eh ben, en fait, c'est pas là. Qu'est-ce que tu disais là? Elle est en train de péter sa pote, mais pourquoi? La witch, elle est en train de baiser sa pote. Genre, ils sont toutes les deux. Bah, mais entre amis, ça peut le faire des fois. Non, mais là, c'est quand même très drôle à quel point elle s'envoie des trucs depuis tout à l'heure. Je savais même pas qu'elle. Mais. Et comment on revient une fois que je suis au zéro? Ah, ils sont juste à base. Bah, c'est des witch qui veulent juste le territoire. C'est qui elle sera la meilleure witch du territoire? J'ai l'impression, ouais. Je suis au 0-0, mais comment on revient? C'est tout. Ah, c'était le vaisseau là. C'est moi, ils sont morts. J'ai compris le nom. Comment ça, mon ref? Comment ça, mon ref? On va faire des carottes dorées si on aura fini la quête. Non, mais est-ce qu'il y a une seule personne qui a plus de genre 8 ou 9 blossoms quoi sur lui? Comme ça, il peut en avoir pour tout le monde parce que là, je pète un câble. Tu sais, c'est les dernières fleurs qui manquent pour la quête. Les blossoms. J'en ai plus, moi. Désolé. Du tout? Non. Moi, j'ai pas celle-là. Frigiel. Non, t'es j'en ai plus que... Bon, je reviens. Bon, j'arrive à la base. Let's go, j'arrive enfin là. OMG, en fait. Un Brésilien! Trop bien! C'est la première fois que j'assiste à une cité. Bienvenue les gars, bienvenue à tous! En vrai, j'espère que ça vous plaira, les amis. Hein. En vrai, comme event, hein. J'espère vraiment que ça vous plaira. Ça s'annonce être méga cool, je pense. Pour de vrai. Ça s'annonce être absolument méga cool. Ça veut dire qu'on aurait pu avoir le retour de Steelers s'il y avait eu l'équipe Québec? En vrai, je sais pas s'il aurait été chaud. En fait, c'est justement pour ce genre de raison qu'il n'y a pas Team Québec, c'est que c'est trop compliqué de trouver en fait des streamers québécois en fait. C'est ça, tu vois. Donc bon. En gros, c'est ça l'idée quoi. Vas-y, on me rêve jamais, j'en ai marre. Désolé, mec, il y a beaucoup de gens. Hein. Je fais de mon max hein, pour essayer d'être au taquet de partout. Mais voilà, tu fais quoi? Eh ben là, je rentre à la base et je vais aller m'enchanter directement.